Mes chers collègues, je vais vous inviter à prendre place. Et euh, David Kahn, il est où Ah oui, juste devant moi. Je ne sais pas, je regarde ailleurs. Hop. Si vous voulez bien prendre place, on a le quorum, Madame Gabriel. La séance est ouverte. Donc, euh, j'ai reçu les délégations de vote suivantes. Margot Delettré donne pouvoir à Alain Geste, Richard Riffiot à Nathalie Lavalard, Olivier Jardet sera en retard et dans l'attente donne pouvoir à Annie Verrier, Pascal Rifflard s'est excusé, Sonia Amadi donne pouvoir à Nathalie Devèze, Nathalie Leclerc donne pouvoir à Marie-Hélène Boucher et Martin Domi s'est excusé. Peut-être d'autres pouvoirs circulent-ils non. Alors, désignation des secrétaires de séance. Euh, comme il est d'usage, je propose donc Claudine Galliot, qui est d'accord, Paul-Éric Deckle, et qui est également d'accord. Je les remercie l'un et l'autre, je pense pouvoir euh, interpréter leur, euh, leur accord. Je vous remercie. Donc, euh, communication du maire. Je vous informe que j'ai reçu trois questions orales que nous étudierons. Comme euh, il est d'usage en fin de séance. Je vous rappelle dès à présent que notre prochaine séance est prévue le jeudi 9 décembre 2021 à 18h ici même. Mais euh, je vous signale que nous aurons aussi, je l'ai indiqué au président de groupe, nous aurons une séance euh, particulière de commission plénière le. Quelle est la date exacte je vais vous dire ça dans quelques instants. Euh, donc une commission plénière qui euh, aura lieu, salle de Waï, en présence des élus municipaux et métropolitains, pour le 30 novembre à 18h, pour euh, euh, vous présenter le projet qu'on appelle de, dans le cadre de la vallée idéale, donc euh, dans le secteur de la gare euh, du secteur gare à la vallée. C'est le projet qui a été retenu dans le cadre... Des trois mondes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, euh, projet retenu euh, dans ce cadre, c'est l'équipe Vinci Duval euh, qui viendra vous présenter ce projet. Ce projet a été retenu dans le mandat précédent et il avait à l'époque fait l'objet d'une communication au sein du conseil municipal. Mais depuis, de nouveaux élus euh, sont en, en poste, d'une part, et d'autre part, le projet a évolué c'est la raison pour laquelle il m'est apparu important d'avoir ce, euh, cette séance, donc euh, particulière, qui vient s'ajouter à nos séances de conseil municipal et au cours de laquelle, donc, vous pourrez euh, euh, écouter madame menu, l'architecte du projet, et puis euh, l'équipe vinci du donc, qui viendra expliquer un petit peu ce qui va pouvoir être fait dans ce secteur, gare la vallée, qui est un secteur très stratégique. Comme vous le savez, euh, vous trouverez sur vos pupitres un exemplaire hors série du JDA intitulé 2020-2021 Un an d'action. Paris, paru ce mois-ci, est consacré au bilan des actions réalisées ou en cours de réalisation depuis le début de ce mandat. Vous y retrouverez notamment les actions et projets phares sur lesquels la ville et amiens métropole ont travaillé dans les domaines de l'écologie, de l'aménagement, de l'attractivité, de l'emploi, de la sécurité ou encore de la mobilité et de la solidarité. Et je euh, salue bien sûr la présence parmi nous ce soir de David Kain, directeur général d'Amsom Habitat, qui va présenter avec Véronique Cleche, la présidente d'Amsom Habitat, qui est notre collègue, donc un bilan de l'activité d'Amsom Habitat sur la ville d'Amiens. Il pourra répondre également à vos éventuelles questions. Euh, je rappelle que euh, Amsom Habitat est euh, un organisme extrêmement important pour nous. C'est en quelque sorte notre bras armé en matière de, de logement. Et donc, je remercie particulièrement M. Quin de, euh, de venir ce soir. Euh, normalement, à l'origine, il était prévu qu'il vienne au mois de juin. Et euh, le Conseil municipal étant déjà très chargé, j'avais souhaité remettre cette euh, rencontre. Et comme euh, au Conseil municipal de septembre, M. Quin n'était pas disponible, c'est la raison pour laquelle c'est ce soir qu'il est euh, présent. Il va vous présenter dans quelques instants son organisme. Et donc, je vais, je vais suspendre la séance pour qu'il puisse prendre la parole, puisque je vous rappelle que seuls les élus municipaux peuvent parler au sein de ce Conseil. Euh, mais je vais d'abord euh, passer la parole à Alain Geste, qui souhaite euh, euh, dire quelques mots sur AMSOM Habitat. Puis, je donnerai la parole à Véronique Clech, en tant que présidente, et enfin à M. Kain. Alain Geste. Merci Madame le maire. Euh, simplement quelques mots pour euh, rappeler un peu l'historique, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce domaine depuis maintenant euh, un an et demi à deux ans. Euh, lorsque, euh, lors du précédent mandat, euh, au début du mandat, l'OPAC était rattaché à la ville d'Amiens euh, comme euh, collectivité, euh, euh, comment dirais-je, oui, euh, de rattachement. Le, la loi a fait que ce devait être ensuite euh, un rattachement auprès d'une euh, intercommunalité. Donc, l'OPAC est passé auprès d'Amiens Métropole. Et, euh, comment dirais-je, nous avons euh, envisagé un rapprochement avec euh, l'OpSom qui était l'office d'HLM du département de la Somme. Et donc, euh, euh, comme nous avons fusionné les deux organismes, il fallait trouver une solution pour que euh, ces deux organismes fusionnés soient rattachés à une nouvelle collectivité. Ce ne pouvait pas être euh, ni à Mien Métropole, car le département aurait considéré euh, que c'était une à mise en quelque sorte sur le dispositif. Et à partir de là, nous avons euh, décidé de créer avec le département un syndicat mixte que je préside et dont Stéphane Ossoulier est maintenant le premier vice-président. Euh, par ailleurs, le AMSOM Habitat, le 27 janvier 2021, et Betsom Habitat, c'est-à-dire l'organisme de, de la Côte Picarde, enfin fait de, de, de la communauté d'agglomération d'Abbeville, ont choisi d'unir leurs forces pour créer ce que la loi Allure avait permis de créer, c'est-à-dire une SAC, une Société d'Animation et de Coordination, que nous avons baptisée Cineo. Alors… Ce n'est pas une fusion, hein, comme cela avait été le cas entre l'OPAC et l'OPSOM, c'est un rapprochement qui permet de répondre aux obligations de la loi Élan, euh, qui euh, impose aux organismes de logements sociaux de gérer au minimum 12 000 logements à compter du 1er janvier 2021. Euh, la SAC en question pèse, entre guillemets, 25 000 logements. Les euh, 20 000, en gros, hein, j'arrondis, les 20 000 logements d'AmSom Habitat et les un peu moins de 5 000, habitants, 5 000 logements de euh, Betsom Habitat. Donc, euh, ce qui permet aux deux offices de collaborer en restant indépendants. Et au-delà de cette contrainte légale, ce rapprochement affirme une volonté réelle de nos collectivités de mieux collaborer et de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Il faut savoir que, contrairement à Betsom Habitat, Amsom n'était pas concerné par la loi Elan, n'avait pas d'obligation puisque pesait déjà largement plus que la norme de 12 000 logements. Mais nous avons voulu ce mariage car nous partageons la même volonté de conserver un statut public, une gouvernance locale et un ancrage territorial pour nos offices d'habitat. J'ajoute que la tendance actuelle est à la concentration et à la création d'offices. Très, très important. Ça peut aller jusqu'à 100 000 logements. Euh, et donc, ce qui peut aboutir à éloigner les centres des décisions des préoccupations locales. Ce point est donc euh, extrêmement important pour euh, les élus, car nous sommes indispensables de garder la main sur la politique d'habitat social. Voilà ce que je souhaitais euh, vous rappeler. C'est donc euh, Cineo qui euh, réunit maintenant euh, Amsom Habitat et euh, comment dirais-je Bensom Habitat. Et c'est notre collègue Véronique Clèche ah qui, d'ailleurs, préside également cette structure. Je la cherchais des yeux, là, voilà. Et qui préside Bensom Habitat également, dont le conseil d'administration vient d'être renouvelé il y a quelques jours. Eh bien, je passe la parole sans plus attendre à la présidente d'Bensom, Véronique Clèche. Merci, madame la maire. Donc, effectivement, nous allons vous présenter ce soir un, un bilan d'activité euh, d'AMSOM Habitat. Ce que je souhaitais dire euh, en préambule, c'est que nous avons la chance d'avoir euh, un office qui a des performances économiques euh, solides, qui bénéficie d'une bonne gestion et d'une organisation efficace. Et ça, ça me paraît tout à fait primordial. La chance également d'avoir un patrimoine qui est euh, globalement dans un bon état euh, technique, même si nous avons encore effectivement dans. Dans les années à venir, quelques 300 000 logements à, à rénover. Et puis, euh, une stratégie agile, euh, une capacité d'anticipation. On l'a encore vu euh, récemment avec euh, les fonds friches. On était prêt à répondre. C'est comme ça qu'on a pu euh, récupérer euh, près de 3 millions de subventions. Si on n'avait pas été prêt à répondre à ces appels-là, ce n'était pas réalisable. Donc, une réactivité à la moindre opportunité. Et... Une politique de groupe, M. Gess vient, de, vient de, le, de le citer via Cineo, où, le, où on le verra également tout à l'heure, nous faisons partie du GIE, GIE Canopé, qui nous permet aussi de mutualiser quelques activités. Et puis, euh, AMSOM Habitat dispose d'un véritable savoir-faire. Nous avons des équipes très compétentes, très professionnelles et très impliquées. Et ça aussi, ça me paraît être une grande force euh, de, de cet office. Voilà. Et nous sommes aussi également. Euh, par tous ces projets, par toutes ces réalisations, un acteur majeur du territoire. C'est plus de 1000 emplois sur le territoire direct ou indirect que nous représentons. Voilà. Donc ça me paraissait essentiel de rappeler ces quelques points en préambule. Merci Véronique. Donc je suspends la séance pour permettre à M. Quin de s'exprimer et je lui passe la parole. Merci beaucoup y compris pour les compliments que vous nous donnez. Donc, si vous pouvez avancer le diaporama, on va passer directement, effectivement, aux données de cadre, très rapidement, pour vous présenter AmSom Habitat. Euh, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, euh, AmSom Habitat, aujourd'hui, représente 20 268 logements, très exactement, au 31 décembre 2020. On loge environ 45 000 habitants dans le département. C'est 400 euh, collaborateurs. Et on est présent aujourd'hui dans 111 communes euh, du département. Comme M. Geste l'a rappelé, euh, la fusion entre le PAC d'Amiens et, et l'Obsom est effective depuis le 1er janvier 2020. On a fusionné dans un délai assez rapide, puisque la décision a été prise à la fin de l'année euh, la 2018. Donc on avait une année pour se, se préparer. Cette fusion s'est plutôt bien passée, y compris. Euh, pendant la période de Covid, hein, puisqu'une fusion au 1er janvier 2020, ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite prêt à, à, à agir euh, en, en parfaite harmonie euh, de procédure. Et donc, la période de Covid a été un petit peu compliquée. Néanmoins, aujourd'hui, on a un organisme qui fonctionne euh, parfaitement et qui remplit ses objectifs. Sur la diapo suivante, comme l'a rappelé Monsieur Geste, un petit schéma. Donc, AMSOM Habitat dépend d'une structure, a nécessairement une structure de rattachement qui est aujourd'hui le syndicat mixte de l'habitat de la Somme, composé donc d'Amiens Métropole et du département de la Somme. Ce sont six membres qui représentent trois pour Amiens Métropole et trois pour le département. Donc, une parité en matière de représentation. AMSOM Habitat. Fait partie d'un réseau, un réseau d'abord avec Canopé. Canopé, c'est composé des bailleurs Picard, des autres offices en Picardie. Donc, on a l'Opal, l'Aisne, on a Oise Habitat dans l'Oise, on a aussi Reims Habitat qui n'est pas dans la Picardie évidemment, mais à toute proximité. Et on sera bientôt rejoint par l'Opac de l'Oise, qui est un bailleur important dans l'Oise. Donc, Canopé représente aujourd'hui à peu près 100 000 logements. On n'est pas du tout dans une logique de groupe. On est vraiment dans un, une logique de, de travail et euh, d'économie euh, sur certaines actions qu'on qu réalise ensemble. C'est Cineo maintenant avec euh, Betsum Habitat. Donc là, Cineo euh, c'est une société euh, en tant que telle qui a été créée au, au début de cette année. Et enfin donc euh, à côté d'Amsum Habitat pour l'accession la, euh, en location, accession, l'accession sociale. En, en PSLA, eh bien, euh, nous, nous travaillons avec toi aussi, qui est rattaché à AMSOM Habitat euh, Organisme. Alors maintenant, j'en viens à Amiens en tant que tel. Donc, euh, Amiens, c'est la principale ville, évidemment, euh, en ce qui nous concerne, puisque historiquement, le pacte d'Amiens euh, s'est développé sur euh, sur la ville. Donc, c'est 13 602 logements euh, exactement au 31 décembre 2020, 175 résidence, 114 gardiens, je rappelle toujours qu'on a une particularité, j'en en parlais après, sur la proximité, mais un personnel de proximité très important, et on représente à peu près 30 000 occupants dans nos logements, ce qui fait donc une proportion relativement importante euh, par rapport au nombre d'habitants de la ville. Donc ça c'était pour des données de cadrage. Sur euh, un petit historique, puisque... Euh, euh, AMSOM Habitat, c'est d'abord le Pac d'Amiens qui a énormément fait de choses euh, ces dernières années, et donc euh, des choses dans une dynamique de rattrapage. et Je voulais insister effectivement euh, là-dessus, puisque euh, ces dernières années, beaucoup de choses ont été faites en interne comme sur notre patrimoine, et un des enjeux était de rénover le patrimoine, euh, et cet investissement, il a été considérable, massif. Vous avez sur la petite diapo qu'on voit pas très bien à gauche les dépenses de travaux ramenées en euros au logement. Vous avez sur la partie orange la médiane nationale qui, venait à peu près, qui nous permet de nous comparer les offices les uns aux autres. Et pour l'organisme, c'est le double, presque le double, d'investissements réalisés ces dernières années sur le patrimoine par rapport à la moyenne nationale. Et c'est principalement sur les gros travaux et les réhabilitations qu'on a agi. Vous avez vu, hein, partout dans la ville, on a eu pendant des années et des années des échafaudages sur nos façades. Euh, alors, ce n'était pas du luxe parce qu'on avait quand même un constat de retard extrêmement important. Donc, qui a été en partie, euh, comme le disait Madame Clèche, levé. Hein, il nous reste encore des choses à faire. On vous en présentera quelques-unes après. Mais néanmoins, le plus gros a été réalisé pendant cette période. Et donc, ces 473 millions d'euros euh, en travaux. Euh, ça représente ça hein, sur la période 2015-2019. Euh, J'y ai ajouté 32 millions de dépenses en 2020, c'est moins que la moyenne, mais c'était aussi euh, lié au Covid. On a eu des arrêts de chantier en 2020 qui nous ont empêché effectivement euh, d'assumer de, de, le budget qu'on avait prévu. Donc la proportion, c'est pareil, elle est, euh, la proportion de ces dépenses, c'est d'abord sur le patrimoine, beaucoup moins dans le développement, mais on ne pouvait pas effectivement être à la fois sur la rénovation du patrimoine et sur une production euh, importante. Donc j'insiste là-dessus, cet investissement a été vraiment considérable pendant ces, années, ces dernières années. Et donc si on passe à la diapo suivante, quelques chiffres, Japo euh, suivante, voilà. Donc entre 2016 et 2020, c'est 4350 logements qui ont été réhabilités, donc logements livraison, hein, livrés. Euh, on a aujourd'hui 6000 logements qui sont raccordés au réseau de chaleur. Alors J'en parlerai euh, tout à l'heure, c'est particulièrement important en matière de performance euh, énergétique de nos bâtiments. On a aussi travaillé pendant cette, euh, cette dernière période sur la signature de la nouvelle convention de renouvellement urbain. Ça n'a pas été euh, simple. Euh, on a d'ailleurs un avenant qui sera prochainement euh, normalement signé qui permettra d'y ajouter euh, Rennesville, qui... Euh, s'appelle Flessel dans la ligne, mais qui en fait est Rennesville. Euh, et donc cette, cette convention de renouvellement urbain, elle représente euh, beaucoup d'enjeux, notamment pour le quartier nord, puisque elle prévoit 368 euh, logements euh, démolis et la réhabilitation de grands ensembles euh, dans le quartier. On a également un nouveau plan stratégique depuis l'année dernière qui prévoit des restructurations hein, sur euh, Amiens, en, notamment Cordonnier dont on a beaucoup parlé, la rue Condornier, la résidence défense, défense passive, l'Escouvet, on change de quartier, Saint-Exupéry, et le reste de la dernière résidence non réhabilitée dans le quartier nord, qui est Porte des Flandres, qui est également prévue dans ces, dans ces prochaines années. Bien entendu, ce plan stratégique de patrimoine inclut de nouveau un certain nombre d'actions en matière de rénovation énergétique sur le patrimoine. Euh, et aussi d'autres enjeux en matière, en matière environnementale. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Enfin, on a obtenu pendant, euh, pendant la période de, de l'an dernier, pendant la période de Covid, un agrément, l'agrément d'office foncier solidaire. J'y reviendrai après tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est. En fait, on est le premier organisme de la région à l'avoir obtenu. On est le sixième au niveau national à avoir obtenu cet agrément ce qui nous permettra d'engager un certain nombre d'actions sur le patrimoine. Alors évidemment, pour faire tout ça, il fallait qu'en interne, on puisse améliorer nos indicateurs de gestion, dégager des ressources pour pouvoir investir, et aussi dégager et permettre aux ressources humaines d'assumer ces, tous ces enjeux. Un des gros sujets en 2015 était le nombre important de vacants, puisque plus de 1250 logements étaient vacants au 31 décembre 2015. Sur le patrimoine, alors c'était lié essentiellement à de la vacance technique, puisque beaucoup de logements étaient non louables. Aujourd'hui, là, je vous donne les chiffres. Au 31 décembre 2020, on avait 62 logements qui étaient en vacances commerciales de plus de trois mois. On a une vacance de 0,46% comparée à une moyenne nationale de 1,4 sur la vacance commerciale. On a de la vacance stratégique qui correspond à 307 logements, sont les logements qui vont être ou, vend, ou démolis pour la plupart, ou quelques-uns qui vont être vendus. Donc on a une vacance qui aujourd'hui est très en dessous de la moyenne nationale, alors qu'on était au-dessus en 2015. Donc c'est évidemment les efforts de rénovation qui ont permis d'atteindre ce résultat, l'attractivité du patrimoine s'est nettement améliorée, mais c'est aussi tout le processus d'accompagnement des demandeurs de logements, les processus commerciaux. Qui ont été modifiés pendant toute cette période. Sur l'accompagnement, puisque au-delà au effectivement des, des, des attributions de logement, un organisme HLM accompagne énormément ses locataires. Et donc, c'est d'abord, et on le sait tous, l'accompagnement budgétaire, la gestion de l'impayé de loyer. Là aussi, l'impayé de loyer, ça représente une perte pour un organisme HLM. Et donc, si on veut investir, il faut pouvoir dégager des ressources. Il faut aussi lutter contre l'impayé. Euh, là encore, vous avez des chiffres qui sont euh, sur, euh, sur le petit graphique. Donc, à part l'année dernière, où on a eu une hausse d'impayé pour rattraper la moyenne nationale, mais qui était liée aussi à la période de Covid, on a des chiffres d'impayé qui sont euh, très inférieurs aux moyennes nationales. Très rapidement, l'accompagnement un accompagnement budgétaire euh, des locataires. C'est euh, 5220 locataires. Donc, c'est. Euh, le nombre de locataires qui sont en situation de fragilité liée au budget dans une année, donc c'est considérable, et euh, avec donc des différents stades de procédure pour cet accompagnement. On travaille aussi dans l'accompagnement avec beaucoup d'associations. Les principales, je les ai citées, c'est Après-midi, à SAPAP, à Agénin, à, à, on, on à qui on loue des logements de manière à pouvoir faire de l'accueil de public spécifique. Et on a beaucoup aussi travaillé euh, en termes d'attractivité, c'est sur la tranquillité résidentielle, euh, et pas seulement euh, sur le quartier nord, hein, mais dans l'ensemble de notre patrimoine. On a pour cela installé près de 1200 caméras de vidéosurveillance, et on a une équipe aujourd'hui qui est dédiée essentiellement sur le sujet euh, de la tranquillité résidentielle, qui est composée de six collaborateurs. On a plein d'autres actions en matière d'accompagnement, hein, mais je pourrais les lister, notamment euh, l'accompagnement du public âgé. Il faut savoir que 26% de notre patrimoine est composé par des locataires qui ont plus de 65 ans. Donc, par exemple, on, on dépense chaque année plus de 500 000 euros pour adapter euh, des salles de bain, des toilettes aux euh, personnes qui ont des problèmes de mobilité. On a des actions spécifiques sur les publics étudiants, sur, euh, sur euh, les enfants avec les conciergeries, par exemple, qu'on a créé, qui créent euh, du soutien scolaire, etc. Donc, ces actions en matière d'accompagnement et de vie sociale dans nos quartiers, on y est particulièrement attentif. Mais là aussi, ça a permis d'améliorer l'attractivité de ces résidences. Tout ça étant dans une logique aussi économique. Alors, la gestion elle est rigoureuse. Je vous l'ai dit, hein, ces indicateurs sur sur l'impayé, sur la vacance, c'est des recettes en plus pour l'organisme. Euh, on n'a pas on n'a pas d'actionnaire, donc on n'a pas de dividende. Donc, l'ensemble des recettes qu'on fait chaque année est réinvesti dans le patrimoine. Et euh, c'est aussi lié aux, aux frais de structure qui sont beaucoup plus faibles que la moyenne nationale. Alors, le vrai défi, ça a été de maintenir des niveaux de structure faibles, alors même qu'on avait une activité beaucoup plus forte. Et euh, on y est effectivement arrivé ces, ces dernières années, puisque notre, euh, vous l'avez sur les deux petits graphiques de droite. En vert, c'est euh, c'est l'autofinancement moyen qu'on a obtenu ces dernières années et qui est là aussi supérieur assez nettement à la moyenne nationale, avec une évolution des loyers qui a été plus faible aussi que à la moyenne nationale. Voilà pour la gestion rigoureuse. Donc, tout ça est basé sur une, une organisation qui est très opérationnelle, beaucoup de monde sur le terrain, avec une, une, nos services de proximité, donc essentiellement les gardiens. Mais on a aussi des régies de travaux, des jardiniers. On a toute une action où le personnel agit directement au plus près des locataires et beaucoup moins dans les bureaux. Donc toutes ces activités de remise en place de, de processus où les, les, les salariés étaient beaucoup plus en dynamique que sur la gestion administrative a à favorisé à ces résultats. Et donc aujourd'hui, on était en 31 décembre 2020 à 397 salariés répartis de cette manière. La particularité aussi de notre organisme, et ça c'est une marque de fabrique par rapport à beaucoup d'autres, et surtout aux tendances actuelles, c'est qu'on intègre beaucoup d'activités. Il faut savoir aujourd'hui que la, la sous-traitance d'une partie de nos métiers est la tendance. Ce n'est pas seulement les gardiens d'immeubles qui sont remplacés par des sociétés de nettoyage, mais c'est aussi une grosse partie de nos activités. Donc nous, on souhaite en matière de diversification aussi intégrer d'émissions qui, normalement, sont externalisées. Donc, je pense effectivement aux gardiens, mais on a aussi nos jardiniers. On ne passe pas qu'avec des sociétés d'espace vert. On a un atelier régie d'une douzaine de personnes pour, essentiellement, Amiens, qui va faire de la plomberie, l'électricité, donc qui agit directement et qui, parfois, nous permet d'aller beaucoup plus vite que des délais d'entreprise. La remise en état des logements suite à été des lieux est également réalisée en interne, en partie. Tout le processus commercial est géré en interne. Tout l'accompagnement des locataires est géré en, en interne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des sociétés spécialisées qui font visiter les logements sociaux euh, et qui ne sont plus propres euh, aux organismes. C'est aussi une des conséquences euh, de, comment dire, économique, notamment liées à la RLS, c'est que pour réduire les coûts, un certain nombre d'organismes externalisent. C'est pas notre choix. On a aussi une maîtrise d'ouvrage importante. Je pense que Madame Cleche, en dira deux mots tout à l'heure, donc je vais pas trop en dire. Mais ça aussi, c'est une tendance importante. C'est que le recours à la VFA ou à de la prestation extérieure fait que les organismes aujourd'hui ont tendance à perdre en qualité de maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas notre cas. Ça représente 27 personnes. On a aussi des activités intégrées supplémentaires. Je vous parlais de la tranquillité. On travaille aussi sur les problématiques d'hygiène dans les logements. Je pense aux puces de lit, par exemple. On a une équipe propre qui permet aux locataires qui sont confrontés à ce dispositif d'avoir un accompagnement gratuit. Et ça prend là aussi de l'ampleur. On parle de sécurité. On travaille énormément avec les différents services pour préserver la sécurité de nos, nos immeubles. On a aussi, dans le cadre de l'amélioration de notre gestion, un développement d'outils numériques propres qu'on développe nous-mêmes avec un, un service informatique qui développe des outils, notamment ESTA, qui aujourd'hui d'ailleurs est installé chez d'autres de nos confrères, y compris dans d'autres régions. La communication, le marketing, l'étude d'innovation, tout ça est réalisé en interne. Pour faire face aux besoins, aux besoins d'activités nouvelles, on a aussi des services d'accession à la, à, la, à la propriété on parlait du de, de, BRS, mais on a aussi de la vente HLM, donc tout ça est réalisé en interne. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des communes, on a aussi un, un rôle d'aménageur essentiellement dans le rural, hein, euh, <laughs> donc qui nous permet d'avoir des actions à côté. Et on a maintenant une activité intégrée de syndic, euh, et on va travailler sur d'autres dispositifs, notamment l'autoconsommation électrique, qui va être un sujet très important pour les années qui viennent. Donc tout ça nous permet de maîtriser des coûts, inférieures euh, aux moyennes nationales et qui d'ailleurs ont baissé à la suite de la fusion, hein, les coûts de structure ont baissé à la suite de la fusion au 1er janvier 2020, ce qui est relativement euh, euh, rare. Ce n'est pas sur la masse salariale, c'est surtout euh, sur les frais de structure euh, euh, qui y sont associés. Et ça, c'était vraiment nécessaire parce que vous le voyez sur la, euh, le graphique de droite, l'impact euh, des, des réformes euh, qui ont eu lieu notamment à partir de la loi de finances 2017, eh bien, nous pèse beaucoup, puisque deux choses l'augmentation de la taxe CG2LS, c'est une taxe propre aux organismes HLM, fait qu'on a un impact relativement important, et surtout la réduction de la solidarité, la participation de l'organisme à la diminution en fait, du coût de l'APL, fait qu'aujourd'hui, ça représente 6 millions d'euros qu'il qui, qui faut donc pouvoir assumer tout en permettant effectivement de, de, de réaliser des résultats. Donc tout ça, euh, tout ce contexte a été géré ces dernières années et, euh, et nous ont, nous permettent aujourd'hui d'avoir des fortes capacités d'investissement, d'avoir de dégager chaque année un, autofin un autofinancement suffisant pour pouvoir agir. Et je vais laisser la parole à Madame Klech qui va vous présenter quelques exemples de l'utilisation en fait de ces ressources. On le fait à deux voix. Oui, oui, euh, Madame Klech. Merci, Madame le Maire. Alors, effectivement, les enjeux de renouvellement sur la période 2022-2026, si je peux avoir la slide suivante. Donc, le renouvellement urbain. Alors, je vais vous faire un zoom sur Amiens, mais sachez qu'au niveau de l'ensemble d'Amsom, c'est-à-dire la, la ville, métro, plus le département, c'est 155 millions qui sont dédiés au renouvellement urbain. Donc, sur le quartier Marivaux. Euh, vous avez pu voir donc la phase 1, c'était Allonville, 170 logements qui est terminé depuis 2018. La phase 2, c'était Allonville 2, avec 224 logements terminés en 2019. Euh, la phase 3, c'est ce qu'on appelle plutôt la Rochefoucauld, qui représente 334 logements qui est en cours. Vous avez peut-être pu voir déjà des façades qui sont pixelisées, qui sont très intéressantes, euh, qui devraient être livrées euh, fin d'année ou début 2022. Et puis la phase 4, qui a pris un petit peu de retard avec le Covid-19, qui sont les deux immeubles qu'on appelle plus communément ambroise Paré avec 40 logements, et puis Baudelaire, avec 61 logements. Le tout représente 23 millions d'euros. Sur le pigeonnier, donc là, pareil, il y a eu six phases hein, la Dravel fin 2020, la réhabilitation de Debussy en 2022. Euh, la démolition de Messager qui aura lieu effectivement également en 2022, 160 logements, la réhabilitation de Renville, 605 logements, qui sera effectif fin 2024, la démolition de Couperin, qui sera effectif fin 2025, et dans ce cadre, une reconstruction de 200 logements fin, pour fin 2026. Sur ces 200 logements, 80% environ seront en PSCLA. L'ensemble représente 69 millions d'investissements. Ce seront 884 logements réhabilités, 320 logements démolis. Donc là aussi, euh, encore un, un bel investissement qui permettra au quartier de, de, reprendre, de reprendre une autre vie. Un petit zoom sur Rennesville. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas très, très bien euh, à l'écran les, les façades, ce qui a, ce qui a été retenu. Euh, néanmoins, ce qui me paraît intéressant de vous montrer sur la, la, la vue de gauche, Rennesville, pour ceux qui l'ont en tête, ce sont quand même de, de grandes barres euh, qui coupent énormément entre Amiens-Nord et, euh, et Saint-Pierre. Donc le parti pris, ça a été de dire on va créer quatre îlots puisqu'on va démolir 44 logements uniquement pour pouvoir créer des, des traversantes et avoir ces quatre îlots. Euh, ces quatre îlots sur lesquels on a attaché aussi beaucoup d'importance euh, à la végétalisation. Euh, et vous voyez donc euh, effectivement les cœurs d'îlots seront entièrement végétalisés. Donc, ça, ça nous paraissait effectivement important. C'est deux ans de travaux et les ordres de service vont être lancés d'ici la fin de l'année. Et là, c'est 25 millions d'euros sur, euh, sur Rennesville, hein, ce qui fait en moyenne quand même 41 000, 41 000 euros au logement. Euh, les consultations de, de locataires ont été très positives. Donc, déjà, c'est une résidence où les gens euh, se plaisent énormément hein, il y a très peu de, très peu de demandes de, de mutation. Ce sont des beaux appartements transversaux hein, avec une belle vue. Et euh, voilà, le, le, ce qu'on leur a proposé a vraiment euh, beaucoup plu. Quelque, quelques autres opérations à venir. Donc euh, Balzac Bruyère ou qu'on peut appeler aussi Porte des Flandres. Hein. Là, le chantier euh, démarrera en 2022. Là aussi, c'est 11 millions d'euros pour 264 logements. Euh, Cordonnier. De, de, qui est prévu de 2023 à 2026. Les études sont en cours. Là, il s'agit de 280 logements. Alors sur Cordonnier, donc il y a euh, cinq immeubles de mémoire. Euh, nous sommes vraiment en réflexion sur Cordonnier. Il est fort possible que nous soyons amenés à démolir deux immeubles qui euh, sont dans un état ne permettant pas une réhabilitation euh, de qualité pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc là, nous attendons les dernières études pour prendre la, la bonne décision. L'Escouvé, le chantier aura lieu de 2022 à 2024, 5 millions d'euros. Sur l'Escouvé, on peut remettre des balcons partout. Et ça, c'est un point auquel on attache de l'importance. À chaque fois que c'est possible, en Réa, on mettra des balcons. L'Escouvé, c'est faisable. On va pouvoir, par l'extérieur, créer des balcons. Et Saint-Exupéry, qui est représenté sans logement. Deux immeubles, un qui est entièrement qui est réhabilité, qui est presque terminé, et un qui, euh, sur lequel on a créé un ascenseur, justement pour aussi la qualité euh, de vie et l'accessibilité à tous, et un qui va être démoli euh, en 2023 parce que, pareil, euh, il était dans un état où une réhabilitation ne pouvait pas être envisagée. Et il y aura une reconstruction, euh, notamment parce qu'en plus, à la place de l'immeuble, effectivement, mais parce que devant, il y avait aussi des terrains euh, pas utilisés et ça va nous permettre de reconstruire de, de petits bâtiments beaucoup plus bas. Donc là aussi, pour une qualité de vie beaucoup plus agréable. Donc voilà les quelques opérations phares que, que je pouvais vous présenter. Mais c'est en dehors du renouvellement urbain, c'est aussi d'être dans une stratégie d'offres diversifiées, d'offres durables. Alors, un, deux chiffres aussi sur, sur l'ensemble d'Amsam Habitat. Le locatif neuf, c'est 146 millions d'investissements et le BRS, ce sera 40 millions d'investissements sur la période. Donc sur Amiens, en termes Amiens Métropole, là j'ai des chiffres Amiens Métropole et pas uniquement la ville. Euh, le développement, c'est 767 logements neufs qui sont programmés sur du foncier déjà identifié. Sur ces 767 logements, donc vous aurez donc 202 maisons individuelles. Je vais prendre pour exemple le Square Colette ou la rue Gutenberg, où ce sont des belles petites maisons. 16 intermédiaires, et là je pense à Fasné par exemple. 5, 549 appartements. Alors dans ces 549 appartements, 216 seront en accession à la propriété. Et là, on est effectivement sur euh, du BRS, on, on reviendra un petit peu plus tard pour vous expliquer plus longuement le BRS. Et là, ce sera essentiellement Renancourt, tellier le quai Tellier, qui est une, une opération phare dans les années à venir, et puis euh, Longo sur l'ancienne friche euh, SNCF. Et également, dans ces 549 appartements, 117 en VFA, puisque effectivement, nous avons euh, des VFA Rurigolo, Intercampus, Emergence, et Camille Desmoulins. Néanmoins, vous voyez, euh, nous vous l'avons précisé, 650 logements en maîtrise d'ouvrage direct. Et ça, ça me paraît essentiel. Nous avons aujourd'hui à AMSAM Habitat euh, une équipe qui est capable de faire de la maîtrise d'ouvrage, qui est capable de réaliser de très belles choses. Donc, il est évident que nous allons de toute façon systématiquement privilégier euh, la maîtrise d'ouvrage à la VFA. Nous ne nous interdisons pas de refuser une VFA, nous l'avons fait il y a très peu de temps sur une VEFA qui ne nous semblait pas répondre à la qualité que nous attendions. Alors, l'accession en, en bail réel solidaire, c'est ce qui va avec l'agrément d'office foncier solidaire dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là, je vais laisser M. Kahn vous expliquer plus précisément le dispositif. Voilà, ouais, c'est un, un dispositif qui est très récent. Alors pour résumer, c'est la séparation du bâti et du foncier, ce qui permet effectivement de proposer en accession sociale des, à des, des coûts d'acquisition des, enfin des qui sont beaucoup plus accessibles et moins chers euh, que le neuf classique, euh, euh, voire même que le PSLA. Et euh, pour ça, l'organisme foncier solidaire reste propriétaire pendant euh, tout le temps euh, du foncier, en échange d'une redevance, l'accédant à la propriété du bâti, euh, achète son logement. Donc, il va pouvoir se constituer euh, un capital, qui pourra céder à, à ses enfants, euh, qui pourra revendre son bien. Euh, il y a des conditions euh, de revente qui permettent de maîtriser euh, le prix de revente. Hein. Le PSLA, aujourd'hui, vous revendez votre maison dans 10 ans, vous êtes libre de, de le vendre au prix du marché. Ce ne sera pas le cas euh, dans le cadre du BRS, puisque euh, le prix de revente est calculé dès le départ. C'est le prix d'acquisition plus multiplié par un indice annuel qui est l'indice du coût de la construction. Et ce qui évite d'avoir une augmentation importante du prix euh, d'acquisition. C'est du logement qui restera toujours entre guillemets, de l'accession sociale. Et euh, pour l'accédant, il y a un dispositif très sécurisé, euh, puisqu'il y a une, une, une obligation de rachat de l'OFS en cas de difficulté particulière. Et de relogement, comme on pourrait en voir pour une vente HLM. Donc, ce dispositif aujourd'hui, euh, il y a eu quelques exemples. Il y a moins de 100 logements qui ont été euh, vendus euh, au niveau na national. Il y a 25 000 logements qui sont aujourd'hui euh, programmés en BRS au niveau national. Pour euh, Amiens, donc, la première opération, c'est une opération dans les acres non courts. 51 logements sont commercialisés. À partir de la fin de cette année et au début de l'année prochaine, il faut savoir que sans avoir fait publicité, on a déjà énormément de, de demandes. Alors, il s'agit principalement de logements individuels, donc nécessairement euh, ces logements seront très attractifs. Mais on est aussi persuadé que, notamment sur l'opération Quetelier en, en centre-ville, eh bien, euh, on pourra proposer une, une de l'accession sociale. Euh, sur, euh, sur ce type de produit. Donc, c'est bien du complémentaire au euh, PSLA qui existe aujourd'hui. Et euh, ce sera effectivement un des axes de développement et de construction dans les années euh, qui viennent. Donc, voilà un peu pour la production de logements euh, sur Amiens. Donc, c'est vrai que par rapport à la période 2015-2020, on avait une production qui était plutôt limitée dans la mesure où on avait un effort considérable à faire sur le patrimoine. On voit aujourd'hui qu'on reprend. Euh, des capacités d'investissement, y compris pour la construction neuve, et c'est notre ambition de continuer à produire en répondant évidemment aux exigences de cette collectivité sur, euh, sur la commune. Enfin, pour terminer, un des engagements importants et, et qui va nous, nous préoccuper beaucoup ces années futures, c'est les engagements environnementaux, puisque comme beaucoup de structures, notamment euh, liées au logement, eh bien, on a une attention particulière pour... Euh, pour l'environnement et pour les charges de nos locataires et pour ça donc on a pris euh, dernièrement un certain nombre d'engagements donc c'est la diapo euh, suivante si vous voulez bien passer là voilà donc la, la réhabilitation euh, réalisée les années précédentes nous ont permis de réduire beaucoup euh, la, enfin, améliorer nettement la performance euh, énergétique de nos bâtiments puisque au, au delà de la rénovation des logements on a aussi travaillé énormément sur euh, l'isolation de l'enveloppe des bâtiments Isolation par l'extérieur, isolation des toitures, isolation des, des sous-sols, euh, changement des modes de chauffage, raccordement euh, au réseau de chaleur qui euh, aujourd'hui est, est plus vert euh, grâce aux énergies renouvelables. Et euh, notre préoccupation est d'atteindre des niveaux de performance qui continuent à s'améliorer. Donc, on a pris un engagement hein, sur les années qui viennent. Donc, au-delà des programmes de rénovation que on vous a présentés tout à l'heure, on aura aussi tout un plan de rénovation énergétique uniquement. Euh, sur le patrimoine, je pense par exemple à Saint-Ladre qui va faire l'objet de rénovation énergétique, euh, ou Pierre-Rolin qui va faire l'objet de rénovation énergétique. Donc des ensembles importants euh, qui seront euh, euh, réhabilités euh, uniquement sur la partie énergétique, avec un engagement, c'est d'être en dessous de 115 kWh par mètre carré par an euh, en 2035 en moyenne euh, sur notre patrimoine. C'est euh, Important puisqu'aujourd'hui on est à 175 ce qui est déjà pas mal, mais pour atteindre ce gap, il va falloir investir considérablement dans l'isolation des bâtiments. Autre objectif, c'est de réduire l'émission de gaz à effet de serre, hein, puisqu'on est un gros consommateur d'énergie pour chauffer les bâtiments, ou pour chauffer l'eau. Et donc là-dessus, on prend également des engagements, c'est d'atteindre un objectif de diminution de 50% de ces gaz, de l'émission de gaz à effet de serre moyen sur notre patrimoine. D'être à, à un peu moins de 20 kg d'équivalent CO2 par an, c'est un peu technique, mais c'est euh, la mesure. Euh, donc, ça, ça nécessite de travailler certes sur le bâti, mais aussi de travailler sur les ressources énergétiques, hein, ce qu'on utilise en énergie. Et euh, alors, Amiens a un grand avantage chez le réseau de chaleur. Donc, on travaille avec la CEMOP actuellement pour le raccordement de nouvelles résidences euh, anciennes, euh, mais aussi euh, les nouvelles pour pouvoir s'y raccorder. Mais on travaille aussi sur euh, d'autres dispositifs de chauffage sur les chaufferies collectives ou sur l'individuel, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Donc, de gros investissements qui vont être faits sur la partie énergétique. La partie énergétique, c'est aussi euh, travailler sur euh, l'autoconsommation électrique, puisque la loi a beaucoup évolué ces dernières années et nous permet d'autoconsommer de, de, euh, l'énergie électrique grâce à, aux panneaux euh, photovoltaïques. vous faut savoir, par exemple, que notre euh, bâtiment, euh, le siège, sera autoconsommé. Euh, consommateur de son électricité, y compris avec ses véhicules électriques, puisqu'aujourd'hui 70% de la flotte est en véhicule électrique. Et ça, on aimerait le faire sur notre patrimoine, qui lui aussi va pouvoir être doté prochainement de bornes électriques, puisqu'on est propriétaire de bâtis, mais on est aussi propriétaire de plein de places de parking. Et on a actuellement, par exemple, la première installation de bornes électriques sur notre patrimoine à, à Condorcet ce qui, couplé au panneau solaire, permettra de proposer un tarif de recharge pour nos locataires qui sera plutôt très intéressant. La partie énergétique, enfin, l'environnement, c'est aussi nos espaces verts. On est propriétaire de centaines d'hectares sur, sur notre patrimoine. Donc Là aussi, l'enjeu, au-delà de la gestion différenciée des espaces verts, eh c'est d'optimiser de de, de, cette gestion, des espaces verts en plantant des arbres, en favorisant la biodiversité. Donc on est en train des de mettre en place des actions avec des structures spécialisées qui nous aident à, à le faire. On va par exemple commencer à, à avoir des grosses actions de plantation d'arbres dès cette année, au mois de décembre, sur notre patrimoine. Et enfin, c'est déployer l'économie circulaire et les filières durables. Les nouvelles réglementations en matière de construction nécessitent, euh, favorisent. Euh, un certain nombre de filières, notamment de matériaux euh, biosourcés, euh, qui va falloir effectivement construire et consolider au niveau, euh, au niveau du territoire. Et comme aujourd'hui, on a un acteur qui est extrêmement important euh, à la fois dans la construction et la réhabilitation, on est obligé, euh, et pour être efficace, d'aider au développement de ces filières. Et là aussi, on va commencer à, à y travailler. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter dans un délai court, même si on a été débordé un petit peu, je pense. Non, non merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet d'avoir une vision assez complète de ce que fait l'OPAC, et je dirais que ça démontre, s'il en était besoin, que, que l'OPAC, excusez-moi de l'appeler toujours comme ça, mais c'est plus simple. Euh, c'est plus compréhensible par chacun. Euh, donc, cela démontre, s'il en était besoin, que l'OPAC est vraiment une entreprise citoyenne. Euh, donc, qui investit beaucoup, donc qui euh, favorise l'emploi dans notre ville, et c'est tant mieux. Mais qui euh, a aussi euh, des engagements forts en matière environnementale euh, et euh, qui veille à, à ce que ses locataires et les habitants de manière générale se sentent bien dans leur logement. Quand je vois que la vacance euh, baisse, euh, comme vous l'avez euh, démontré au début de votre propos, ça démontre euh, bien sûr que euh, les habitants se sentent bien dans leur logement. Euh, et, et pour moi, c'est une source de satisfaction de savoir cela. Je constate aussi que nous avons beaucoup moins de retours et de, de plaintes d'habitants qu'on qu en a eu par le passé. Ça, c'est un indicateur aussi euh, qui, euh, qui a toute sa, toute sa valeur. Et puis je, je note également le choix que vous avez fait et que nous partageons complètement d'une grande présence sur le terrain, avec le maillage de vos gardiens qui sont vraiment, qui connaissent parfaitement la situation des familles et qui, qui ont un rôle éminent dans le... Dans la vie de nos quartiers. Donc, euh, je voulais vraiment le, le, le souligner euh, de manière un petit peu euh, appuyée, rendre hommage donc euh, au travail que vous avez accompli vous en tant que directeur, mais autour de vous toute votre équipe et euh, tout, euh, tout l'ensemble du personnel de, de, de l'OPAC. Euh, donc, je pense que c'est vraiment ça mérite d'être souligné parce que euh, vous accueillez quand même un nombre très important de Miénois dans vos logements et ceux qui sont les plus euh, en difficulté. Je rappelle quand même que 80% de, des habitants de notre ville sont éligibles au logement euh, social. Alors, 80% ne sont pas logés dans le, le parc locatif social, mais 80% sont éligibles. C'est dire à quel point le rôle que vous avez est un rôle majeur euh, pour euh, les habitants de tous nos quartiers, puisque l'OPAC a des logements maintenant on peut dire à peu près dans tous les quartiers, et nous veillons à ce que dans les AC, en particulier, le pourcentage de logements euh, euh, social que nous avons dans la ville qui, est, euh, qui bordure les 35%, je vais dire, hein. donc bien au-delà de, du pourcentage exigé, et eh bien que ce pourcentage continue, euh, enfin, qu'il qu soit euh, euh, constant, euh, y compris avec les, les nouveaux logements qui sont construits un peu partout dans la ville. Voilà ce que je voulais dire, mais la parole est maintenant à qui le souhaite. Euh, c'est Monsieur Prada qui prend la parole. Merci Madame la Maire. Euh, bonsoir mes chers collègues. Bonsoir, M. Kim, Madame Klech. Euh, nous avons quelques petites questions. J'en ai quatre. Il mmh. euh, y a une première question que vous n'avez pas abordée, mais c'est euh, le nombre de demandes de logement qui sont aujourd'hui en souffrance. C'est des, des choses sur lesquelles on est interpellé régulièrement. Une deuxième question, c'est sur la médiation sociale. Il y a des gardiens, il y a des caméras de surveillance, mais quid de la médiation sociale euh, Ensuite, sur, euh, sur la diversification des logements, donc là j'ai une question un peu, un, peu, un, un peu, on va dire, euh, transversale, parce que euh, déjà, je vous remercie d'être venu nous présenter un peu la le bilan d'activité parce qu'on a eu pas mal de questions depuis le début du mandat, depuis un an, sur les questions logement. Et euh, donc sur l'opérateur toi aussi, on observe et on, on est intervenu des, plusieurs fois euh, sur le fait que l'opérateur toi aussi euh, est là pour euh, actionner le PSLA, mais que ça se fait essentiellement sur la maison individuelle. Il y a eu quelques expériences d'accession de, de, sociale. Euh, sur l'habitat intermédiaire, donc collectif, qui, est moins, qui prend moins de surface à euh, artificialiser que la maison individuelle. Et on voit qu'on a un peu du mal à sortir de ce modèle de la maison individuelle. Donc, je suis assez euh, intéressé par cette présentation du bail réel solidaire, qui est une autre façon euh, d'accéder à la propriété que je ne connaissais pas. Donc, je vais regarder un peu plus près. Sur, euh, sur cette question euh, aussi de l'accession sociale et de la diversification des modes d'habiter. Vous n'avez pas eu un seul mot sur l'habitat participatif. Or, on sait que dans d'autres villes, ce sont des dispositifs d'action de, de, euh, qui existent et qui permettent à des groupes d'habitants de se constituer avec des, souvent aussi des différentes façons d'habiter, que ça peut être du locatif, de l'accession sociale ou de la propriété, et d'être euh, des modes vertueux de, 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 de participation, de citoyenneté, euh, ou dans, dans, ces, dans ces habitats, on crée des salles communes, on crée une chambre d'amis commun, on a un jardin commun et ce sont des services qu'on n'a pas tous à disposition et qui permettent euh, de la mutualisation. Or, euh, ces expériences d'habitat participatif sont compliquées à mener et j'en sais quelque chose. Euh, et ils nécessitent l'aide de la puissance publique qui peut être de différents ordres, qui peut être sur la réservation de terrain, qui peut être sur euh, des, des parts, euh, des proportions dans une résidence réservé à ce type d'habitat comme ça se fait par ailleurs, et qui peut être aussi sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider ces collectifs à aller au bout de ces expériences qui sont souvent intergénérationnelles et mixtes. L'opérateur toi aussi pourrait être un bras armé d'une politique sur l'habitat participatif. Et la quatrième remarque est sur l'environnement. Donc on est, on est content d'entendre que l'Office va se préoccuper non, non plus seulement, et c'était une problématique importante qui était l'énergie dans la, dans la consommation qui est faite des logements, mais aussi de l'énergie qu'il ne faut pas consommer, c'est-à-dire l'énergie grise des matériaux et de la problématique des matériaux géosourcés et biosourcés. Qui, par ailleurs, peut être un formidable outil de développement économique. Je rappelle qu'il n'y a aucun isolant biosourcé issu du nord de la France actuellement en, sur le marché. Donc, cette problématique euh, est devenue imposée avec l'ARE 2020. C'est très bien que l'Office s'en empare pour ne pas avoir une, une réponse uniquement en termes de performance. Les matériaux biosourcés permettent l'économie circulaire, voilà, circulaire et en même temps d'avoir moins d'impact sur le CO2 aussi à la démolition et au réemploi. Dernière petite remarque, c'est un clin d'œil, on sait que c'est compliqué sur cette traîne résidence de réhabiliter, mais démolir à l'heure de la ré réfaction des ressources, est-ce bien raisonnable Merci Madame le maire. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ou... Non Donc, Je vais passer la parole à, à, à M. Quin, mais je voudrais simplement vous, vous dire, M. Prada, euh, que sauf erreur de ma part, c'est 12 de logements de l'opac qui sont des individuels. 12 ce n'est pas beaucoup. Euh, et je rappelle aussi que euh, le souhait de la plupart de nos concitoyens, quand, euh, quand ils accèdent notamment à la propriété, c'est d'avoir une petite maison avec un petit coin de, de terrain. Et que j'entends je, bien le discours qui consiste à dire qu'une maison avec un bout de terrain, euh, c'est euh, plus. Euh, euh, comment dirais-je, ça, ça prend davantage d'espace que euh, des appartements, mais euh, euh, c'est quand même le souhait ultra majoritaire. Et euh, dans les demandeurs de logement de l'OPAC, il y en a de très nombreux qui demandent pendant de longues années euh, avoir un logement individuel parce que c'est vraiment ce qu'ils souhaitent. Je pense qu'ils viennent nourrir le flux de ces demandeurs de, de logement qui restent malheureusement dans l'insatisfaction. Je laisse euh, M. Kham répondre plus avant. Sur le nombre de logements, hein, de, de, de demandes de logements, par contre, on, on attend sur euh, Amiens Métropole, on est euh, à peu près sur plus de 8000 demandes de logements qui sont en attente. On réalise, tout bailleur confondu, un peu plus de 2000 attributions par an. Il faut savoir que dans ces 8000 demandes de logements, on a 4000, c'est une particularité, hein, c'est de demandes d'échange de, entre euh, deux logements. Donc, ce sont des, des, des personnes, qui, des familles qui occupent déjà un logement social et qui souhaitent euh, euh, le, en avoir un autre. Euh, dans un autre quartier une autre résidence ou une autre typologie de logement on est considéré euh, dans les ratios nationaux alors j'aime pas trop parler de cette situation des demandeurs de logement en les comparant à des euh, à des ratios nationaux mais c'est juste pour donner une tendance sur une, une pression moyenne en matière de demande de logement par rapport effectivement au, au nombre de logements à, à, à produire non c'est euh, chaque année on a quand même sur amiens, une part de nouvelles demandes qui est relativement importante. Donc on voit bien que même si on n'a pas un délai d'attente court, puisqu'on est à un peu moins d'un an de délai moyen d'attente, euh, bon, les nouvelles demandes font qu'une partie des personnes qui n'ont pas satisfaction euh, chez nous ont malgré tout des solutions de relogement et abandonnent leur demande de logement dans un délai relativement court. Néanmoins, on a une pression moyenne en, en matière de logement. Et c'est vrai que les orientations en matière de construction de logements dans le PLH sont plutôt bien calibrées, même si la ville d'Amiens et la métropole comptent un nombre de logements sociaux en proportion relativement important. C'est bien effectivement continuer à, à construire euh, du logement social. Voilà ce que je peux vous dire à peu près sur le nombre de logements en souffrance. Euh, la médiation sociale. Alors on a parlé des gardiens qui sont des médiateurs sociaux. Euh, euh, sans, sans le titre, puisqu'ils font énormément tous les jours euh, dans la relation au locataire, mais on a euh, donc euh, une équipe en matière d'accompagnement social, alors qui traite de l'impayé, c'est vrai, mais pas seulement. On a aujourd'hui euh, 28 personnes qui ne font que de l'accompagnement euh, social. Alors c'est pas de la médiation au sens médiation de rue, euh, mais néanmoins on traite des problématiques euh, euh, directement avec les familles. On sait pas que de l'impayé, hein, c'est souvent lié à des problématiques euh, très diverses, et ça touche des personnes âgées euh, victimes d'isolement, ça touche des problématiques liées aux éducations des enfants, ça touche à des problématiques euh, d'hygiène ou de problématiques, euh, y compris euh, psychiatriques pour certaines situations. Donc on travaille beaucoup avec les associations qui sont, elles, spécialisées dans ces accompagnements, mais on, est un, on a aujourd'hui un rôle... Euh, d'ailleurs de plus en plus important en matière de coordination de tous ces services. Sur la diversification logement, euh, toi aussi au niveau du PSLA, alors c'est vrai qu'il y a principalement de la maison individuelle qui est réalisée par, euh, par toi aussi, même si euh, on a eu quelques opérations euh, en logement collectif qui, euh, qui ont été euh, réalisées en, en accession à la, à la propriété. Je pense par exemple à l'îlot de la Croix, où on a vendu euh, du logement euh, en appartement euh, sur, euh, sur le quartier nord. Mais c'est quand même de l'individuel qui est quand même dense. On n'est pas sur du pavillon important. On est sur la maison de ville. Alors je vous l'accorde. Hein, aujourd'hui, effectivement, la, la la préoccupation est à l'utilisation maximum du foncier. Mais la demande aujourd'hui en matière d'accession à la propriété concerne principalement du logement du logement individuel. On fait le pari, par exemple, sur Quetelier que la situation géographique, c'est-à-dire Plein centre-ville permettra de faire de l'accession à la, so euh, la propriété. Mais euh, la première demande des, des personnes, des familles qui veulent acheter, c'est vraiment d'acheter une maison. Alors, l'habitat participatif, là malheureusement, je ne pourrais pas trop répondre à votre question, même si j'ai connu euh, un projet, euh, rue de Verdun, qui avait été porté à un moment donné, et s'était porté à un moment donné Garon en matière d'agrément. Donc nous, on est plus là pour accompagner des projets que pour en porter nous-mêmes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Sur l'environnement, au niveau de l'énergie et euh, re 20 alors c'est vrai que ça va être un vrai sujet sur les matériaux biosourcés des filières. Néanmoins, on travaille déjà sur la filière bois puisqu'on réalise des maisons en ossature bois. Et on travaille avec nos, nos collègues de l'Opal dans l'Aisne qui sont plutôt avancés, notamment sur l'utilisation de biosourcés. Ils ont utilisé euh, normalement, par exemple, des maisons en paille et, euh, et aussi avec de la... Euh, des isolants de laine de bois, enfin, des choses comme ça qui commencent à se développer et qui peuvent être des filières locales. Il y a aussi, par exemple, du recyclage de vêtements qui commencent aussi à se développer, euh, je crois que c'est à Roubaix, euh, et qui permettent de construire des isolants. Mais c'est vrai que là, la, la première action euh, qu'on va pouvoir mener, c'est notamment euh, la filière d'ossature bois qui est euh, quand même est, euh, importante pour euh, atteindre des bons niveaux de performance. Au niveau de la réglementation sur le bio-sourcé dans la re 2020 Et enfin sur la démolition. Alors je vous rassurez, moi j'aime pas, j'aime pas non plus démolir. J'aime plutôt, euh, <laughs> plutôt préférer réhabiliter que démolir. D'ailleurs en, en 2015, il y avait un programme de démolition qui était beaucoup plus ambitieux que ce qui finalement a été réalisé. Après, on, on fait vraiment le bilan. Et là, par exemple, on parle de Cordonnier, On, on fait le maximum pour essayer de trouver des solutions. Euh, pour, euh, pour ne pas démolir. Néanmoins, euh, le bilan n'est pas qu'économique dans le choix de démolir ou pas démolir c'est aussi dans une capacité à proposer euh, à, à grands frais d'une réhabilitation un, une restructuration qui permette vraiment de faire vivre les bâtiments pour encore 40 ou 50 ans en termes de confort, en termes de sécurité et en termes d'adaptation aux, aux nouvelles pratiques. Et c'est vraiment ce qui détermine de, le choix entre une démolition. Ou une réhabilitation, c'est pas qu'un point de vue économique, même si évidemment le point de vue économique est aussi un des sujets. Voilà, j'espère avoir répondu à vos cinq remarques. Merci beaucoup. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Jean-Christophe Floric. Peut-être un mot de complément là, dans les réponses qui ont été apportées par, oui. par David Quin euh, Sur le sujet de la médiation sociale, je vous ai entendu, M. Prada, dire euh, « Oui, il y a des gardiens, il y a des caméras, mais est-ce qu'il y, est qu y a un traitement social des, des problématiques ?» Et Je voudrais simplement vous donner l'exemple de ce qui a été fait euh, sur la résidence Balzac, parce que je trouve que c'est assez exemplaire. Euh, ça a été une approche, je vous rappelle, la résidence Balzac, c'est donc 160 logements dans deux grandes tours, dont à l'époque la moitié était euh, vacante. Lié à des gros problèmes d'ambiance, de, de, de trafic divers. Et, et il y a eu une approche qui a consisté à, ben justement, à faire le pari de la présence des gardiens avec des recrutements de gardiens, à faire le pari du déploiement des, des caméras, la vidéoprotection. Il y a, il y a des, il y a deux caméras par, par étage dans chaque, dans chacune des tours. Donc, ça a été un déploiement vraiment très important. Ça a été aussi accompagné d'une, d'une voie d'accès. Il y a eu un travail d'aménagement pour permettre à la, à la police nationale d'avoir un accès plus, euh, plus rapide. Mais tout ça s'est fait aussi avec un, un véritable euh, accompagnement social. Alors, il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à faire. Il y a parfois des familles qui posaient de graves problèmes de comportement qu'on a dû expulser, replacer ailleurs. Euh, il y a un travail de peuplement extrêmement fin où les attributions, alors une fois qu'on a réhabilité les logements, on a pu faire des, des attributions avec des, des profils de j'enlève mon masque, avec des profils de, de familles qui, qui ne posaient pas de problème, en évitant par exemple de, de concentrer au même endroit des, des familles avec des adolescents par exemple. Donc ça c'est un travail très très fin, un travail d'accompagnement social qui a été fait en même temps. Et un des, je trouve un des, des meilleurs symboles de ce travail-là, ça a été aussi le, le lancement d'une conciergerie solidaire. Euh, tous les bailleurs ne font pas ça. D'ailleurs l'OPAC a été le premier bailleur en France à créer ce type de, de service qui a un rôle social euh, véritablement euh, éminent sur le, sur le secteur. Euh, voilà, je voulais simplement préciser que euh, on avait la chance d'avoir un bailleur, comme l'a dit David Quin, qui avait euh, des, des actions dans, dans de multiples domaines, et on voit que ça marche. Euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le taux de vacances dans la résidence Balzac, il est euh, extrêmement bas. Je crois qu'il n'y a quasiment plus de logements euh, attribués. Merci. Bruno Bien-aimé. Oui, merci. Juste un tout petit complément pour l iso les isolants biosourcés. Euh, effectivement, euh, on a, euh, a l'association Le Relais, hein, c'est l'association dont vous parlez, qui, qui fabrique un isolant à partir de tissus. Donc toutes les boîtes que vous voyez un peu partout euh, en France, hein, enfin plutôt dans le nord de la France, euh, une grande partie euh, sert à fabriquer des isolants qui ont un coefficient euh, d'isolation tout à fait comparable à de la laine de roche, donc très très bien. Euh, par contre, parfois, ils ont du mal à trouver des débouchés. Donc, je pense qu'en plus, c'est du local. Effectivement, ils sont dans le Pas-de-Calais et on aurait tout intérêt à les aider puisqu'ils ne demandent qu'à qu se développer plus et plus. Merci pour ces remarques. D'autres interventions Non, mais je pense que les propos de M. Quint étaient très complets et, euh, et vraiment nous ont montré les différentes facettes de... Des, des tâches qu'accomplit le PAC dans notre ville. Donc, euh, je voulais encore une fois le remercier et puis vraiment transmettre à, à toute son équipe nos, nos sincères remerciements pour leur implication et, et leur présence sur le terrain. On voit bien euh, que ça a un effet cette présence humaine sur le terrain. Euh, et pour euh, relier ce que disait Monsieur Prada tout à l'heure sur les médiateurs sociaux, c'est vrai que les gardiens sont de véritables médiateurs sociaux. Ce ne sont pas les gardiens d'immeubles classiques, mais ce sont des personnes qui ont un rôle éminent à jouer dans, dans, dans les différents quartiers et qui connaissent toutes les familles. Donc, merci beaucoup, monsieur Quin. Merci d'être venu nous, nous présenter les activités de l'OPAC. Je pense que c'était vraiment utile et la qualité d'écoute de, de tout un chacun démontrait l'intérêt que nous avons tous pu porter à votre, à votre présentation. Merci et bonne continuation à vous. Et je vais pouvoir donc reprendre la séance maintenant. Donc la séance est reprise. Merci, Monsieur Quin. Donc, euh, peut-être. Euh, bon, enfin. Euh, donc, nous passons au point 4 de l'ordre du jour, le procès verbal de la séance du 16 septembre 2021. Y a-t-il des observations Il n'y en a pas, alors je le mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Le point 5, les décisions du maire. Donc, euh, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et à la délibération du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020 qui m'accorde délégation, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai prises entre le 13 septembre et le 18 octobre 2021 listées dans le projet de délibération qui vous a été transmis. Y a-t-il des observations Oui. C'est euh, Monsieur Prada. Oui, merci Madame la Maire. Euh, je voudrais revenir sur un, un point avec le groupe amiens on, on avait été interpellé, on vous a interpellé au dernier Conseil Municipal sur la question la, de la tarification de l'accueil dans les centres de loisirs et la cantine. Donc voilà, c'est un peu moins agréable que ce dont on parlait avant. Euh, le mécontentement demeure. Il y a eu des ajustements qu'on pourrait vraiment qualifier de à la marge. Premier point, surcoût en cas de présence exceptionnelle sera plus de 50%, mais 20%. Il y a donc bien un surcoût en cas de présence exceptionnelle. J'y reviens après, la facturation pour les absences de plus de 14 jours consécutifs en cas de force majeure, c'est revu, il y aura bien également à payer pour ces absences. Et puis, ce n'est pas, pas que ça. Ça, c'est juste les, euh, les ajustements que vous avez proposés. Ça ne règle pas le problème. Le, ce mode de tarification, au départ, il était dit pour simplifier, et ça va simplifier les choses pour les familles. Or, ça met en difficulté les plus précaires d'entre elles. On voit là, les premières factures viennent de tomber, donc y a, elles étaient à régler sous quelques jours, très rapidement. Il y a beaucoup de, de parents qui sont surpris d'un certain nombre de choses. Ils, sont, ils se sont plaints, sont mécontents parce qu'ils se retrouvent à payer plus cher. Parce qu'il y a des jours d'absence qui sont payés. Euh, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas prévoir à quel moment elles vont avoir des absences dans leur emploi du temps et elles s'engagent sur une totalité. C'est le cas des gens qui travaillent en temps partiel, euh, en vacation. On connaît pas mal d'agents à la ville d'Amiens qui sont en vacation et donc qui sont en situation précaire. Et quand bien même il ne serait que 2%, et ça, c'est les chiffres que votre conseil a avancé, euh, eh bien, ces 2%, c'est ceux qui ont du mal à s'en sortir. On retiendra donc qu'en début de mandat, vous n'avez pas entendu ce mécontentement et que vous avez mis encore plus en difficulté les familles amiennoises qui ont du mal à joindre les deux bouts. Hélène Boucher a-t-elle des éléments de réponse à porter Alors, je suis un petit peu surprise de ce que M. Prada annonce, puisque depuis que les factures ont été envoyées, nous n'avons eu aucune réclamation d'aucune famille. Enfin, moi, à ce jour, en tout cas, les services ne m'ont fait remonter aucun, euh, aucune, euh, aucun problème. Euh, par contre, je vous invite à vraiment euh, dire aux familles qui, qui, qui viennent vers vous d'appeler euh, le service de la restauration scolaire pour qu'on puisse voir avec eux euh, s'il y a une erreur ou pas euh, dans, dans les factures notamment quand vous parlez des, des familles les plus précaires, je vous entends bien, sur les gens qui sont au temps partiel euh, ou des mi temps ou autre chose, euh, no, ce sont quand même des familles qui, qui vont être dans les QFI les, les plus bas. Donc, 80, je vous rappelle, c'est 90 centimes le repas. Donc, sur ces, ces, ces familles les plus fragiles, je pense qu'on ne peut pas être beaucoup plus bas que ce tarif-là. Euh, merci, Hélène, de, de préciser. Euh, Benoît, Benoît Mercuseau Oui, certains des éléments soulevés par Monsieur Pradam ne manquent pas de. De m'étonner, en tout cas, euh, le, le, les 20% supplémentaires qui sont demandés lorsqu'un repas est pris et qu'il n'était pas programmé. Ce 20% là existait déjà dans, le, dans la tarification précédente, donc ça n'est pas une nouveauté. De la même façon, vous évoquez les repas qui ne seraient pas pris et qui seraient tout de même facturés. Je rappelle que c'est un forfait et que pour calculer le forfait, nous avons déterminé le nombre de repas par année et que nous avons enlevé un nombre de repas correspondant à une moyenne d'absence. Alors je sais plus exactement le nombre de, de jours qu'on l'on défalque de ce forfait. Alors huit jours pour l'élémentaire et douze jours pour la maternelle. Voilà, ce qui veut dire que euh, les repas non pris ne sont pas payés parce qu'ils font partie de, de ces repas qui sont défalqués. Et puis je vous entends dire que les, les, les factures sont à payer dans un délai très court. Les factures qui ont été élaborées, elles ont d'abord l'avantage d'être données aux parents selon un, un, un timing qu'ils peuvent prévoir ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque les factures arrivaient quelquefois avec énormément de retard et quelquefois d'ailleurs se télescopaient avec d'autres factures, et que par ailleurs le délai de paiement est un délai parfaitement habituel. Il euh, n'y a rien de changé du, de ce point de vue-là sur le délai qui est donné aux familles pour payer les, les factures qu'elles reçoivent. Merci euh, aux uns et aux autres pour ces précisions et j'ajoute que c'est une tarification qui est calquée sur ce que nous appliquions depuis... Euh, Plusieurs années dans les crèches, donc, euh, et sans, euh, sans avoir constaté de difficultés de, de, pour les familles. Donc, l'objectif est évidemment de simplifier la tâche pour les services mais aussi et surtout de faire en sorte qu'il y ait le moins de temps possible qui s'écoule entre le moment où les repas sont consommés ou bien l'activité réalisée et le moment où les, où les parents ont à payer, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer que quand ils avaient comme par le passé des, des, des sommes qui tombaient, enfin des factures qui tombaient souvent en novembre-décembre pour, pour l'été précédent et donc avec des, des difficultés là réelles à assumer ces, ces charges-là. Donc, euh, on verra de toute façon comment on s'y est engagé. On fera un, un bilan au bout d'un an de, de fonctionnement et on fera le, le, le point sur, euh, sur le sujet. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est de rester avec une tarification qui est extrêmement sociale et c'est bien normal puisque euh, nous avons beaucoup de familles qui ont en effet des difficultés à, à, à terminer leur fin de mois, on va dire. Euh, donc, il n'y a pas de vote sur, euh, sur ce point puisque c'est une simple communication. Je passe au point 6, pacte de gouvernance d'Amiens Métropole à vie. La communauté d'agglomération Amiens Métropole a délibéré le 17 décembre 2020 pour décider de l'élaboration d'un pacte de gouvernance selon les modalités introduites par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Ce pacte contient une présentation rapide du territoire, son organisation politique et administrative, les compétences de la communauté d'agglomération et la coopération intercommunale souhaitée en intégrant un volet sur la mutualisation des services. Chaque commune de la communauté d'agglomération dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du pacte pour émettre un avis sur le document. Je propose donc ce soir d'émettre un avis favorable sur le pacte de gouvernance d'Amiens Métropole. Quelqu'un demande-t-il la parole Oui, monsieur Deschamps. Merci, bonsoir à tous. Hum, ce document euh, expose euh, fidèlement l'histoire et le fonctionnement d'Amiens Métropole, mais parallèlement, il ne comporte. Euh, aucune proposition nouvelle. Particulièrement, euh, particularité de notre, de notre métropole, c'est le poids en termes de population euh, de la ville Amiens euh, dans, dans cette métropole, et qui, euh, qui, qui débouche sur plusieurs observations. Euh, la réalité des faits aujourd'hui, euh, c'est que la métropole est constituée de deux, grosses, de deux hyperstructures, qui sont donc la métropole elle-même et la ville d'Amiens. En tant que commune phare et importante de cette, de cette métropole. Euh, autre particularité amiéno-amiennoise, c'est que la métropole et la ville sont tellement imbriquées que nous avons un exécutif à deux têtes, un binôme. C'est assez rare pour le souligner. Euh, parfois, je dis que nous avons deux maires à Amiens. C'est souvent la vérité, c'est souvent comme cela que c'est perçu. Euh, par les, par les amiénois, on vous voit euh, tout le temps à deux, on vous voit toujours ensemble. alors, ça dénote positivement. <laughs> je, je vous l'accorde, le fait que vous entendez bien, que vous êtes solidaires, que euh, vous travaillez de concert. mais c'est quand même une particularité. je rappelle quand même que euh, les amiénois ont voté pour une personne et se retrouvent euh, aujourd'hui euh, aujourd avec deux maires. mais bon, passons là-dessus. Euh, le problème de cette délibération, enfin le problème que nous soulevons, c'est que, bien que la loi nous demande, nous demande notre avis, eh bien, euh, difficile de donner un avis global sur ce pacte qui comporte, en son, euh, dans sa rédaction et en son, sens, en son sein, pardon, un pacte fiscal et financier, qui arrivera plus tard, dans une délibération euh, prochaine mais qui aujourd'hui ne nous a pas été présenté, n'existe pas et qui pourtant, euh, je ne dirais pas, est le plus important parce que le reste du pacte de gouvernance est important. La manière dont les maires arrivent à parler entre eux, dont les maires arrivent à prendre des décisions en commun pour faire avancer les dossiers de la métropole, c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne moins bien, et on le voit... Au fur et à mesure des délibérations que nous passons depuis quelques mois, c'est ce lien financier entre la métropole et certaines communes de la métropole. Et je pense particulièrement, nous sommes ici en conseil ville, je pense particulièrement à la ville d'Amiens. Pourquoi je pense à la ville d'Amiens Parce que régulièrement, la sensation qui est donnée par les délibérations, c'est que la métropole, fait appel à ce que j'appelle régulièrement le pompier de service financier, qui est la ville d'Amiens. Bien souvent, nous arrivons dans des délibérations où, par manque d'argent, par manque de moyens, il est décidé soit par le maire d'Amiens de contribuer financièrement aux finances de la métropole, soit à l'initiative du président de la métropole de demander à la ville d'Amiens de participer. Quand je dis à la ville d'Amiens, je dis seulement à la ville d'Amiens. Et c'est là qu'est le problème. Bien souvent, quand j'ai soulevé ce problème, euh, vous avez répondu, mais c'est normal. Amiens est la ville la plus grande de la métropole et c'est normal qu'elle contribue de la manière la plus importante aux choses qui se déroulent sur la métropole. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un bon euh, raisonnement. Le bon raisonnement, il n'est pas par la taille. Il est par les capacités financières des communes. On n'a pas, euh, parce qu'on est les plus gros, parce qu'on est les plus euh, importants en termes de population, euh, automatiquement la meilleure capacité financière. Et vous le savez, ce n'est pas le cas. Quand on regarde la liste de toutes les communes de la métropole, Amiens n'est pas en tête en euh, capacité financière par habitant. Et elle n'est pas non plus en deuxième, elle n'est pas non plus en troisième, elle n'est pas non plus en quatrième position, elle est au milieu. Donc Amiens n'est pas la ville la plus riche de la métropole. Et ce pacte fiscal qui n'existe pas encore, ce pacte financier, eh bien aujourd'hui, euh, il, euh, il est fait comme ça, un petit peu euh, au, au bon vouloir du président de la métropole et de vous-même. En disant, eh bien, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de pacte, eh bien, on va demander systématiquement à la ville la plus, peu, la plus peuplée, mais pas à la ville de plus riche, de participer. C'est la raison pour laquelle, en l'absence de pacte financier et fiscal, nous ne pouvons pas faire autre chose que de nous abstenir sur la globalité de ce pacte de gouvernance. Bien, j'entends bien ce que vous dites. Quelques mots pour vous, pour vous répondre. D'abord, pour vous dire qu'il n'y a pas de maire à Amiens, il y a un maire et un président d'Amiens Métropole. Euh, je pense qu'aucun aucun Amiennois ne, ne se pose la question. Ça lui paraît euh, tout à fait clair. Euh, quant à dire que nous serions uniques, c'est aussi le cas de la ville de Lille, de Bordeaux, de Marseille, et j'en oublie euh, Reims et bien d'autres encore euh, qui sont de taille comparable à Amiens ou, ou plus grande ont euh, en effet une distinction entre leur, leur maire et leur, leur président de, de l'Aglou. Voilà. Euh, je voudrais dire que sur le reste de, de, des propos que vous tenez euh, qui s'entendent en effet hein, donc sur le pacte financier fiscal, c'est un sujet que nous aurons l'occasion d'aborder lors du conseil municipal prochain. Donc, euh, 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 vous n'aurez pas euh, beaucoup à attendre pour qu'on aborde le sujet sur le fond et que vous puissiez en, en débattre, que nous puissions en débattre tous ensemble. J'ajoute que s'agissant des fonds de concours, euh, nous, nous avons estimé que quand nous mettions en place euh, un, un mécanisme, eh bien, il devait être appliqué à tout le monde, et pas seulement à, aux communes en dehors d'Amiens-Ville. Euh, Donc nous, nous appliquons de la même façon les fonds de concours à toutes les communes, euh, les 39 communes d'Amiens-Métropole. Voilà ce que je voulais Dire. Alain Chastel veut ajouter un petit mot. Bon, juste un, un petit mot sur le pacte financier et fiscal. Euh, dire qu'il n'y en a pas, bien sûr que si, qu'il y en a, il y en a un que vous avez voté, Monsieur Deschamps, puisque vous votiez tout avec nous dans le mandat précédent. Et donc, euh, il y a un pacte financier et fiscal qui a été voté. Euh, deuxièmement, comme vient de le dire Madame le Maire, il sera effectivement présenté euh, le mois prochain. Euh, et s'agissant euh, des fonds de contour, il faut distinguer. Ce qui est la règle, c'est-à-dire celle que nous avons rétablie depuis 2014, à savoir des fonds de concours pour tout le monde et pas uniquement pour certaines communes dont on ne savait d'ailleurs pas lesquelles étaient véritablement euh, concernées et pas la ville d'Amiens. Et deuxièmement, les participations que la ville d'Amiens a jugées euh, normales dans la mesure où, par exemple, euh, le BHNS est une. Euh, est un, comment un équipement qui concerne principalement la ville d'Amiens, pas que, mais principalement la ville d'Amiens. De la même façon, lorsque l'on construit Aquapole, c'est également un équipement qui est quand même situé sur le territoire d'Amiens. Alors certes, la compétence dans ce domaine est celle d'Amiens Métropole, mais je ne vois pas ce qui est choquant à ce que la ville, qui est principalement concernée, apporte sa participation à ce genre de choses. Et toutes les autres communes sont effectivement soumises au fonds de concours de 30% pour chacune d'entre elles. Est-ce qu'on peut passer au vote Donc, qui est contre Qui s'abstient 1, 2, 3, 4, 5. Les autres collègues approuvent. Donc, la délibération est adoptée. Le point 7, crédit, dotation politique de la ville, année 2021, subvention de l'État. Dans le cadre de la dotation de la politique de la ville, je vous propose d'approuver la liste des projets pouvant bénéficier de crédits de l'État au titre de l'année 2021, comme il est indiqué en l'article 1 de la délibération qui vous a été communiquée. L'État nous accorde une enveloppe de 2 360 647 euros et la préfète a proposé une convention prévoyant la programmation de 46 opérations éligibles au crédit dotation de politique de la ville dont 27 projets sous maîtrise d'ouvrage de la ville d'Amiens pour un montant de 1 286 237 euros. Je vous propose donc d'approuver la convention intervenir avec l'État et de m'autoriser à la signer. Je vous rappelle que classiquement, c'est en cours d'année qu'on envoie toute une liste de projets sur lesquels on demande des subventions de l'État dans le cadre de la dotation politique de la ville. Les services de l'État euh, étudie euh, les, les dossiers que nous présentons. On en présente toujours beaucoup plus que euh, ce qui est possible d'être financé pour laisser le choix à, à Madame la préfète de, euh, des dossiers qu'elle entend euh, proposer euh, en termes de subventions. Donc c'est la phase ultime de ces échanges qui vous est proposée ce soir. Y a-t-il des observations Il n'y en a pas, alors on passe au vote qui est contre qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Quand il s'agit de recevoir de l'argent, évidemment, je pense qu'on ne peut être que tous d'accord. Euh, le point 8, Benoît Mercuseau. Oui, merci Madame le maire. Il s'agit d'adopter le budget supplémentaire, c'est-à-dire au fond d'adopter la deuxième décision modificative qui a cette particularité par rapport à la première que nous avons votée au mois de juin, qui a la particularité d'intégrer les résultats. Du compte administratif de l'année 2020, donc de l'année de l'année dernière. Euh, cet ajustement des dépenses et des recettes, il va aboutir à dégrader l'excédent de gestion courante d'un peu moins d'un million d'euros, pour être plus précis, de le dégrader de 920 000 euros. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce que, à ce stade de l'exécution du budget 2021, nous pouvons d'ores et déjà indiquer qu'il convient de réévaluer à la fois les dépenses et les recettes, mais que d'une certaine façon, malheureusement, les recettes vont augmenter moins, nous allons moins les réévaluer, que nous devons réévaluer les dépenses, d'où ce delta de moins 920 000 euros sur l'excédent de gestion courante. Concernant donc les recettes, elles sont en augmentation pour leur part de quelques. 630 000 euros. Je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de ces 630 000 euros qui sont le résultat de plus et de moins. Pour signifier les montants les, les plus importants, il convient de constater que les produits de la fiscalité directe locale affichent une baisse par rapport à ce qu'on avait envisagé de 510 000 euros et qu'inversement, les produits de la taxe additionnelle sur les droits de mutation enregistrent une hausse quant à eux de 600 000 euros. Euro. Il faut d'ailleurs souligner que la dotation forfaitaire est en augmentation de 500 000 euros par rapport à ce qu'on avait euh, budgété euh, initialement. Voilà pour euh, très brièvement poser cette augmentation de 630 000 euros des recettes. Les dépenses, quant à elles, je vous l'ai dit, elles augmentent également et de façon plus importante. Que les recettes, les dépenses augmentent en effet d'un million cinq cent mille euros. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé d'acter. Et il faut, il faut souligner de ce point de vue-là que la plus grande part de cette augmentation résulte de l'augmentation des dépenses de personnel qui augmente à elle seule de pratiquement 3 millions d'euros. En effet, en raison notamment des dépenses de personnel non permanents qui résultent en grande partie des conséquences toujours que nous mesurons de la crise de la... Covid et qui nécessite un investissement euh, supplémentaire en termes d'accompagnement, de, de, par exemple, des enfants dans les écoles pour le nettoiement euh, des locaux, par exemple, ou des, ou des matériaux utilisés par les enfants. Il faut souligner également que, euh, inversement, et c'est ce qui explique que les 3 millions ne se retrouvent pas en totalité dans l'augmentation du total des dépenses inversement, la même crise covid fait que un certain nombre de dépenses qui étaient initialement programmées, envisagées, n'auront pas lieu. c'est notamment les dépenses qui étaient, un certain nombre de dépenses qui étaient prévues au titre d'amiens capitale européenne de la jeunesse et de la même façon, un certain nombre de dépenses qui étaient prévues pour la célébration des 800 ans de la cathédrale d'amiens. pour le reste, et sauf à être particulièrement long et sans doute un peu pénible à vos oreilles, eh bien, il s'agit de modifications en plus ou en moins beaucoup plus anodines qui, pour la plupart d'entre elles, ne dépassent pas les quelques 10 000 euros, ce qui, au regard des sommes dont nous parlons, n'a pas beaucoup de, de signification. Voilà donc pour le, la question de la, la section de fonctionnement. À côté de la section de fonctionnement où après la section de fonctionnement, il y a une section d'investissement. Et cette section d'investissement, assez classiquement à cette période de l'année, nous permet d'ajuster à la fois les recettes et les dépenses en fonction de l'avancement réel des opérations d'investissement. Et il faut souligner que eh bien, nous sommes en situation à cette période de l'année de diminuer les crédits de paiement pour un montant qui s'approche très largement des 10 millions d'euros puisque nous sommes à 9 660 000 euros. Je ne rentre pas dans le détail tout cela a été vu en commission c'est par ailleurs dans le, dans le rapport qui accompagnait cette délibération je répondrai naturellement aux, aux questions qui pourraient être posées. Ce qu'il faut souligner c'est que donc il y a une baisse des crédits de paiement qui est proposé. Il y a une, une augmentation d'un certain nombre un certain nombre de, de recettes et tout cela aboutit à ce que, en investissement, puisque par définition les emprunts ne peuvent financer que des investissements, eh bien, nous proposons de réduire l'autorisation d'emprunt de quelques 2,38 millions. Euro. Voilà pour une présentation synthétique de la délibération budgétaire qui vous est proposée au point numéro 8. Qui souhaite s'exprimer sur ce point Personne. Eh bien, on passe au vote. Donc, qui est contre C'est bon. Qui s'abstient C'est bon. Et donc, les autres collègues approuvent. La délibération est donc adoptée. Le point 9, Benoît Mercuseau. Oui, c'est un point qui, sur le fond, est assez, est assez habituel. Il s'agit d'admettre en non-valeur certains titres de recettes que, pas pu, que notre comptable n'a pas pu recouvrer. En effet, bien que non encaissés, ces recettes figurent toujours dans nos comptes administratifs et elles peuvent être admises en non-valeur sur l'exercice en cours à la demande du comptable, ce qui est le cas, et sur l'avis conforme. Que je vous demande donc de donner. À cette fin, il est donc proposé d'admettre en non valeur des créances portant sur le budget principal constaté par la ville d'Amiens au cours des années 2008 à 2021. Vous voyez donc qu'on couvre une période particulièrement longue. Le, le, il faut quand même noter que ces admissions en non valeur se montent à un total de 117 424 euros et 34 centimes. Pas d'observation Alors on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point 10, qui est un point là beaucoup plus important et qui va nous engager pour un certain temps. Donc je vais laisser Benoît Mercuseau le, le présenter. Oui, je veux croire que si les points financiers précédents n'ont pas appelé de, de, de questions, de remarques ou de commentaires, c'est peut-être parce qu'ils sont réservés sur ce point numéro 10. C'est qu'effectivement, il s'agit d'un élément important pour le, le déroulement de, de ce mandat, puisque, effectivement, notre action, elle se détermine au travers de notre action quotidienne, c'est-à-dire des actions de fonctionnement, mais également et assez naturellement par les investissements que nous serons amenés à à réaliser durant ce mandat, ou plus précisément pour la période 2022-2026. Les documents très précis ont été donnés, ont pu être étudiés par chacun. Et plutôt que de reprendre la lecture de ces documents qui se présentent sous la forme de, de tableaux qui ne sont pas forcément très, très, comment dire, très, très sympathiques directement à lire, je vous propose une présentation peut-être un peu plus dynamique qui a d'ailleurs été préparé par, par la direction des finances et notamment par son directeur, que je remercie très sincèrement à cette occasion. D'abord, parler de, de la PPI 2022-2026, je pense que ça prendra toute sa valeur quand on, si on prend le temps, pas trop long, mais un petit temps quand même pour regarder précisément la, la PPI précédente, donc sur la période 2016-2020. Ensuite, nous rappellerons ce que représente cette PPI, comment elle a été formalisée, et puis naturellement, nous évoquerons une grande partie des opérations d'investissement regroupées selon les objectifs politiques qu'elles qu poursuivent. Le bilan de la PPI 2016-2020, vous voyez que. En chiffre global, ça a été, ça a été 172 millions d'euros pour une charge nette de 147 millions d'euros et 750 000, 147 750 000 euros. Pardonnez-moi. Je vous laisse regarder. Vous constaterez avec moi que, euh, évidemment, la très très grande majorité de ces investissements sur la période précédente a été réalisé sur le budget principal de la ville d'Amiens. Et je vous rappelle d'ailleurs que le, le budget annexe au réseau de chaleur n'existe plus puisque cela fait partie maintenant de la, de la DSP qui a été confiée à la CEMOP Amiens Énergie. En moyenne, en moyenne eh bien nous avons, lors de la période précédente, investi un peu plus de 28 millions d'euros par an. Vous voyez que c'est assez habituel d'ailleurs, et c'est comme cela pour chaque mandat et pour chaque collectivité. Eh bien, évidemment qu'il y a eu des années plus consommatrices d'investissement que d'autres, et notamment avec l'année 2018 qui ressort. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu un niveau global de cofinancement d'environ 15% ce qui, au fond, n'est pas extraordinaire, mais n'est pas si mal, notamment dans, dans une période où, où les collectivités territoriales ont subi un certain nombre d'incertitudes. concernant ce budget, je vous laisse regarder les montants, cette fois par délégation, accordés aux différents adjoints, donc aux différentes thématiques déléguées. vous voyez que un certain nombre de délégations sont particulièrement conséquentes. Je vous invite à, à regarder le poids de l'urbanisme et des aménagements urbains, le poids euh, de la nature, de la nature en ville, de la transition écologique, de la santé. Je vous invite également à constater ce que l'on a investi en matière de logement et d'autonomie énergétique, et puis ce qui a été investi en matière de défis éducatifs, enfance, jeunesse et famille, pour un montant total concernant cette dernière ligne de 22 millions d'euros. Je ne commande pas plus ces chiffres, vous les avez sous les yeux, et on les retrouve là figurés d'une façon euh, différente, mais particulièrement classique, qui est la forme d'un camembert. Je vous invite aussi à regarder, et ça c'est particulièrement intéressant me semble-t-il, à regarder... Le top 10 des dépenses en charge nette. Au fond, vous voyez, nous avons eu une PPI globale de 147 millions d'euros et on voit que 10 opérations représentent largement plus, presque 70% du total des investissements. Et, et au fond, on voit que les six premières opérations représentent à elles seules quelques 80 millions d'euros d'euros, ce qui est évidemment particulièrement conséquent. L'aménagement des espaces publics, le soutien à la construction des logements sociaux, les travaux dans les écoles et les centres de loisirs, et puis nos différents investissements dans les ZAC. et puis évidemment, et c'est une politique qui vous tient particulièrement à cœur, Madame le maire, les, la proximité a occupé un grand nombre des investissements que nous avons réalisés lors du précédent mandat. Comment a été construite cette PPI et au fond qu'est-ce qu'elle tente qu'est-ce qu'elle tente d'exprimer? D'abord, il faut souligner que la PPI qui vous est présentée est le fruit d'un travail qui a été commencé il y a maintenant de nombreux mois, parce qu'il a fallu au fond trier par rapport à l'ensemble des Possibilités d'investissement, des idées, des projets d'investissement qui ont pu être portés par les uns ou par les autres et qu'il a fallu évidemment les prioriser. Pour vous donner une idée, on va aboutir à une PPI pour ce mandat-là de quelques 175 millions d'euros, 176 millions d'euros. Et alors que quand on a chiffré l'ensemble des, des hypothèses, des projets, des idées d'investissement, on était au-delà des 500 millions d'euros, ce qui veut dire que, évidemment, il a fallu trier, prioriser et, au fond, adopter une stratégie d'investissement. Et cette stratégie d'investissement, eh elle va s'orienter et elle a été guidée par la volonté que vous avez formulée à ma entreprise, Madame le maire, de mettre en avant ces trois piliers de l'action de notre mandat de la transition écologique, l'attractivité du territoire. La participation citoyenne. J'insiste simplement sur le fait que l'attractivité du territoire ne doit pas ici être entendue au sens le plus classique du terme qui concerne l'attractivité économique du territoire, qui ressortit plutôt de la compétence d'Amiens Métropole, mais bien plus de l'attractivité du territoire qui résulte de la qualité de vie offerte à ses habitants par les différents équipements ou par l'accès à, à un grand nombre de services. Voilà donc pour. Les trois pôles, les trois orientations, les trois piliers autour desquels la PPI qui vous est présentée ce soir a été structurée. Évidemment que cette PPI, au-delà même de ces trois piliers, a été sous-pesée, conçue en, en fonction, évidemment, on ne, peut pas, on, ne, on ne vit pas dans un monde de rêve, même si évidemment il faut rêver, euh, en fonction de nos capacités financières. Et. Nous avons considéré que nos capacités financières nous permettaient d'investir en charge nette 175 millions d'euros pour les années 2022-2026. Or, vous constaterez avec moi eh qu'il s'agit d'une augmentation de pratiquement 25% par rapport au montant engagé lors de la PPI précédente. Évidemment, qu'il ne s'agit pas d'investir 175 millions d'euros, même autour de ces trois piliers fondamentaux, n'importe comment, sur n'importe quel projet. Il faut calibrer les besoins réels de notre collectivité. Évidemment aussi que nous aurons la volonté, le souhait, j'y reviens dans un instant, d'optimiser les recettes que nous pourrons afficher en face de ces dépenses brutes pour améliorer notre charge nette. Et puis, évidemment, que l'une des... L'un des éléments transversaux qui caractérise cette programmation des investissements, c'est la volonté affichée, trop souvent oubliée de manière très systématique dans toutes les collectivités depuis plusieurs décennies, la volonté affichée, revendiquée et la nécessité absolue désormais d'investir pour entretenir notre patrimoine. Parce que nous avons pu constater notamment lors de, du mandat précédent, eh qu'un certain nombre d'équipements, à force de ne pas euh, bénéficier des investissements nécessaires à leur entretien régulier, eh bien tout d'un coup euh, nécessitaient de très forts investissements, voire même, voire même ne pouvaient plus euh, bénéficier d'autre chose que d'une déconstruction, ce qui n'est évidemment pas euh, très satisfaisant du point de vue du bon usage des deniers publics. Il faut souligner enfin. Que euh, cette PPI, cette programmation pluriannuelle des investissements, elle a été euh, envisagée, montée sous la forme, d'une certaine manière, d'une pyramide qui devrait arriver, voilà, immédiatement derrière vous. La base de cette pyramide, comment faire autrement C'est évidemment de prendre en compte les engagements qui avaient déjà été délibérés, qui, les opérations qui avaient déjà dont, 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 dont le commencement euh, était acté. Et puis, je l'indiquais à l'instant, nous avons voulu prendre en compte les opérations nécessaires de conservation du patrimoine pour aller d'ailleurs bien au-delà, même si on les prend naturellement en compte bien au-delà des seules contraintes réglementaires. Nous avons voulu fixer un certain nombre d'opérations que l'on considérera comme emblématiques du mandat. Et puis, pour le haut de la pyramide, mais par définition, le haut d'une pyramide est toujours très étroit c'est le principe et eh bien un certain nombre d'autres opérations ont pu trouver ou le cas échéant en fonction de la situation pourront trouver à se raccrocher à cette programmation pluriannuelle des investissements. Avant même de présenter les opérations, donnons les chiffres globaux. Alors, vous le voyez, en dépenses brutes, ce qui est proposé au vote ce soir représente 268 millions de dépenses 64 millions de recettes et une charge d'aide de 204 millions. Et là, vous êtes en droit de me dire, mais attends, tu es en train de nous dire des choses très différentes à quelques secondes d'intervalle. Premièrement, sur les recettes. Premièrement, nous sommes dans une situation très particulière, non pas nous seulement, mais notre pays. Les conditions sont très particulières, puisque l'on sait que l'État, l'Europe, euh, mettent en œuvre des plans de relance dont nous avons la ferme intention et dont, dont, dont nous avons la, la certitude de pouvoir bénéficier. Ce qui fait que le, le, les recettes qui, sur la PPI précédente, étaient évaluées à quelques 15%, sont évaluées aujourd'hui à 20%. Et nous ferons tout. Je le répète, pour essayer d'obtenir encore davantage que ces 20%. Et quand on parlera de la PPI de, de la métropole, on verra que le, le cofinancement de, de cette PPI était encore au-delà de ces 20%, ce qui fait que ce chiffre de 20% est, est tout à fait, tout à fait réaliste et, et raisonnable. Maintenant, même avec ces recettes, nous avons une charge nette de 204 millions d'euros. J'arrondis les chiffres, vous m'en excuserez. 204 millions d'euros, c'est bien au-delà des 175 que j'évoquais tout à l'heure. C'est tout simplement qu'il faut prendre en compte la réalité des opérations. Un certain nombre d'opérations ne pourront pas se dérouler exclusivement, je veux dire être terminées, durant les cinq années que nous envisageons, c'est-à-dire jusqu'à 2026. On sait, c'est la réalité des choses, qu'un certain nombre d'opérations sur lesquelles des engagements ont été pris, vont forcément se dérouler au-delà de l'année 2026. Et ces opérations, elles sont essentiellement de deux types. C'est d'abord les opérations consacrées à la rénovation urbaine. On sait très bien que les opérations de rénovation urbaine, et M. Quin tout à l'heure les, euh, les a évoquées, mais mettront de longues années à se réaliser. On ne décide pas comme ça, par exemple, de démolir un immeuble du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de reloger les locataires, etc., etc. Il faut construire, il faut reloger. Bref, tout ça prend du temps et tout ça est toujours beaucoup plus long que ce qui est initialement envisagé. Et puis, une autre type, un autre type d'opération qui forcément se développe au-delà de cinq années, c'est les opérations d'aménagement, dont les AC. Ces opérations d'aménagement, on sait bien que par définition, elles se déroulent à minima, à minima sur une dizaine d'années. Et quand bien même les opérations d'aménagement que l'on envisage ici ont déjà commencé avant, avant 2022 et quelquefois depuis 3, 4, 5, voire même davantage encore, évidemment qu'elles ne seront pas terminées en 2026. Alors pourquoi les envisager Malgré tout, et pourquoi d'une certaine façon prévoir au-delà, c'est la réalité des chiffres, c'est la sincérité budgétaire qui nous guide, parce qu'on sait que ces opérations, et nous avons acté ces engagements, vont nécessiter de la part de la collectivité le paiement pour participer à l'équilibre, le paiement de sommes qui vont participer à l'équilibre de ces opérations, que ce soit de rénovation urbaine ou d'aménagement. Concerté de zones particulières. Et c'est pourquoi, vous le voyez, nous avons, sur la période précédente, et sans préjuger de rien, à partir de 2027, 47 millions de dépenses et 19 millions de recettes. Et vous voyez de ce point de vue que nous ne trichons pas, puisque les recettes sur cette période d'après sont très sensiblement supérieures aux 20% affiché globalement, tout simplement parce que notamment la rénovation urbaine qui concerne beaucoup de ces opérations est particulièrement bien cofinancée. Voilà donc pour cette explication. Et si vous voulez bien focaliser votre attention sur la période 2022-2026, et eh bien vous constaterez, vous constaterez que nous sommes très exactement en charge nette, pas très exactement, c'est à un million près, à l'objectif que nous avons décidé d'atteindre de 175 millions, en réalité c'est 176 millions de charges nettes. Je me permets de le souligner une nouvelle fois, je l'ai déjà dit, mais c'est particulièrement important, me semble-t-il, au regard de l'activité économique qu'engendre cette politique d'investissement. C'est un montant supérieur de pratiquement 25% au montant réalisé lors de la PPI précédente. Alors cette PPI... C'est 176 millions d'euros sur la période 2022-2026. Ils sont structurés autour de ces trois piliers que j'évoquais tout à l'heure transition écologique, attractivité, participation de la population. Et on les structure également autour de cinq missions déclinées en 11 programmes. On revient sur tout ça cinq missions la ville du bien-vivre, la ville de la jeunesse, la ville grandeur nature, la ville proche de ses habitants et la ville à la gestion exemplaire. Et chacune de ces missions va beaucoup, plus classiquement, va beaucoup plus classiquement être déclinée en fonction des délégations et des politiques attribuées à chacun des adjoints qui composent cette Assemblée. Cette présentation peut vous paraître au fond euh, très formelle et, et finalement euh, un peu. Euh, oui, très formelle, très formelle. En réalité, elle montre que nous sommes convaincus les uns et les autres, et que c'est même la condition de notre réussite, que nos actions doivent être transversales. Et, Madame le maire, vous vous plaisez à le souligner, un seul adjoint ne peut pas décider seul, parce qu'une politique n'engage pas seulement l'élu qui est en charge formellement de cette politique, mais tout simplement parce qu'une politique publique n'engage pas seulement un domaine d'action, mais engage l'ensemble de, 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 des acteurs. Et il est important de souligner, au fond, que ces différentes, ces différentes délégations eh bien, se regroupent autour de la ville du bien-vivre, par exemple, autour de la ville de la jeunesse, etc. etc. Il est temps pour moi maintenant, pour ne pas être trop long et laisser évidemment le temps au débat, de présenter les, les, les opérations les, les plus significatives. Alors, les, les opérations, premièrement, ne reprennent pas la totalité de ce qui figure dans le tableau. Ça en reprend l'essentiel, mais pas la totalité. Et puis, euh, les discussions en commission des finances ont bien montré, un certain nombre de, de catégorisations. Aurait pu être présentée différemment. Et certaines opérations sont à vrai dire à cheval, par exemple, entre la transition écologique et l'attractivité. Sauf qu'à un moment donné, il faut choisir. Et c'est une présentation qui, a, euh, qui, enfin, qui souhaite simplement euh, souligner ces trois piliers et construire ces trois piliers autour desquels cette PPI va se développer durant les cinq années qui viennent. Concernant la transition écologique, je me permets. De simplement lire le titre. À l'occasion, je, je ferai quelques commentaires. Les chiffres qui sont à droite sont, constituent la charge brute pour simplifier la présentation, mais. Tout est donné sur, le, sur les documents qui, qui accompagnaient la, la convocation à ce conseil. Euh, sont simplement de, ne sont pas donnés ici les recettes attendues en face des opérations. C'est d'abord la passerelle Samarobriva que l'on a déjà évoquée ici et qui est particulièrement nécessaire et qui, qui facilitera évidemment, euh, qui va redonner de la facilité pour l'accès au parc Saint-Pierre. Une opération particulièrement importante et, et et qui vraisemblablement va, va marquer euh, ce mandat, c'est euh, l'investissement qui sera réalisé sur le parc de la Haute-Oie pour un montant aujourd'hui chiffré à 9 200 000 euros, évidemment j'arrondis. De la même façon, la rénovation du square Friand et de ses abords avec la volonté de création d'un poumon vert au sein du quartier Saint-Honoré pour 1 million d'euros. 500 000 euros consacrés à la stratégie fleuve, c'est-à-dire à la mise en valeur du fleuve au sein de notre ville du fleuve plus généralement de l'eau au sein de, de notre ville un million d'euros pour participer aux côtés d'Amiens Métropole d'ailleurs au capital social d'un opérateur solaire territorial tout cela dans le cadre des objectifs de la feuille de route visant à obtenir l'autonomie énergétique en 2050 un million cinq mille euros million 500 mille euros pour restaurer et mettre en valeur cette zone particulièrement extraordinaire qu'est le marais des trois vaches, une zone d'ailleurs assez grandement peut-être méconnue des Amiénois, mais, mais qui est d'abord très belle et puis, et puis très importante on le voit plus de 30 hectares. Un million et demi d'euros pour réhabiliter en tout cas pour remettre de la qualité sur les aménagements, du parc Saint-Pierre, le parc Saint-Pierre qui a vieilli et qui mérite désormais un certain nombre de, de, de enfin qu'un qu certain nombre des aménagements soient repris. 5 millions d'euros pour le plan vélo, pour remettre en forme des aménagements cyclables dans dans la ville. Un million et demi d'euros pour réaménager le jardin des plantes. Vous savez que l'outil délo... de production agricole, horticole, pardonnez-moi, a été délocalisé et il s'agit donc de repenser ce jardin des plantes qui est là aussi un lieu particulièrement magnifique, notamment pour mieux l'ouvrir à l'accueil du public. Et puis, la transition écologique, elle passe aussi évidemment par une gestion patrimoniale plus vertueuse. Je me permets d'insister sur la dotation de proximité, 12 600 000 euros. C'est Ce une dotation qui, au fond, va être répartie en une multitude d'opérations qui n'auront rien par elles-mêmes d'extraordinaire, mais qui vont à la fois permettre de faire en sorte que nos bâtiments consomment, par exemple, moins d'énergie, mais aussi qu'ils offrent un meilleur accueil au public auquel ils sont destinés. Et voilà typiquement une enveloppe qui aurait pu figurer pour partie, au moins, sur l'attractivité, autant que sur la transition écologique. La réhabilitation des bâtiments administratifs du secteur centre pour 4 millions d'euros. Il s'agit au fond de, de ce très bel hôtel de ville dans, les, dans lequel nous, nous siégeons. 23 millions d'euros pour un programme de gestion patrimoniale. Vraiment, cette ligne de 23 millions d'euros mérite d'être soulignée parce que je pense que si l'on avait la mémoire de l'ensemble des conseils qui se sont tenus, des conseils municipaux qui se sont tenus... Depuis de très longues décennies, eh bien je pense que il faudrait, je, ne sais, je ne suis même pas sûr qu'une telle ligne ait jamais été présentée pour être délibérée. Un million d'euros pour améliorer les conditions d'accueil des associations, quinze millions et demi d'euros pour opérer des travaux dans les écoles dans les centres de loisirs, dans les crèches, bref, dans l'ensemble des équipements qui accueillent des enfants. Un million sept euros pour restaurer les monuments historiques, un million voilà donc, pardonnez moi, voilà donc pardonnez moi pour la gestion patrimoniale, et vous voyez que sur cette seule page, eh bien ce sont 58 millions d'euros de crédits qui sont présentés. Concernant maintenant le deuxième pilier, qui est l'attractivité du territoire, l'attractivité au sens de la qualité du territoire. Il y a d'abord 1,5 million euros prévus pour la rénovation de la Halle aux frais, dont on sait bien que c'est un élément essentiel à l'attractivité du commerce du centre-ville. Un million d'euros pour requalifier les espaces commerciaux du quartier de la Vallée Saint-Ladre, dont on sait qu'ils sont en pleine mutation et la requalification des espaces publics permettra de faciliter cette mutation. 700 000 euros pour repenser le site d'Amiens 2, repenser sa rénovation et son positionnement par rapport au quartier qui se développe à l'arrière, à ce qui constitue encore l'arrière de ce bâtiment, c'est-à-dire la ZAC-Gare-la-Vallée. En termes de qualité, D'équipement. 3,4 millions euros, j'arrondis, pour la relocalisation des crèches Chapeau de Violette et Calline. Vous voyez que ce sont des chiffres qui s'ajoutent aux 15,5 millions d'euros que j'ai déjà évoqués concernant les écoles, les crèches et les bâtiments de restauration scolaire. 9,5 millions euros pour la création d'un groupe scolaire sur Intercampus. Et puis 2 millions d'euros pour la construction du centre social CAPS. Et puis naturellement, il n'est pas possible d'envisager cette PPI sans parler, sans évoquer et sans montrer les sommes importantes qui sont prévues pour la rénovation urbaine. Un total de 33 millions d'euros, j'arrondis là encore, vous ne m'en voudrez pas, 10 millions d'euros pour les quartiers nord, 12 millions d'euros pour Etouvi et 11 millions d'euros pour le quartier Pierre-Rollin. Je ne rentre évidemment pas dans le détail de, de ces opérations. Elles feront l'objet de délibérations au fur et à mesure de leur avancement euh, durant, durant ce mandat. Mais vous voyez bien que, que ces chiffres-là, ces montants, sont particulièrement significatifs et que, naturellement, ils auront un impact sur le quartier et sur la vie des habitants de, 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 des quartiers concernés. De la même façon. Un axe fort de nos actions est l'attention que nous portons au logement et à la qualité de ces logements. Le développement de l'accession sociale pour 3 millions d'euros, 2 millions pour le soutien à l'amélioration de l'habitat privé, 700 000 euros pour la rénovation thermique des logements et 4 900 000 euros en raison des engagements antérieurs que nous avons pris. Assez régulièrement, dans cette Assemblée sont prises des délibérations qui accompagnent des, des réhabilitations de logements. Entre le moment où nous votons l'aide et le moment où l'opération est effectivement réalisée, il se, dé, il se déroule un, un laps de temps qui peut être quelquefois assez important. Les engagements sont pris. Il faut donc évidemment que l'on détermine les montants qui nous permettront d'honorer nos engagements. Et puis enfin, le dernier pilier est celui de la participation citoyenne, avec évidemment cette ligne que l'on ne saurait manquer qui est une ligne de 5 millions d'euros pour le budget participatif, 400 000 euros pour la création d'un tiers-lieu à Saint-Pierre-Vincent-Signy, et puis enfin 250 000 euros pour moderniser l'accueil et accompagner euh, l'usage numériquement ou l'accompagnement numérique des usagers à l'atrium. Voilà, Madame le maire, voilà mes chers collègues. Une présentation de cette PPI toujours trop longue, mais en même temps évidemment beaucoup trop courte par rapport à ses enjeux, non seulement financiers, mais également du point de vue de de l'amélioration qu'elle va apporter à notre territoire. Je vous remercie. Merci Benoît pour cette présentation euh, que moi j'ai pas trouvé longue parce que je pense qu'elle est très pédagogiquement euh, faite et je voudrais euh, remercier euh, tous les services et les élus qui ont permis d'élaborer cette euh, programmation pluriannuelle des investissements, c'est un, un gros travail parce que passer, euh, euh, ça a été dit, de quelques euh, 500 millions d'euros euh, demandés euh, au départ à euh, 175, même si 175, c'est euh, quasiment 204, mais enfin, on ne va pas chipoter sur les chiffres. Euh, on voit bien que, que c'est un gros travail qui a été réalisé. Euh, je voudrais aussi dire que la, la présentation me semble intéressante parce que ça nous permet de bien. Euh, repérer les, les axes les axes prioritaires. Je voudrais enfin ajouter que euh, on voit bien au travers de ce, de ce dossier combien les finances de notre ville sont saines et nous ne pouvons que nous en réjouir puisqu'en effet euh, envisager d'investir euh, près de 25 de plus que dans le mandat précédent c'est euh, important. Ça mérite d'être souligné. C'est important parce qu'on sait bien là aussi qu'investir, continuer à investir, c'est créateur d'emplois. Donc on a vu que l'OPAC, euh, donc Amsom, pardon, euh, investit beaucoup. Euh, la ville investit également. Et on verra la semaine prochaine que c'est également le cas d'Amiens Métropole. Donc euh, tout ça participe de, du développement euh, économique de notre ville et c'est heureux. Qui demande la parole euh, alors, je, je ne vois pas qui c'est Madame euh, Madame Delâtre. Madame Delâtre en premier, puis ensuite euh, j'ai bien noté deux autres interventions. Allez, y Madame Delâtre. Merci, Madame la Maire. Nous avons étudié avec attention cette PPI. Concrétisation de votre projet présenté lors des dernières élections municipales qui nous ont opposés. Nous comprenons que pour des facilités de comparaison, vous limitiez les périodes de PPI à cinq années. Mais 2021, même marqué par les événements que l'on connaît, n'a pas été une année blanche et devra être comptabilisée dans le montant des investi dans les investissements de ce mandat pour une meilleure précision quant à la moyenne des investissements annuels. Mais c'est une remarque purement technique et secondaire par rapport aux questions relatives à la soutenabilité financière de cette PPI et par rapport aux choix que vous vous présentez aux aminoises pour ces prochaines années. Cette PPI nous est présentée dans un contexte de régression des dotations de l'État et d'incertitude sur l'évolution des recettes, notamment fiscales, après la perte de la taxe d'habitation, compensée par l'État pour le moment. Mais ensuite, comme toujours, ces compensations seront rabotées. Les recettes de fonctionnement de la ville ont toujours été marquées jusqu'à présent d'une certaine stabilité, ce qui permettait d'envisager sereinement l'avenir et, de de, et de tenir un niveau d'investissement régulier. Or, vous prévoyez d'augmenter ces investissements de 25%. On peut en accepter l'augure et s'en réjouir. Mais l'avenir nous dira très vite si vous avez été trop optimiste, à la fois en raison du contexte encore incertain, mais aussi parce que vous engagez désormais régulièrement et dans des proportions inédites les finances de la ville au secours de celles d'Amiens Métropole qui sont mal en point pour plusieurs années. Je vous rappelle que vous avez prévu de verser annuellement un fonds de concours de fonctionnement de 3 millions puis 6 millions d'euros selon ce qui nous a été présenté lors du budget primitif de 2021 d'amiens Métropole de décembre 2000, 2020. Dans le document du budget primitif de la Métropole, ces fonds de concours entre dans les dépenses de fonctionnement et réduira les capacités d'autofinancement des investissements de la ville. De plus, la partie urbanisme et aménagement urbain de la future PPI, vous budgétez aussi 3 millions pour le financement des fonds de concours en investissement, cette fois des opérations d'aménagement. Quand cela s'arrêtera-t-il Jusqu'où comptez-vous poursuivre ce siphonnage des finances de la ville en comblement des difficultés que vous avez créées à la métropole par vos choix. Nous attendons avec intérêt les prochains DOV et le pacte fiscal et financier pour être bien précisément fixé. Mais nous vous mettons en garde sur cette dérive que nous dénonçons ici régulièrement. Pour ce qui est de la PPI, nous n'allons pas nous atteler à un commentaire par programme. Nous remarquons beaucoup d'effets d'annonce des chiffres conséquents sont affichés sur les lignes de programme. Mais lorsque l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que certains projets seront repoussés sur la PPI suivante. C'est le cas particulièrement flagrant du projet de crèche à Etouvi et ses 3 millions déjà reportés à 2027. Les habitants ont besoin d'une crèche maintenant, pas dans 5 ans. Euh, Monsieur Baïs m'avait demandé la parole. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Donc. Euh je vais intervenir sur trois points euh, euh, de la PPI. Donc, le premier, c'est donc concernant les études et les travaux de prévention du risque d'effondrement lié aux cavités souterraines. C'est un point qui est lié à l'actualité euh, récente avec le nouvel effondrement qui a eu lieu au stade Jean en début d'année. De conséquences directes, donc l'accès au terrain a été interdit donc par arrêté, ce qui a, rend, a rendu nécessaire le la délocalisation des mâches de l'ACA. Il y a un montant de 500 000 euros qui pose également question. Il correspond donc aux phases d'identification et de diagnostic. Mais en cas de nécessité de comblement, euh, quel coût Soit je ne l'ai pas vu, ou alors il ne doit pas y être. Euh, concernant également la requalification d'espaces commerciaux dans la Vallée Saint-Ladre, la situation actuelle dans la Vallée Saint-Ladre est toujours inquiétante. On a euh, la zone commerciale qui est à l'abandon, derrière, euh, derrière Conforama qui est donc depuis plusieurs années concrètement est-ce que ces 1 million d'euros d'investissement et d'études s'inscrivent dans le projet d'avenir pour revitaliser je vais y arriver cette zone en difficulté et enfin le budget participatif montant de 5 millions d'euros pour la période 2022-2026 qui questionne sur la perspective que vous souhaitez donner au budget participatif puisqu'il ne correspond pas à une augmentation du budget annuel donc il restera donc le même qu'actuellement. Ah oui. En commission hier, en commission des finances de la métropole, où nous avons vu la PPI 2022-2026. À l'intérieur figurait également une dépense de 300 000 euros pour un skatepark. Donc, pourquoi est-ce que la mairie utilise son budget d'investissement pour un équipement sportif alors que c'est normalement du ressort de la même métropole Et ensuite, donc, ne euh, trouve pas légitime que ce soit le budget participatif que l'on verra donc tout à l'heure en, en fin de séance, je pense qui sont amputés donc 300 mille euros, ce qui représente déjà une grosse partie de l'enveloppe pour les différents projets. Euh, C'est monsieur Deschamps qui avait demandé la parole, ou... Ah, pardon, je voyais pas. M. Tevenio. Euh oui. Donc, je voudrais intervenir sur deux sujets euh, les centres sociaux et un point que vous n'avez pas évoqué, euh, vie de la sécurité. Sur les centres sociaux, Amiens a toujours un grand retard sur ce sujet. Lors du précédent mandat, des locaux ont été construits pour Alco à Amiens Nord, des locaux qui ont été inaugurés euh, la semaine dernière. Aujourd'hui, vous programmez un nouveau bâtiment pour Caps, situé à Amiens Sud-Est. Force est de constater que cette structure est pratiquement financée. Un par les partenaires, CAF, Conseil régional, etc. Et vous avez oublié pas un important reliquat de ce qu'on appelle l'héritage Cosette. Donc euh, quand Benoît Mercuseau présente le net sur son tableau, je pense que Benoît a oublié de déduire le reliquat de l'enveloppe très importante qui reste de l'héritage Cosette. C'est pour cette raison que je souhaite une nouvelle programmation, c'est un souhait hein, et des aménois de ce quartier, la construction de locaux pour le centre social d'Escouvée et Elbeuf. L'équipe actuelle accueille les usagers dans des conditions difficiles et pas adaptées aux besoins. Concernant l'importance des centres sociaux, je ne reviendrai pas sur l'importance de leur activité pour faire face aux problèmes dans les quartiers. Ils contribuent au lien social, à la mixité sociale, à l'éducation citoyenne. Dans notre société, leur rôle est indispensable. Par ailleurs, sur le fonctionnement des centres sociaux, j'attire votre attention. Les aides au fonctionnement de la ville n'ont pas évolué depuis des années. Quand vous construisez un nouveau bâtiment, le centre social augmente ses, ses activités, pardon, et c'est tant mieux. Et accueille beaucoup plus de personnes. Donc des centres sociaux risquent de se trouver en difficulté financière dans leur fonctionnement. Sur ce sujet, la ville doit travailler avec ses partenaires afin de trouver des ressources supplémentaires. Sur le point 2, qui est très important, amiens politique de la sécurité, par rapport aux problèmes d'insécurité et d'incivilité subis par les Aménois, je constate que la ville... Investit insuffisamment afin de se doter d'une police municipale efficace. Sur le terrain, nous sommes témoins des difficultés rencontrées par les Amenois dans beaucoup de quartiers. Amiens a besoin d'une police municipale avec des moyens plus importants, par exemple, une police municipale à l'image de la ville d'Orléans. J'invite tout le monde à, à, comment on dira, à consulter le site de la ville d'Orléans sur les moyens qu'on donne à cette police municipale. Par ailleurs, une ville sûre aide également au développement économique, notamment pour le tourisme Les Aménois sur ce sujet attendent des mesures concrètes et fortes. Je vous remercie. Alors c'est Madame Vanier qui avait demandé la parole également? Non? D'accord, j'avais mal vu. Donc euh, Madame euh, desbureau. Merci Madame la Maire. Pour ma part, j'interviendrai sur le logement. On pourrait se réjouir que le logement constitue la plus grosse part de la PPI et de plus, le budget semble plus important que lors du dernier mandat. Mais sur le logement social, les chiffres sont inquiétants. En effet, lors de la précédente PPI, la création et l'entretien de logements sociaux s'élevaient à 23 millions, sans compter les différents PRU. La PPI que vous présentez ici affiche 4 millions destinés à la création de logements sociaux. Certes, de grosses sommes sont engagées dans le cadre de l'ENRU. Et PRU sont annoncés à hauteur de 57 500 000 environ. Mais en regardant de plus près, c'est 20 millions de mois en réalité qui seront utilisés d'ici 2026, le reste étant destiné à la PPI suivante. De plus, ces millions ne concernent pas forcément les logements eux-mêmes, mais également des opérations de voirie, des démolitions, des créations de pôles, etc. Lorsque l'on regarde les lignes d'investissement de plus près, on découvre qu'un tiers des investissements sera reporté à la PPI suivante. Encore un effet d'annonce ici. Aussi, le logement social ne se cantonne pas aux trois quartiers prioritaires. Le logement social doit exister partout dans Amiens, ville située dans un bassin où 80%, vous l'avez dit tout à l'heure, de la population est éligible à ce type d'habitat. Il nous a été dit en commission que vous teniez à garder le taux de 33% de logements sociaux dans la ville. Alors, même s'il y a eu de nouvelles constructions, on peut regretter encore la difficulté d'accès. Selon le dernier bilan de PLH que nous avons eu à étudier, euh, à la métropole, il était fait le constat d'une moyenne de 11 mois de délai pour une attribution et le chiffre de 2757 attributions pour 8100 demandes. L'écart est grand et lorsque l'on connaît notre taux de chômage et les revenus moyens de notre population, l'ambition de loger tout le monde selon ses moyens et ses besoins devrait être une priorité. Vous allez nous répondre que vous, vous allez nous rétorquer que vous répondez aux attentes du nouveau PLH qui souhaite mettre en avant l'accession sociale à la propriété. Mais ce modèle, qui correspond plutôt à du logement familial dans sa majorité, ne convient pas à tout le monde. Il faut noter le manque d'ambition pour une réflexion globale sur le type d'habitat que nous voudrons proposer demain. Notre ville propose très peu de colocations, de béguinages, de résidences intergénérationnelles, bref, peu d'expérimentation finalement. Ce qui est dommage, car cela pourrait éviter le découpage des aménoises par des propriétaires peu scrupuleux. Beaucoup d'étudiants et étudiantes préfèrent la colocation plutôt qu'une chambre avec kitchenette mal isolée ou un T1 hors de prix dans des nouvelles résidences privées du centre-ville. Enfin, la rénovation thermique ne semble pas être très valorisée dans cette mission, ce que nous regrettons. Il nous faut néanmoins souligner que la mise en place d'un guichet unique pour les démarches des propriétaires est une bonne chose, car il faut avouer qu'actuellement, obtenir une aide à la rénovation énergétique pour changer une chaudière, par exemple, est un véritable parcours du combattant. Nous regrettons donc que la priorité du mandat ne soit pas la lutte contre la précarité locative, mais étant donné les réponses reçues lors de nos propositions sur le plan de lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de travail des coursiers à vélo, reflet flagrant de la précarité des petits boulots dans notre ville, nous nous en doutions. Nous voterons donc contre cette PPI. Merci. Monsieur Descavé. Oui, bonsoir. Euh, rapidement alors je remercie la présentation qui a été faite et puis euh, le travail des services également comme ça a été dit par un certain nombre de, de personnes déjà mais pour la, la lisibilité des documents qui nous avaient été proposés après c'est toujours un petit peu compliqué d'appréhender de, des grandes masses euh, et puis et puis de sortir un petit peu des effets de, de communication donc la, la proposition c'était juste de, de voir parce que pour alimenter le débat aussi c'est intéressant de voir sur un certain nombre de de sujets précis les, les choix qui sont qui sont opérés euh, je voulais simplement relever que, que euh, on avait encore dans ce dans cette dans cette Ppi un, un, un budget par exemple à un million cinq mille euros sur la la vidéosurveillance, euh, qui euh, voilà est, est de plus en plus contesté dans son dans son ratio en efficacité coût y compris par des par des, des gens qui ne sont pas euh, des des, 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 des teneurs de la cueillette euh, ou des, des gauchistes, la cour des comptes, euh, voilà, enfin un certain nombre de, de gens qui euh, qui euh, qui sont euh, qui sont sur ce sur cette contestation de des moyens qui sont alloués autour de ça, euh, et puis euh, 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 en delà des effets de, de communication, c'est un peu euh, sur, sur cette question de, de continuer à promouvoir la vidéosurveillance. J'ai l'impression que ça va nous rappeler euh, les, euh, les débats qu'on a eus sur la voiture qui verbalise toute seule. Le problème, c'est qu'avec ces outils-là, il faut des gens derrière et que la question d'une vraie politique de sûreté, elle se fait avec des, avec des moyens humains. Euh, alors, c'est pas forcément opportun de comparer les choux et les carottes, mais juste pour, pour prendre un, un budget qui est à peu près, euh, qui est à peu près sur, le, sur le même ratio, on a euh, la, la question de la rénovation de d'un certain nombre de cours d'école qui a un million quatre cent mille je crois sur le sur le la PPI avec avec quelque chose qui me semble risqué d'être un petit peu D'être un petit peu sous-évalué sous parce qu'avec 70 écoles, euh, une situation où, du coup, on a des, on a des enfants aujourd'hui, quand ils sont demi-pensionnaires, qui passent deux à trois heures par jour dans la, dans la cour de récréation. Il euh, y, a, y a effectivement de gros enjeux sur cette question en termes d'écologie, de, de végétalisation, euh, de faire redescendre les températures dans ces espaces pour que l'ensemble des enfants puissent. Euh, Puissent sortir. Et puis d'autres questions qui, du coup, euh, doivent se poser sur des questions plus éducatives. Euh, et, et avec un, un tel choix budgétaire, je pense que ça risque d'être un petit peu complexe. Euh, voilà, comme sur d'autres sujets, il y a, il y a, il y a beaucoup d'études qui, qui parlent sur cette question de comment sont pensés les espaces euh, des enfants dans les cours de récréation, comment ils sont pensés euh, voilà, en termes d'équilibre de, euh, des lieux, notamment d'équilibre entre la place qu'occupent qu les garçons et les filles dans ces espaces. C'est des choses qui se disent beaucoup, qui sont beaucoup travaillées en ce moment et qui, à mon avis, Vie, euh, mérite d'être pensé à l'échelle de à l'échelle de, des travaux qui vont être qui vont être réalisés euh, puisque il euh, y a, y a quand même un enjeu euh, si on veut aller au-delà de la mixité et sur une dimension d'égalité autour de ces questions. Voilà. Merci. D'autres interventions Oui, Madame euh, Madame Becker. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on note que euh, des investissements sont prévus euh, pour certaines friches hein, et euh, c'est euh, nécessaire pour éviter de grignoter encore davantage sur les terres agricoles. En revanche, dans, dans cette euh, PPI, on ne trouve pas grand-chose pour l'agriculture urbaine. On a, il y a une enveloppe de 300 000 euros euh, qui bénéficiera en partie euh, au Jardin Solidaire de Saint-Maurice. Alors que la priorité pour les amiennoises et les amiennois, c'est de pouvoir se loger, et notre collègue Zoé en a parlé, et s'alimenter correctement. Vous avez vous-même vanté les mérites des circuits courts, mais pour les mettre en œuvre, il faut une production locale. Et Amiens dispose de beaucoup de terres agricoles qui pourraient être cultivées. Alors. Dans cette PPI, on aurait aimé voir justement des investissements, euh, recenser les terres agricoles amiennoises, créer de nouveaux jardins solidaires sur le modèle de celui de Saint-Maurice et euh, une pépinière municipale. C'est ce qu'a fait la ville de Nantes pour répondre notamment à la précarité alimentaire engendrée par le premier confinement et elle continue de le développer depuis. Alors, la, la, la crise se poursuit aujourd'hui. Beaucoup de familles euh, sont forcées de limiter leur consommation de légumes et de fruits frais. Et euh, cette PPI n'est pas solidaire et ne peut répondre à la précarité alimentaire des habitantes et des habitants d'Amiens. Alors, vous euh, avez prévu, en revanche, une enveloppe de 5,5 5, 5 millions d'euros de, pour le raménagement du parc Saint-Pierre, euh, le marais des Trois Vaches et le jardin des plantes en faveur de la transition écologique. Euh, une partie de cette enveloppe aurait pu être fléchée vers la création de jardins solidaires. La transition écologique, elle doit aussi être nourricière. Et euh, développer l'agriculture urbaine, c'est euh, à la fois agir en faveur de la transition écologique, euh, du développement économique, puisque ça crée de l'emploi, euh, notamment en insertion pour la culture, mais il ne faut pas oublier non plus la transformation et la distribution. C'est donc un enjeu d'attractivité puisque c'est au, au cœur des priorités, euh, et euh, cela permet de profiter euh, de légumes et de fruits cultivés localement, c'est attractif et c'est une question de solidarité. Et euh Malheureusement, cette PPI n'est pas solidaire. On note euh, d'ailleurs que l'enveloppe pour euh, le pacte pour le bien-vivre n'est que de 3 millions sur 176 millions d'investissements au total. Et puis, euh, j'en finirai avec cela, puisqu'en commission, j'ai posé la question euh, sur la réhabilitation de la salle de l'étoile qui devait permettre euh, euh, d'héberger des, des, des sans-domicile. Euh, et euh, là, on voit que le montant est à zéro et je n'ai pas réussi à avoir de réponse euh, euh, en commission. On nous a répondu que oui, effectivement, le montant était à zéro, mais que le projet n'avait pas été oublié. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est euh, ren euh, renvoyé à, au calendrier grec. Je n'en sais pas. Merci. Euh, qui souhaite s'exprimer maintenant Oui, Monsieur Deschamps. Pas tout à l'heure, mais maintenant, oui. Allez-y. Peut-être pouvez-vous prendre le micro voisin si le vote ne fonctionne pas. Oui, C'était effectivement un problème de, de micro qui ne, qui ne s'allumait pas. Euh, nous, nous tenions euh, déjà à remercier euh, Benoît Mercuseau et les différents services qui ont participé à l'élaboration de, de cette présentation qui avait le mérite, disons-le, d'être, vous l'avez dit aussi, pédagogue, bien claire, bien précise, en tout cas dans, dans, dans sa forme. Votre PPI présentée n'est pas à jeter d'un bloc. Pour amener au cœur, elle n'est pas à jeter d'un bloc. Il y a des choses que nous partageons, il y a des décisions que vous nous présentez et qui vont dans le bon sens. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je, je pense par exemple aux 23 millions d'euros qui vont être dédiés pendant, pendant cinq ans et j'espère après il faudra continuer à maintenir en état, à rénover notre patrimoine qui est un patrimoine important pour une, pour une ville de notre taille. D'autres décisions, et, et c'est le jeu, hein, c'est le jeu de la politique, c'est le jeu des élections, euh, vont dans des directions que nous n'aurions pas prises ou en tout cas que nous aurions prises différemment. Euh, vous allez disposer dans les cinq prochaines années de ressources euh, et vous allez les utiliser. Il faudra attendre la fin du mandat pour euh, juger si vous les avez euh, mises en œuvre ou si vous ne les avez pas mises en œuvre ou si vous les avez mises en œuvre différemment. Nous n'allons pas euh, évidemment entrer dans le détail de, de chaque ligne, ça prendrait euh, un temps fou, ce n'est pas le lieu et cela a d'ailleurs été vu. Euh, dans les différentes commissions, euh, trois commissions de travail, dont une qui s'est plutôt pas très bien passée, euh, les deux autres, heureusement, qui ont lieu dans les jours suivants ont permis de rattraper les choses et de rentrer plus, plus dans le détail et d'avoir des réponses aux interrogations que nous nous posions. Nous ferons une double observation sur globale, donc sur la forme, et une autre sur le fond. Alors, sur la forme, euh, nous sommes ce soir confrontés par, euh, par cette présentation à une, à une chronologie assez curieuse. Euh, en effet, il est prévu de délibérer euh, avant de la fin de l'année, Benoît Mercuseau l'a rappelé tout à l'heure, sur ce euh, nouveau pacte financier et fiscal pour euh, ce nouveau mandat, euh, dont le, le contenu à ce jour reste assez mystérieux, hein, disons-le. On n'a aucun vent de, de ce qui va ressortir de ce pacte financier et fiscal, mais qui devrait expliquer comment apporter de nouvelles ressources à Amiens Métropole sans pour autant augmenter globalement les impôts comme vous y êtes engagé. Donc on attend, on attend de voir comment vous, allez, euh, comment vous allez faire. Alors la question, elle est de savoir pourquoi euh, se précipiter soudainement en se référant au, au DOB de l'année dernière au lieu de celui qui est en préparation, ça c'est une interrogation que nous avons. La logique c'est normalement de commencer par voter le pacte, puis de faire des DOB et enfin d'en tirer plus ou moins les conséquences, mais là vous avez décidé de faire l'inverse et c'est ce point que nous souhaitions souligner sur sur la forme. Sur le fond à présent, comme je le dis, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque de chaque ligne, mais il faut noter qu'une PPI, c'est un outil certes technique, mais il donne aussi très largement une orientation politique. C'est un moment fort d'un exécutif qui présente l'impulsion, la couleur qu'elle veut donner aux investissements dans les années de son mandat. Et je vais axer la démonstration que je vais faire sur, sur un point. Qui est celui de l'écologie. Sur cette euh, PPI, vous tentez de donner une euh, forte tournure écologique à votre PPI. Et j'ai envie de dire, ce serait formidable si c'était euh, si vrai. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas le faire, je dis juste que ce serait formidable si c'était vrai, et nous avons, euh, nous avons quelques doutes, et je vais vous expliquer pourquoi euh, nous avons quelques doutes nous avons l'impression que vous avez fait les choses un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que vous avez, dans votre programme, prévu des investissements. D'autres investissements n'étaient pas prévus dans votre programme, mais ils vous sont tombés dessus par les aléas de la gestion d'une ville. Je pense par exemple à la passerelle euh, au parc Saint-Pierre, la passerelle Samarobriva. Et à un moment donné, il y a de l'argent à mettre sur des points. Et là, vous avez listé. Les, différentes, euh, les différents travaux, les différents investissements à, à mettre en œuvre dans les prochaines années. Et vous vous êtes dit, eh bien, politiquement, ça fait bien de donner une note verte à ces investissements. L'écologie, c'est porteur en ce moment. Euh, il faut qu'on soit dans une démonstration écologique. Et donc, à chaque fois que c'est faisable, on va mettre dans la case le mot écologique pour en additionnant à la fin toutes les lignes, montrer qu'on a une forte propension à faire de l'écologie dans les investissements à venir. Et alors, j'ai regardé le slide qui nous a été présenté qui a d'ailleurs été le même qu'en commission, sur la partie transition écologique, avec une somme annoncée de 58 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a dedans On a le parc, la passerelle Samaro-Briva à 3 millions d'euros. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas de l'écologie, ça. Reconstruire une passerelle qui n'est plus euh, viable, ce n'est pas de l'écologie. Construire le parc de la haute enfin re, re, redonner une nouvelle, une nouvelle dimension au parc de la Haute-Oie. Alors, certes, dans le parc de la Haute-Oie, il y a de la verdure, il y a des arbres. Ce n'est pas ça, l'écologie. Ce n'est pas de l'écologie, ça. Alors, une partie peut-être des 9 millions d'euros, mais pas la totalité des 9 millions d'euros. Dans le parc, il y aura peut-être des éléments ludiques, il y, aura, il y aura différentes choses. Donc, ce n'est pas de l'écologie. Le square friand, il existe déjà, le square friand, 1 million d'euros, vous le mettez encore sous l'axe écologique. La stratégie fleuve, ça aurait pu être un fort, une forte, un fort investissement sur l'écologie. Et là, dommage, il n'y a que 500 000 euros sur, sur 5 ans, pas beaucoup. Sur le, le parc solaire, alors là, je dis oui. Parc solaire, 1 million d'euros. Oui, là, clairement, on est, euh, on est dans l'écologie. Et puis, les dotations de proximité, 12 millions d'euros, vous le mettez aussi dans l'écologie. Alors, les adjoints de secteur, ils vont euh, toucher pendant, euh, pendant 5 ans, au total, 12 millions d'euros. C'est bien pour eux. Les secteurs ont besoin d'argent pour euh, réinvestir, pour remettre du mobilier urbain, pour refaire de la voirie quand c'est nécessaire, etc., etc. Mais tout ne sera pas de l'écologie. Il ne faut, faut pas faire croire par ces chiffres que les 12 millions d'euros distribués euh, aux adjoints de secteur seront fléchés sur des actions écologiques. Alors qu'on repointe tout ça, vous annoncez 58 millions d'euros, moi quand je fais la soustraction de ce qui n'est pas de l'écologie, j'arrive à deux fois moins, deux fois et demi moins, pratiquement en, en affinant un peu plus. Je n'ai pas tous les éléments pour affiner, mais on, a, on est loin des 58 millions d'euros. Tout ça pour vous montrer que ben c'est normal, c'est votre rôle de montrer que vous, vous, avez une, vous voulez donner cette orientation écologique, mais on, on, on ne s'y retrouve pas. Moi, je suis convaincu que si euh, on montrait à un jeune amiénois aujourd'hui votre PPI, euh, un jeune amiennois qui est préoccupé, comme tous les jeunes français et les jeunes dans le monde entier, qui est, qui est préoccupé par le réchauffement climatique et par euh, l'écologie, et il, est, il est préoccupé, pas parce que c'est à la mode, il est préoccupé parce que c'est son avenir. Et lui il se dit ben Moi, j'ai 15 ans, j'ai 18 ans, quand j'en aurai 60, euh, la planète sera peut-être plus vivable. Et donc, cette préoccupation forte, je ne suis pas sûr qu'un jeune amiennois se retrouve dans votre, dans votre PPI sur cet axe écologique, et j'en suis même certain. Nous aurions apprécié, pour conclure, un travail différent en commission. Là, nous avons abordé cette PPI comme nous abordons tous les autres dossiers, c'est-à-dire la commission urbanisme qui reprenait les points urbanisme de la PPI, le lendemain la commission affaires sociales qui reprenait les choses, et quand dans l'une, on posait des questions sur l'autre, on nous disait c'est pas le lieu pour les poser. Et heureusement qu'il y a eu la commission des finances pour tout rebalayer, mais ça aurait mérité, et je ne suis pas là pour. Voilà, ça a été fait comme ça, mais pour un point important comme cela, peut-être un séminaire d'une demi-journée avec avec tous les adjoints concernés, avec avec les directeurs des services pour 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 bien comprendre et bien entrer bien entrer dans le détail. Alors vous l'avez compris, nous ne, nous ne voterons pas favorablement cette cette PPI. Merci. D'autres interventions Peut-être dans les réponses. Donc, Bruno Bien-Aimé m'avait demandé la parole. D'autres adjoints, peut-être, voudront répondre sur tel ou tel aspect. Mathilde Roy hmm Florence Rodinger D'accord. Bruno Oui, merci, Madame le maire. Alors, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les interventions de Monsieur Deschamps, euh, dans la mesure où euh, il faut aussi. Euh, Savoir ce qu'est la transition écologique et être capable de la définir. Alors, on va prendre quelques exemples puisqu'on a eu beaucoup de remarques. Prenons des exemples extrêmement concrets. Lorsque Monsieur Deschamps nous dit que les arbres, la verdure du parc Saint Pierre, ce n'est pas de l'écologie. Je dois donc en déduire que lorsqu'on plante un arbre, on ne règle pas le problème du réchauffement climatique, M. Deschamps. Donc, les 4500 arbres par an que nous avons l'intention de planter dans tous les parcs, ce ne serait certainement pas de l'écologie. Je pense que les Aménois apprécieront. Et j'imagine que dans votre projet pour Amiens, il ne doit pas y avoir beaucoup d'arbres. Ça, c'est un exemple et c'est un premier élément. Ce qui me permet de rebondir aussi sur Nantes. Alors, Nantes. Nantes, on a combien de jardins ouvriers par rapport à Amiens. À Nantes, il y a 920 jardins ouvriers. Nantes doit être la ville la plus exceptionnelle en jardins ouvriers. À Amiens, nous avons 1700 jardins ouvriers. Alors, comparons ce qui est comparable. Nous avons à Nantes un jardin ouvrier pour 340 habitants. Vous savez combien nous avons de jardins À Amiens, un jardin pour 75 habitants. Voilà, l'effort, il a déjà été fait et il continuera à être fait. On va même poursuivre, nous allons aller beaucoup plus loin. Oui, oui, vous pouvez vous retourner pour vérifier, oui, oui, les chiffres sont bons. Alors, on va aller un petit peu plus loin puisque vous parlez de développer les jardins. Nous avons un projet, vous l'avez vu, 1,5 million d'euros sur le Marais des Trois Vaches. En étudiant ce projet, vous vous êtes rendu compte qu'à côté, il y avait une parcelle de 3,3 hectares. Et sur cette parcelle, nous allons aménager, en consultant les noirs, peut-être des jardins ouvriers, peut-être des vergers conservatoires, ou toute chose qui permettra d'aller vers l'autonomie alimentaire. Je vais continuer et je vais rebondir sur l'autonomie alimentaire. Effectivement, sur la ville d'Amiens, trouver de nouveaux terrains, ça peut être compliqué. Sauf que nous avons un projet alimentaire territorial qui ne se limitera pas à Amiens mais qui prendra en charge les villes autour d'Amiens et bien plus loin. Donc ça permettra d'avoir un raisonnement plus global et non pas de se limiter à une réflexion qui se limite à un territoire réduit. Et je pense que lorsqu'on fait de la transition écologique, on ne reste pas chez soi, on va aussi voir à côté ce que font les autres. Donc ça, c'est pour répondre aussi à cette problématique d'autonomie alimentaire. Alors je termine un petit peu parce qu'il y aurait beaucoup à redire. Je pense que globalement, euh, il faut retravailler le concept de transition écologique pour que vous puissiez prendre conscience à quel point ce budget, ce budget est un budget qui. Cette PPI, pardon, est une PPI qui prend en compte l'ensemble des problématiques environnementales et qu'elle et qu sera complétée par la PPI de la métropole, dans laquelle nous avons des problématiques de biodiversité, des problématiques de déchets. Et l'ensemble fera une PPI ville et métropole avec un budget transition écologique qui n'existe nulle part ailleurs en termes de, on va dire, pourcentage, ratio budget transition écologique. Je vous remercie. Merci. Mathilde Roy. Oui, merci Madame le maire. Donc, euh, il y a plusieurs choses qui ont été évoquées concernant euh, le pacte pour le bien vivre. Je voudrais d'abord répondre sur ce qui a pu être dit par... Euh, notre ancien collègue Philippe sur les centres sociaux. Euh, quand on dit qu'Amiens est en retard, encore faudrait-il savoir par rapport à quoi C'est un petit peu ce que vient de dire également euh, mon collègue Bruno sur la transition euh, écologique. Je voudrais juste euh, dire qu'il ne faut pas non plus euh, faire un focus uniquement sur les chiffres euh, de la PPI, parce qu'il y a par ailleurs euh, d'autres sources de, fonction de financement qui viennent alimenter euh, des centres ressources tels que les centres sociaux et notamment pour le fonctionnement. Et que si ces ressources n'étaient pas allouées, ces centres sociaux ne fonctionneraient pas. Pour mémoire, on alloue quand même plus de 200 000 euros de subventions de fonctionnement aux centres sociaux annuellement. On y reviendra d'ailleurs prochainement lorsqu'on parlera euh, des différentes subventions qui vont vous être proposées sur le plan social qui englobe. Euh, les différents volets, que ce soit personnes âgées, accessibilité ou encore euh, action sociale. Et par ailleurs, on a également des financements à l'action. Donc tout ça concourt quand même quelque part à ce que les centres sociaux euh, fonctionnent. On a quand même, dans le mandat précédent, accordé une somme conséquente de plus de 7 millions d'euros à l'ALCO. Ça n'était quand même pas négligeable. On voit aujourd'hui ce que cela donne. Et aujourd'hui, en considérant qu'à CAPS, on prévoit 2 millions d'euros, là aussi, c'est une estimation puisque les projections ne sont pas encore finalisées. Ça va faire l'objet de différents travaux qui vont avoir lieu, notamment avec l'association concernée. Et si au final, on n'est pas à 2 millions, mais qu'on est à 1,8 million, ça vous laisse tout de suite un reliquat, lequel, vous vous doutez bien, va tout de suite être fléché. Pour le centre social d'Elbeuf. Donc, on a dans le pacte pour le bien-vivre prévu quelque chose là-dessus. On ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'est pas forcément envisageable. Ensuite, sur ce qui a pu être dit sur le jardin solidaire, je remercie euh, euh, Madame Becker d'avoir évoqué euh, le sujet. C'est vrai que on y fait allusion dans l'enveloppe des 300 000 euros et on a pu constater pendant la pandémie et encore récemment avec l'accroissement de la pauvreté. Que le jardin solidaire est quand même très utile et que toute sa production est distribuée à des personnes qui en ont besoin, donc tout à mais en particulier les plus fragiles. On l'a encore vu récemment, hein, quand il y a eu la manifestation devant l'hôtel de ville avec des dons euh, alimentaires, tout cette, euh, toute cette production est donc diffusée aux personnes euh, les plus précaires. Et donc, on ne peut pas à la fois dire que c'est bien de le faire, mais que bon, en même temps, on pourrait faire encore mieux. Euh, je pense qu'il faut considérer que c'est bien de le faire et que notre volonté, c'est d'accroître encore sa production pour justement produire encore plus pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc là aussi, il y a une logique, une cohérence, une continuité dans notre action, et c'est en partie ce qui est effectivement prévu dans les 300 000 euros. Enfin, sur le crédit global qui apparaît de 3 millions d'euros sur le pacte pour le bien vivre. Là aussi, euh, je vais pas faire un mauvais jeu de mots en disant que c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on parle d'écologie et d'arbres. Mais comme on a pu l'expliquer en commission affaires sociales pour ceux qui étaient présents, il euh, n'y a pas que des crédits affectés à une mission, un programme qui viennent émarger sur le financement de ces thématiques-là. En l'occurrence, sur les 76 actions du pacte pour le bien vivre, si vous en souvenez, ça touche le logement. Ça touche la précarité, ça touche euh, euh, l'urbanisme, ça touche euh, la démocratie, euh, etc. Donc plusieurs thématiques. Et donc on l'avait notamment expliqué en ce qui concernait euh, l'enveloppe accessibilité. Il y a les secteurs également qui vont intervenir sur ces sujets-là. Mais il y a, comme je viens de le dire, toutes les autres délégations et donc tous les autres programmes et donc toutes les autres missions. Qui vont financer des actions qui sont dans le pacte pour le bien-vivre. Donc, on ne peut pas considérer que ce ne soit, au final, que 3 millions. Et enfin, pour conclure, pour répondre encore à Madame Becker sur la salle de l'étoile, oui, j'ai dit qu'effectivement, en l'État, ça n'était plus forcément le projet d'actualité, mais nous n'abandonnons pas l'idée d'un accueil de jour et des discussions sont en cours avec l'État à ce sujet et les secteurs. Donc, euh, nous reviendrons vers vous dès que possible avec plus euh, d'informations. Voilà, Madame le maire, les précisions que je souhaitais apporter sur les différents sujets qui relevaient euh, en particulier du pacte pour le bien-vivre. Merci. Merci. La parole est à Hubert de jean -Lys. Oui, merci, Madame le maire. Oui, je voudrais réagir à quelques propos qui ont été tenus, euh, notamment concernant la, la police municipale et la vidéo. Euh, bon, je... jusqu'ici, j'avais pas entendu M. thévenot euh, critiquer l'efficacité de la police municipale et les moyens qui étaient consacrés. Bon, maintenant, c'est certain que M. a été élu dans cette majorité en 2014 et réélu en 2020, euh, juste avant de claquer la porte en, de... en avril 2021, pour ouvrir celle du Rassemblement national, pour être tête de liste dans la Somme. Alors, vous avez vite appris les éléments de langage du Rassemblement national, parce que vous voulez maintenant à nous annoncer que la police municipale ne serait pas efficace, qu'on n'y mettrait pas de moyens ou qu'il faudrait mettre des plus importants. Bon, sincèrement, j'entends vos propos et je comprends que vous sortiez les vieilles ritournelles du Rassemblement national. Mais si vous regardez les faits, les, les chiffres avec un peu d'objectivité, vous pourriez remarquer qu'en 2014, il y avait 49 caméras de vidéoprotection, aujourd'hui il y en a 137. Que nous sommes passés à 89 agents de police municipale, qu'il y a un CSU qui a, avec, qui a été réalisé avec un investissement de 450 000 euros, que la brigade de soirée a été mise en place, que la brigade verte a été doublée, que bref, on a beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de réactivité. Mais ça, effectivement, c'est peut-être pas les éléments qu'on vous a donnés, mais en tout cas, ce sont les faits. Ensuite, Monsieur de bon, c'est certain que vous ne me surprenez pas, mais ça faisait bien longtemps quand même qu'on n'avait pas entendu des propos pour décrier la vidéoprotection. J'avoue que en France et même à Amiens, c'est des, des choses qu'on n'entend plus beaucoup. Dans une précédente majorité, on s'était limité à 49 caméras, comme j'ai dit tout à l'heure. Et alors du coup, on en déplaçait quand il fallait en mettre ailleurs, parce que surtout, ne pas atteindre le chiffre dogmatique de, de 50 caméras, et on en venait à les déplacer, ce qui était complètement grotesque. Aujourd'hui... La majorité précédente et celle-ci assume. Nous sommes à 137 caméras. Le CSU, il est envié, je peux vous le dire, par beaucoup de nos voisins. C'est un des plus beaux CSU des Hauts-de-France. Euh, remettre en cause son efficacité, c'est soit ne jamais discuter avec nos partenaires que sont la police nationale et le parquet, le procureur, mais remettre en cause l'efficacité d'une vidéoprotection aujourd'hui. Je pense que c'est être un petit peu, soit euh, pas tout à fait objectif, pour dire ça comme ça, soit euh, ne pas avoir conscience des réalités des choses. Florence Rodinger. Oui, merci Madame le maire. Donc, euh, j'aimerais euh, répondre euh, donc, essentiellement à Madame de Bureau, qui, est, qui avait fait une intervention sur le logement, euh, et notamment social. Euh, donc, effectivement, vous rappeliez l'ancienne euh, PPI, pour laquelle il y avait eu des, plus d'investissements mais il faut rappeler qu'effectivement que l'ancien PLH avait prévu de financer la construction a permis de financer la construction de 1400 nouveaux logements locatifs de 2016 à 2021 et la réhabilitation de 2400 logements. Il s'agissait effectivement d'un vrai d'un véritable plan marshall parce qu'il y avait un retard et c'est pour, pourquoi la ville s'était engagée, euh, avec les efforts faits par les, par les bailleurs, donc la ville s'était engagée à financer euh, plus avant les logements. Maintenant, euh, on n'est on plus, plus dans le plan Marshall, donc le, le rythme de logement se fait de l'ordre de 200 par an, et les bailleurs peuvent tout à fait assumer maintenant euh, cette, cette euh, croissance. Enfin, Comment on appelle ça cette prise de croisière de 200 logements par an qu'elles peuvent financer de façon tout à fait normale. Donc nous nous avons voulu mettre l'accent sur la, la réhabilitation des logements conditionnés à l'amélioration de la performance thermique. Pour ce faire, nous nous effectivement nous ciblons plutôt les comment dire, enfin nous ciblons les, les Locataires de l'ENRU, essentiellement, de l'ordre de 2200 logements qui seront réhabilités dans le cadre de la Convention rue Et pour cela, donc, je rappelle que pour le, globalement, pour le parc public, nous consacrons 7,7 millions euros. Concernant, le, vous le dites, la rénovation thermique n'est pas valorisée. Ah bon Donc, effectivement, je tiens à rappeler le, le soutien à l'amélioration de l'habitat privé. Comment dire. Mais de ne pas considérer les, les, seules, les seules subventions. Nous, nous, nous venons en complément de tout ce qui est fait euh, sur le plan euh, sur, sur différents échelons. À savoir que le gouvernement maintenant a intégré euh, les comment dire les pouvoirs publics ont intégré les, les aides à l'amélioration de la performance technique thermique, pardon. Donc les installations financières sont déjà existantes et fortes. Euh, je voulais parler de l'ANA via le programme euh, Habiter Mieux, Ma Prime Rénov, les, les CE, les aides de la région avec l'AREL, le SPE. Euh, pour vous donner un exemple, les, les personnes les plus modestes peuvent euh, bénéficier jusqu'à 90% de subventions. Donc voilà, donc si vous voulez, la ville, elle ne vient qu'en qu complément parce qu'elle ne peut pas effectivement se déconnecter complètement de, de toutes les aides offertes par les, par les différents territoires. Cela dit, euh, comment dire, nous avons-nous préféré accompagner dans, en termes de, de rénovation énergétique, c'est-à-dire accompagner au niveau de, de diagnostic Bon, mais seulement, ce n'est pas dans le cadre des compétences de la ville. On en parlera plutôt au niveau de la métropole. Et nous ferons appel, si c'est si si voté ainsi, à un opérateur qui sera là en, en, pour faire des diagnostics travaux. Et par, en termes d'aide, ça correspond pour si on estime un diagnostic à, à 1000 euros. Voilà, c'est ce voilà, une façon aussi de, de subventionner euh, euh, l'aide la, à la rénovation thermique. Donc, tout ça pour dire que nous préférons accompagner, mais nous aidons à la hauteur. Le but, c'est quand même de, pour nous de, de, de massifier. Hein. Donc, je vous rappelle aussi qu'on fait aussi une passerelle avec l'opérateur solaire. Donc massifié, toute thématique, hein, puisque nous créons notre fameux guichet unique de l'habitat, et effectivement, euh, non seulement enfin, toute thématique sera abordée, pas seulement la rénovation énergétique, mais l'adaptation au vieillissement, la résorption de la vacance, ça sont des logements par an, ou le regroupement de logements divisés. Donc euh, voilà, le cumul des aides à la fois de, de, tous les par de toutes les, les collectivités et de cet accompagnement, euh, voilà notre, notre stratégie par rapport à la rénovation énergétique, sachant qu'effectivement, euh, la plateforme Rollor sera toujours là pour être en, en premier accueil. Donc vraiment, accompagner euh, sera notre, notre point fort. Et, très, et c je crois que c'est aussi un, un comment dire un, un objectif très ambitieux que nous mettons euh, à disposition des habitants. Merci. Merci. La parole est à Benoît Mercuseau. Oui, merci Madame le maire. D'abord, je voudrais peut-être rassurer les différents intervenants qui ont vu dans cette PPI des effets d'annonce et qui, d'une certaine manière, s'inquiétaient de ce que l'on ne serait pas capable de réaliser les investissements que l'on annonçait. Alors, d'abord, je note que c'est un peu curieux parce que, par ailleurs, on nous, on nous, on nous critique quelquefois dans l'autre assemblée qui est celle de la métropole pour avoir trop investi. En tout cas, ça prouve et on l'a prouvé qu'on en était parfaitement capable lors du précédent mandat et on continuera dans ce mandat, ce que l'on annonce, on le réalise. Ça ne fait aucun doute pour personne. Et voir des effets d'annonce dans ce qui est dit là, c'est, me semble-t-il, prendre ses désirs pour, pour la réalité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose concernant la soutenabilité financière. J'entends bien que le calendrier n'est pas forcément l'idéal, idéal, mais, mais en réalité, il n'y avait pas calendrier idéal. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que nous abordions aujourd'hui cette PPI Tout simplement parce que cette PPI, précisément parce qu'on veut la mettre en œuvre, doit être déclinée dès le budget 2022 et qu'il n'était pas possible d'attendre encore de, pour adopter cette PPI, d'attendre encore parce que sinon on aurait été incapable d'en décliner les crédits de paiement pour l'année 2022. Or, si l'on veut que les opérations se lancent maintenant assez vite, eh bien, il faut forcément que le feu vert soit donné par notre Assemblée dès maintenant pour que tout cela soit décliné dans le, le budget 2022. Et puis, je voudrais aussi rassurer ceux qui évoquent ou ceux qui s'inquiètent de ce que l'on prendrait des risques inconsidérés. Alors, j'ai une certaine mémoire, bien que pas trop ancienne, enfin, je l'espère du moins. Mais il y a 11 ans dans cette assemblée, c'est vrai que celui qui occupait la place d'adjoint aux finances à l'époque, c'était en 2011, au moment de la 2010, au moment de la suppression de la taxe professionnelle, eh bien l'adjoint en question et la majorité qui le soutenait, et vous en êtes proche, me semble-t-il, euh, finalement a crié avant d'avoir mal. C'est-à-dire qu'on était absolument certains, c'est ce qu'on nous disait, alors que la suppression de la taxe professionnelle, dont tout le monde s'accordait à dire que c'était un impôt imbécile, mais que sa suppression allait être une catastrophe. Et du coup, avant même que la catastrophe arrive, eh bien tout le monde, enfin cet adjoint en tout cas, et la majorité avec lui, criait que tout allait s'effondrer, qu'on ne, qu ne pourrait plus rien faire, etc. Évidemment que le, le pire n'est pas arrivé, et c'était évidemment prévu qu'il n'arriverait pas. On peut faire le choix d'être pessimiste. On peut faire le choix de se dire, eh bien, finalement, il y a trop d'incertitudes autour de nous. Surtout, ne bougeons plus. Faisons le gros dos, attendons que ça se passe. Et puis, on verra dans deux ans, trois ans, quatre ans, on a bien le temps, après tout. Eh bien, en réalité, non, nous n'avons pas le temps. Et je vous demande de nous faire grâce, de considérer, et vous pourrez le vérifier dès les conseils du mois prochain. Je vous demande donc de nous faire grâce de considérer que nous vous proposons un budget, enfin plutôt une PPI responsable qui sera adossée sur un débat d'orientation budgétaire, sur un pacte financier et fiscal, et puis quelques semaines après par un budget 2022 qui sera la déclinaison et qui ne fera pas prendre de risques aux différentes collectivités dans lesquelles nous siégeons je dis les différentes parce qu'on a bien compris qu'il y avait évidemment un lien de solidarité entre la ville et la métropole. précisément, à propos des liens entre la ville et la métropole, c'est assez naturel au fond. j'ai entendu quelques confusions. je me permets juste de, de repositionner un certain nombre de choses concernant les cavités souterraines sous le stade jean-bouin. ce sont de vraies cavités, mais précisément comme elles sont sous un stade, elles sont Enfin, le, le dessous emporte le dessus. Et malheureusement, je vois mon collègue qui est juste en face de moi et qui, qui pleure tout ce que ses yeux peuvent pleurer en considérant que le, le, le fait de combler ces cavités eh bien, est imputé sur le budget sport de la métropole. Ça n'empêche qu'il peut y avoir des cavités qui ne sont pas sous un équipement sportif. Et dans ce cas-là, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas sur ce comblement des, des cavités souterraines sous, sous jambon. Euh, de, de, de la même façon, euh, j'ai relevé oui quelqu'un a évoqué le, le tourisme le tourisme sera évoqué au travers de l'attractivité économique qui est de la compétence de la métropole. Alors évidemment ce type de débat aboutit aussi à ce que ce qui est un, un classique certains trouvent qu'on en fait trop sur un domaine et d'autres trop peu sur le domaine. Je ne reviens pas sur la réponse qu'a apportée Hubert de Genlis en matière de sécurité. Bon, pour certains, c'est dix fois pas assez pour d'autres, c'est dix fois trop. Bah, écoutez, nous, on se situe là où, où on pense qu'on va, qu va être efficace Mais pour le musée. bien de, des, habitants, des habitants de la ville. Concernant la question du, du logement, moi, il me semble quand même que le meilleur moyen d'être efficace en matière de logement, c'est d'avoir un organisme HLM qui fonctionne correctement. Et il me semble que la présentation qui a été faite, le montant des investissements réalisés dans le cadre de la programmation stratégique de patrimoine de l'AMSOM, des montants colossaux. Euh, J'ai même cru, enfin, 470 millions d'euros sur les cinq dernières années. 470 millions d'euros. Voilà. S'il n'y a pas là la preuve que la politique. Menée par cette majorité est particulièrement favorable au développement du logement social et à la qualité de ce logement social. Alors franchement, comment vous faire cette preuve Comment vous faire cette preuve Et le meilleur moyen que l'on a d'être efficace en la matière, et on en a eu la preuve ce soir par l'intervention de David Quin, c'est d'avoir un opérateur HLM efficient, efficace et qui a une feuille de route particulièrement bien placée tracée et dont on est sûr qu'il sera capable de la suivre. Je ne reviens pas sur la question de la rénovation thermique parce qu'effectivement, un certain nombre d'aides existent de la part de l'État notamment et qu'il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui tellement de rajouter à ces aides en investissement mais que sans doute, il y aura un effort assez conséquent à faire en matière de fonctionnement, parce qu'il faudra accompagner, parce que vous avez raison, quand on veut aujourd'hui procéder à des travaux de rénovation énergétique dans son, dans son appartement, dans son habitation, c'est particulièrement complexe, on ne sait pas bien quelles aides on peut accrocher, on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Là, il y a un vrai accompagnement, mais c'est plutôt du fonctionnement. Que de l'investissement qui est nécessaire en la matière. Et puis enfin, je terminerai par là, mais j'aurais pu le mettre au milieu, parce qu'au fond, euh, enfin voilà, le, le, comment dire je, je crois que quand on parle de chiffres, à un moment donné, il faut quand même sortir la calculette et ne pas se contenter de l'affichage d'un chiffre qui est sur un, un slide. 58 millions d'euros. Bah, reprenez votre calculette, vous verrez que les différents projets inscrits en matière de transition écologie, écologique, ne se résolvent pas à 58 millions d'euros, mais se montent au total, plutôt dans ce qui est présenté, à 80, à 80 millions d'euros. Alors, je veux bien qu'on chipote, pardonnez-moi le terme, sur 3 millions d'euros sur 80. Déjà, ça ne fait, ça fait même pas 5% de l'ensemble. Mais surtout, je dois dire que les 3 millions d'euros qui, qui font l'objet d'une sorte de, 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 raillerie, enfin de, de, oui, de raillerie, que n'aurait-on entendu si on ne les avait pas prévus Évidemment que cette passerelle Samarobriva, elle est absolument nécessaire. On a même entendu, je crois, ici, des critiques sur le fait qu'elle être pas déjà remise en service. Sauf que la remise en service, elle va coûter 3 millions d'euros en charges brutes. Et que forcément, 3 millions d'euros, c'est une dépense d'investissement qu'il faut bien prévoir dans la PPI. Alors que l'on discute sur le fait de savoir s'il faut la mettre euh, du côté de la qualité de vie ou du côté de l'écologie pardonnez-moi mais c'est un peu discuter du sexe des anges et je ne crois pas que ça soit véritablement intéressant pour cette assemblée je vous remercie merci à tous pour euh, pour ce débat qui est probablement un début parce qu'on aura l'occasion d'y revenir évidemment d'ailleurs dès le prochain conseil municipal mais euh, j'insiste à mon tour sur le fait que on est bien obligé d'avoir une vision d'ensemble sur les cinq ans à venir. Je précise au passage que c'était sur cinq ans, comme dans le mandat précédent, où la programmation prévisionnelle ou pluriannuelle des investissements a eu lieu aussi sur cinq ans. Eh bien, on est bien obligé d'avoir cette vision sur cinq ans pour nous permettre de ensuite piloter année après année, et singulièrement dans le cadre des, du débat d'orientation budgétaire que nous aurons lors du prochain conseil, et bien sûr, dans le cadre du budget. 2022, puis 2023 et, et ainsi de suite. Donc, merci à tous d'avoir participé à l'élaboration de, ce, de cette programmation pluriannuelle. C'était un gros travail euh, qui a été fait euh, de manière très euh, constructive par les uns les autres euh, et de manière très euh, responsable aussi parce que, encore une fois, partir de... De la masse des demandes pour aboutir à une programmation qui soit euh, euh, lucide et cohérente. Ce n'est pas simple. Euh, je rappelle une, encore une fois que cette programmation est ambitieuse, puisqu'elle euh, elle augmente de 25% la participation de, de la ville sur ces cinq ans par rapport à la programmation précédente. Et encore une fois, donc, ça démontre la bonne santé financière de notre ville. Nous nous en. Réjouissons, mais c'est bien aussi parce que l'objectif de, de notre collectivité, c'est à la fois de répondre aux besoins des habitants au quotidien et puis en même temps de préparer l'avenir de notre ville à l'échéance 2030-2050. Et c'est tout l'enjeu de, de cette ambition que nous avons et de, des grands axes prioritaires que nous avons établis. Je vous rappelle le, le défi écologique, le défi. Euh, de l'attractivité économique et puis le défi de la participation citoyenne. C'est à ces trois enjeux que nous nous attelons et nous ne comptons pas ni notre temps ni notre énergie pour euh, améliorer ces, ces aspects-là parce que, encore une fois, ils répondent aux besoins des habitants et c'est ce pourquoi nous avons été élus. Je vais donc vous proposer maintenant de voter cette programmation pluriannuelle des investissements 2022. 2026 qui est contre, qui s'abstient. Je vais vous demander qui est pour. pour manifeste. Merci. Donc, euh, ce dossier est adopté. Je préférais le faire voter de manière positive parce qu'il me semble que c'est suffisamment important pour le présenter de cette façon. Donc, merci à Benoît. Je passe la parole à Hubert de Jean-Lys pour le point 11. Merci Madame le maire. Euh, dans le cadre de ce rapport, on vous propose donc de modifier la délibération du 17 octobre 2019 relative au régime indemnitaire de la police municipale, qui fait pas mal parler d'elle ce soir d'ailleurs. En effet, à la suite de la réorganisation de la police municipale qui avait été présentée euh, lors du comité technique du 6 juillet 2021, il est envisagé de recruter un garde-champette dont le cadre d'emploi n'était pas visé dans la délibération initiale et que je vous propose donc d'ajouter. De plus, on vous propose de majorer l'indemnité d'administration et technicité dite l'IAT de deux points pour les agents des brigades de nuit, compte tenu des horaires atypiques et des conditions d'exercice induites par leur mission, sachant qu'un point d'IAT coûte en moyenne 40 euros. Euh, en outre, euh, nous, une part variable sera liée à la manière de servir avec une révision annuelle qui a été mise en place, applicable du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N plus 1, après avis du directeur de la police municipale et au bénéfice des agents pour lesquels un avis très satisfaisant a été émis lors de l'entretien professionnel. L'impact budgétaire de cette mesure est estimé à 17 600 euros par an, mais bien évidemment, il sera compensé par des économies de fonctionnement du service. Voilà pour ce euh, rapport. Merci. Je précise que le, la terminologie euh, garde champêtre peut prêter peut-être à sourire, mais que c'est le terme qui est prévu dans la loi. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés et tenus de l'employer. Si, oui je, si, je si je peux me permettre, il faut savoir qu'un euh, garde champêtre, d'abord, c'est considéré comme un agent de police judiciaire adjoint, comme un agent de police municipale. Mais le grand avantage. Notamment dans la lutte des incivilités euh, et des dépôts sauvages, euh, c'est que euh, un garde champette peut, euh, peut comment dire, il peut enquêter. Ce que euh, nos agents de brigade verte ne peuvent pas faire, ils peuvent eux constater. Mais un garde champette peut non seulement constater, mais il peut enquêter et rendre compte ensuite au procureur. Donc il est, euh, il se cale sur le, le code de l'environnement et non pas sur l'arrêté municipal. Et donc son pouvoir est bien plus fort pour lutter contre euh, toutes ces euh, pollution, on va dire, qui nous pourrissent la vie et qui pourrissent la vie des habitants parce que cette ville, on entend dire qu'elle est, elle est propre, mais elle est salie. Et ça, je pense, on entend souvent que, voilà, parfois on parle de ville sale, mais elle est salie. C'est-à-dire qu'elle ne se salit pas toute seule, cette ville. Donc c'est bien qu'on ait des, des, un, un garde-champette, hein, en l'occurrence, qui puisse mener ses enquêtes, les transmettre aux procureurs et, pro, et, et, et très précisément pour les professionnels qui ont tendance à faire du dépôt sauvage de façon un peu anarchique. Et aujourd'hui, on est un peu désarmé pour enquêter. Et grâce à, cette, à ce poste qui est créé, on pourra mener les enquêtes adéquates. Merci de cette précision. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on l'appellera, nous, garde champêtre en interne. Mais en tout cas, c'est un agent qui aura le statut légal de garde champêtre avec toutes les prérogatives que vient d'indiquer euh, Hubert de Jeanlis, Ça me semblait devoir être précisé pour que chacun soit bien au fait. Euh, Monsieur Deschamps m'a demandé la parole, puis Monsieur Descavé. Oui, merci, Mme Forêt. C'est juste pour rebondir à ce que vient de dire Hubert de Genlis, je suis étonné sur le fait que nos agents actuels de la Brigade Verte ne puissent pas enquêter. Vous avez toujours dit dans vos communications que cette Brigade Verte était là, certes, pour verbaliser sur le fait en flagrant délit, mais qu'elle était aussi là quand un dépôt sauvage était... Euh, annoncés par des habitants pour venir, pour fouiller à l'intérieur, pour voir si sur des enveloppes, il y avait le nom des personnes qui auraient mis des anciens courriers dans leurs déchets pour pouvoir remonter. Pour moi, c'est ça une enquête. Et je suis étonné. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, ce que j'avais cru comprendre jusqu'à présent Monsieur Descafé, puis on, vous rép on répondra globalement. Oui, rapidement, c'était euh, un peu précisé par rapport à la classe particulière de cette émission du garde champêtre donc je ne vais pas forcément euh, m'étendre là-dessus, mais euh, sur le sur le... Pardon du coup, ça, ça me permet quand même de poser, de poser une question parce que on voit avec la question qui vient de poser également qu'on n'a jamais vraiment de clarification sur, sur la doctrine d'emploi de la police municipale et ça pose aussi ces questions-là. Euh, alors voilà, dans des questionnements, des suspicions avant cet éclaircissement de, de ce soir ou des, des volontés d'incompréhension. Sur le comité euh, technique, je voulais juste savoir qui, qui siégeait dans ce comité technique sur l'avis qui a été rendu parce que je n'avais pas forcément le, les éléments là-dessus. Et puis une petite question quand même que je ne peux m'empêcher de poser euh, voilà, est-ce que les habitants de, euh, des points d'accueil, notamment celui de l'Atrium, ont des chances de voir le, le le, le fameux garde champêtre, parce que voilà, sur, le, sur les communications qui ont été faites dans la PPI précédente, euh, contrairement aux, aux engagements qui avaient été pris, euh, les accueils sur, sur l'atrium, par exemple, euh, semblent remis en cause. Donc un, un mot sur le comité technique. Le comité technique donc, est composé de représentants de, des élus et de l'administration et de représentants des organisations syndicales. Mais depuis euh, l'avant-dernière réforme, depuis -dernière réforme eh bien, euh, le comité technique n'est plus paritaire, puisque seuls votent les représentants des organisations syndicales. Euh, pour le surplus, je laisse... Euh, oui, euh, de en fait, euh, le, la brigade verte, quand elle se rend sur des dépôts sauvages, elle les constate. Et en le constatant, euh, il y a, euh, bien évidemment, parfois, et de moins en moins, malheureusement... Euh, D'adresses qui sont retrouvées dans les dépôts sauvages. Euh, en revanche, euh, pour ce, concernant les, les dépôts des professionnels, on est euh, totalement désarmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit qu'un camion a euh, dé déchargé des gravats, euh, genre Chemin de Vauvois ou, ou ailleurs, euh, la Brigade Verte n'est pas, et c'est pas celle d'Amiens, hein, c'est. C'est les textes qui sont ainsi, ne, ne, ne nous permettent pas de mener l'enquête et de la transmettre au procureur derrière. Et c'est ça qui est intéressant dans le poste de, de garde-champette, c'est qu'en plus, euh, il pourra intervenir notamment sur des. On peut, on peut appliquer, si vous voulez, son, son, son rôle sur d'autres missions qui seront sur les espaces verts et les espaces aquatiques. D'abord, on va le, le, lui demander de, de se concentrer sur les dépôts sauvages. Comme j'ai pu le dire et le répéter, mais il aura des pouvoirs bien plus, euh, bien plus étendus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sur le code de l'environnement, alors que la Brigade verte est sur le respect des arrêtés municipaux. Et le montant des amendes n'est pas du tout le même. Oui, M. Deschamps Oui, merci, merci pour ces explications. Mais alors, moi, ça me, ça me pose quand même vraiment question, cette, cette histoire-là. Pourquoi avoir créé une, une brigade verte composée d'agents qui ne sont pas, surtout qu'ils ont tous été embauchés, pourquoi ne pas embauché plutôt des agents sous statut garde champêtres et d'avoir une brigade verte composée de gardes-champêtres qui auraient été à même de, de faire tout ce qu'Hubert de Genlis est en train de nous dire que la brigade actuelle n'est pas capable de faire, en tout cas n'a pas le droit de faire. Moi, je, suis, enfin, voilà, je, je, je tombe un peu dénu là sur, sur notre brigade verte actuelle. Je pense que pourtant les choses étaient claires depuis le début. Donc la, la brigade verte est utile. Elle fait de la prévention d'abord et puis elle fait de la répression ensuite. Elle verbalise en effet, mais il vous suffit d'aller voir le, le guide du bon voisinage qui a été distribué dans le mandat précédent en 2015, sauf erreur de ma part. Et puis, le, le nouveau guide qui a été distribué il y a quelques semaines, et vous verrez que les montants des amendes encourues par les uns et les autres sont indiqués très clairement, et que c'est tout à fait conforme à ce que vous indiquez, Hubert de Jornaliste, il y a quelques instants. Donc, on a besoin des agents de la Brigade Verte, en effet, parce qu'ils ont une mission tout au long de... Euh, en fait, à l'intérieur de notre ville. Et c'est un complément maintenant avec cet agent qui a été recruté et qui a un autre statut. Mais donc, voilà, c'est une complémentarité comme entre la police municipale et la brigade verte. Ils n'ont pas non plus les mêmes compétences. Hubert de Genlis Juste deux mots. Enfin, la brigade verte, elle fait un super boulot. Donc, on ne peut pas laisser dire ou sous-entendre qu'elle ne ferait pas un, un travail efficace. Elle le fait. Euh, maintenant, on s'adapte. À des nouvelles pratiques, euh, des nouvelles incivilités euh, qui pourrissent le, le quotidien de, de, des amiens noirs. Et donc, euh, on a euh, effectivement euh, creusé le sujet et on a euh, approché le, le, le poste de garde champêtre qui correspond aujourd'hui aux moyens qu'on veut mettre pour lutter contre ces incivilités euh, croissantes. Et je pense que ce n'est pas du tout euh, à opposer à la Brigade verte, au contraire, c'est du renfort. C'est du renfort qui vient au bon moment pour s'adapter malheureusement à des comportements qu'on ne peut pas tolérer si on veut garder la ville agréable et la ville belle pour l'ensemble des Aménois. En complément de l'existant. On passe au vote. Donc qui est contre Qui s'abstient ah, C'est bon Donc euh, adopté. Euh, le point 12, euh, Hubert de Jornaliste toujours. Donc, je surpris qu'on puisse s'abstenir sur des points d'IAT pour des agents. Mais bon. Euh, le point 12, il s'agit de, de la destruction des nids de frelons asiatiques en activité et d'une aide financière aux particuliers, sachant que c'est une demande sur laquelle on est régulièrement sollicité et aujourd'hui, les Aménois qui nous sollicitent ne comprennent pas trop que l'on ne puisse pas les aider. Il faut savoir que le frelon asiatique Figure dans la liste des espèces exotiques envahissantes et représente à la fois un risque en matière de santé publique et, un menace, et une menace également pour l'écosystème. Les frais de destruction des nids secondaires incombent actuellement aux amiens Ils représentent un frein important à leur signalement pour mettre en péril la stratégie de lutte contre cette espèce invasive. Ayons tous à l'esprit que chaque nid non détruit peut potentiellement générer 5 à 10 nouveaux l'année suivante. Que le frein financiers incitent certains à ne pas les détruire et je pense que ce n'est pas très euh, incitatif. C'est pour, pour cela qu'on vous propose de soutenir financièrement les particuliers ou les associations et syndicats de propriétaires dans cette démarche. Il s'agit de leur attribuer une aide de 30% du coût de la destruction du nid en activité, aide qui pourra atteindre 100% pour les foyers non imposables. Par ailleurs... Une nouvelle espèce de frelon exotique envahissante vient d'être détectée pour la première fois dans le sud de la France en septembre 2021. Il s'agit du frelon oriental. Donc, Dans cette optique et par cohérence, on vous propose d'étendre l'aide financière à toute espèce d'hyménoptère dangereux présent sur le territoire d'Amiens dès lors qu'il figure dans la liste officielle des espèces exotiques envahissantes. Je vous informe que le coût de cette opération est estimé à environ... 4 480 euros pour 2022 sur la base de 70 destructions de ni secondaires, en incluant bien évidemment des, fo des foyers éligibles à l'aide de quelques éventuels foyers non imposables. Merci, je pense que c'est très utile. Euh, Olivier Jardet Oui, merci Madame le maire. Je, je, je salue cette délibération parce que le frelon électrique est dangereux, est dangereux pour l'homme. Euh, on recense à peu près un mort par mois euh, par choc anaphylactique mortel. Et donc c'est quelque chose qui, pour la santé humaine, est quand même très, très ennuyeux. Euh, en plus de ça, c'est dangereux parce que ça tue les abeilles et on oui. sait le rôle des abeilles sur la pollinisation. Et puis enfin, quand même pas, ça ne fait pas partie de notre biodiversité, je dirais, euh, occidentale. <laughs> et, et donc, cette aide financière, je pense qu'elle est tout à fait nécessaire pour la destruction des nids, vu les dégâts à la fois humains et sur notre biodiversité. Merci. Pas d'autres observations On passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci Hubert de jeanlis Je passe la parole à Annie Verrier pour le point 13. Oui. Même le maire, chers collègues, il s'agit de la dénomination d'une voie publique. Je vous propose de répondre favorablement à l'association ASMAE, Sœur Emmanuelle, qui sollicite la collectivité pour que l'esplanade située en contrebas de la cathédrale d'Amiens actuellement connu sous le nom de jardin de dufaux soit baptisé du nom de Sœur Emmanuelle. y a-t-il des observations? oui, madame euh, thérouin. oui, merci, madame la maire. Euh, décidément, nous allons de surprise en surprise sur les dénominations de voies publiques dans ce conseil municipal parce qu'aux demandes de femmes solidaires ou aux propositions de nos collègues du groupe des élus communistes républicaines et citoyennes, ou encore à notre suggestion d'honorer l'avocate Gisèle Alimi, défenseur des droits des femmes, là, vous faites la sourde oreille. Mais à la demande de l'ASMAE, qui est l'association Sœur Emmanuel, vous trouvez une esplanade. Alors oui, l'esplanade Sœur Emmanuel ne créera aucune homonymie, ne portera pas atteinte à la morale publique, encore moins aux bonnes mœurs. Mais nous nous interrogeons et nous pouvons avoir quelques doutes sur l'intérêt public local mais surtout, nous nous interrogeons sur le respect de la laïcité. Les religions n'ont pas, pas leur place dans cette Assemblée. Et si votre souhait est d'honorer une femme qui s'est révoltée contre la misère et l'injustice, alors nous suggérons de prendre l'exemple de la placette Michel, Cathy, dit Michou, et de nommer cette esplanade Madeleine 51, dite sœur Emmanuelle, afin de respecter un peu plus la laïcité. Auquel cas, nous voterons favorablement à cette délibération. Alors, effectivement, là, c'est la façon dont c'est rédigé, c'est euh, sœur Emmanuel, mais en réalité, naturellement, le nom qui figurera sur la plaque sera le nom euh, de, de naissance de sœur Emmanuel, dite sœur Emmanuel, naturellement. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Donc, je demande que ce soit le cas échéant modifié dans la délibération, parce que c'est bien cela que, que nous visions, comme nous avons dit d'ailleurs pour, pour Michel Cathy, dit Michou. C'est exactement le, la même démarche que nous avons. Nous nommons toujours les personnes par leur nom. Et il s'agit de faire euh, euh, mémoire de là d'une de, personne qui est connue sous le nom de Sœur Emmanuel, parce que nul doute que le nom de Sœur Emmanuel soit plus connu que son nom de naissance. Avec cette modification, on passe au vote. Donc, qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 14, Annie Verrier. Oui, ça concerne l'îlot des coursives 2 v une procédure de déclassement par anticipation à la désaffectation de l'assiette foncière du pôle commercial. La réalisation du pôle immobilier de la société IMCO Promotion, comprenant la construction d'une surface commerciale et d'un pôle médical sur l'îlot des coursives n'a pu aboutir. Afin de permettre la finalisation de la phase 1, de la requalification et de la restructuration du site. L'opération a été envisagée selon un nouveau montage juridique et opérationnel avec réalisation des deux bâtiments sous maîtrise d'ouvrages distincts, à savoir le pôle médical, assurant maîtrise d'ouvrages directs par la SCI Fauquet et Touvi, et le pôle commercial par la société de distribution de Salwell. L'ouverture du pôle commercial est envisagée au plus tard début 2023. Aussi, afin de permettre à la société de distribution de Salwell de déposer sa demande de permis de construire au plus tôt, je vous propose d'approuver la désaffectation de l'emprise située place du Pays d'Auge, actuellement affectée au stationnement du public, pour une superficie d'environ 2171 mètres 2 conformément au plan annexé à la délibération. Le déclassement par anticipation à la désaffectation de l'emprise formant l'assiette foncière est également à prononcer. Afin d'assurer la continuité du stationnement sur la place du pays d'auge, la désaffectation de l'emprise interviendra avant le démarrage des travaux. Je propose que vous présentiez dans la foulée la délibération 15 qui est complémentaire, mais on votera évidemment séparément les deux délibérations. Oui, en effet, c'est tout à fait cohérent puisque là il s'agit de l'autorisation de dépôt du permis de construire concernant la société de distribution de, de Salwell, et donc euh, tout également de déposer toute demande d'autorisation d'actes individuels d'urbanisme sur l'emprise précédemment déclassée. Et il est rappelé que les frais éventuels résultant de la présente autorisation restent à la charge du bénéficiaire. Merci pour euh, cette présentation. Donc, euh, moi, je me réjouis de voir euh, aboutir, je vais dire euh, enfin, le projet de création d'un supermarché sur le secteur des tout -vie parce que le supermarché actuel est fermé depuis 2012. Et euh, depuis, euh, depuis 2014, nous cherchons à implanter un nouvel euh, équipement. Et euh, nous avions. Euh, envisagé euh, euh, de le faire avec euh, un supermarché aldi à un moment donné. mais ce projet n'a euh, finalement pas abouti. Euh, là, ce qui vous est proposé, c'est euh, de, de finaliser avec euh, la société qui s'appelle société de distribution de salouel. et derrière cette formulation, eh bien, c'est euh, le supermarché leclerc de salouel qui... Euh, qui euh, qui, qui correspond. Et donc, euh, je me réjouis que le responsable du supermarché de Salouel soit d'accord pour venir s'implanter à Etouvi et pour que cette euh, implantation se fasse dans des délais euh, vraiment prochains, puisque euh, là, le permis de construire va pouvoir être déposé. Et compte tenu des délais, on peut imaginer que ce qui est prévu dans la délibération numéro 14, c'est-à-dire l'ouverture... De, du pôle commercial au plus tard début 2023, on peut penser que euh, ça se réalisera euh, compte tenu de, donc du délai du calendrier qui nous est euh, euh, délivré. Y a-t-il des observations, Monsieur Deschamps Alors comme vous, euh, Amiens au cœur se réjouit euh, de, de l'avancement de, de ce dossier. Les habitants euh, des Toulis sont, euh, on le sait tous, depuis de nombreuses années en attente de l'arrivée d'un commerce et, euh, et les choses ont l'air d'aller euh, sur la bonne voie. Euh, nous aurions aimé une présentation en, en commission de l'état d'avancement de, de ce dossier sur les, sur le, sous les angles techniques et je pense notamment à la CDAC, euh, la commission départementale d'aménagement commercial puisque nous sommes là dans le cas présent d'une installation d'un commerce de plus de 1000 m2 qui est soumise au passage en CDAC. Et tant que la CDAC ne donnera pas son aval sur la faisabilité et l'autorisation de construire, il me semble difficile pour vous, Madame le maire, de dire à coup sûr cela va se faire. Euh, C'est un point important. Je rappelle que la CDAC n'est pas composée que d'élus, elle est aussi composée de représentants du, du monde économique et elle prend en compte ce n'est pas, pas vraiment ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la CDAC prend en compte la concurrence présente dans un périmètre géographique. On pourrait très bien, malheureusement, avoir des recours d'autres commerces à proximité qui estimeraient que la création d'un centre commercial au cours cible déséquilibrerait leur business plan, leurs investissements, et cela... Rejetterez donc le projet. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce point et nous dire où en est la CDAC, s'il vous plaît Alors, je n'ai pas, pas en tête tous les détails, vous m'en excuserez de tous les détails de tous les dossiers. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, depuis, et vous le savez bien, puisque vous-même vous en étiez occupé à une époque, euh, donc euh, la recherche d'un opérateur sur ce site, euh, c'est un, un sujet qui nous occupe depuis plusieurs années. Et donc, évidemment, il a été proposé, proposé prioritairement aux entreprises installées à proximité, je pense euh, aux deux plus proches, hein, sans donner de, de nom euh, de, de supermarché, les deux, les deux qui sont installés dans, dans le même axe, je vais dire. Euh, il aurait été expressément proposé de s'implanter euh, à Etouvi, ce que l'une et l'autre ont refusé. Donc je pense qu'elle serait très malvenue maintenant de venir euh, euh, nous reprocher euh, de euh, vouloir euh, euh, faire en sorte que, que cette structure puisse s'installer à, à Etouvi. Euh, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur, euh, sur, la, sur le, la suite de, de, de l'opération parce que l'opérateur est quelqu'un qui est bien connu sur la place d'Amiens, qui est quelqu'un de sérieux, et parce que les élus qui ont leur mot à dire sur le sujet, et les élus de, de différentes collectivités sont évidemment totalement d'accord, compte tenu de la spécificité du quartier Etouvi, pour euh, euh, comment se prononcer de manière favorable à l'implantation d'une surface commerciale à cet endroit. Outre le fait que... Dans mon esprit, il me semblait que c'était une surface qui n'était pas d'une. Euh, une entreprise commerciale, pardon, qui n'était pas d'une surface. Euh, il n'y aura pas de CDAC, c'est bien ce que me confirme le directeur général des services, parce qu'on est, on est à moins de 1000 m sur ce site-là. Non, moins. On est à 990 Oui, mais l'emprise est importante, mais le site lui-même. Le site commercial lui-même n'est pas un, un supermarché, puisque, évidemment, euh, c'est euh, une surface qui a vocation à, à, à avoir comme clientèle la clientèle des tout -vie, qui est de l'ordre de 7000 habitants, à peu près, je crois, maintenant. Je crois de cet ordre-là. Ordre Vous vouliez ajouter quelque chose Oui, merci, c'est plutôt rassurant, mais euh, sauf erreur de ma part, la condition euh, exposée et peut-être même imposée par. Euh, euh, par Leclerc pour installer son commerce aux coursive, et que la ville en contrepartie accepte qu'un terrain lui soit octroyé, lui soit vendu euh, pour euh, installer et construire un Drive, un Leclerc Drive. Et ce Leclerc Drive ferait plus de 1000 m2 et lui serait soumis à CDAC. La si CDAC, la CDAC, la CDAC oh, a déjà eu lieu. Et elle a accepté La CDAC a déjà eu lieu. Et donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas le retour officiel, mais je sais quel est le résultat. Donc, vous avez, on, on a le résultat bon. officiel <laughs> Je ne sais pas. Je n'avais pas eu le courrier officiel, mais on me dit qu'il est arrivé, le courrier officiel d'accord de la CDAC sur l'autre projet. Et de toute façon, donc, le projet sur Etouvis se fera. Très bien. C'est une très bonne nouvelle. Nous nous en réjouissons. Eh bien, euh, c'est vraiment un. Euh, un sujet qui nous occupe depuis, euh, depuis plusieurs années et euh, certains désespéraient de le voir aboutir. Euh, donc, euh, certains avaient même euh, baissé les bras depuis longtemps. Euh, donc, on va voter séparément, si vous voulez bien, le point 14. Donc, qui est contre Qui s'abstient Adopté, donc, à l'unanimité. Sur le point 15, est-ce que c'est le même vote C'est le même vote. Je vous remercie. Le point 16, Anni Verrier, toujours. Alors donc ça concerne là la rue Saint-Maurice et c'est un projet de construction de logements par l'AMSOM avec une autorisation de, permis, de dépôt de permis de construire et de démolir. L'AMSOM souhaite acquérir plusieurs terrains de la ville d'Amiens situés sur Saint-Maurice pour y mener un projet de construction de maisons individuelles en accession location, location et de places de parking également. Les adresses concernées par cette opération sont listées dans la délibération qui a été transmise. Ces immeubles ont été acquis dans le cadre d'un projet de pénétrante nord qui, à ce jour, est abandonné. Et leur cession fait l'objet actuellement d'échanges avec l'AMSOM. Pour ne pas retarder les procédures administratives permettant la réalisation du projet d'accession location, je vous propose d'autoriser l'AMSOM dès à présent à déposer toute demande d'autorisation de permis de construire et de démolir sur les, passages, sur les parcelles listées en article 1 de la délibération. Y a-t-il des observations Il n'y en a pas. Alors on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Le point 17, Anni Verrier. Là, ça concerne l'îlot de la Dodane, cession du ténement dit des Antiquaires, donc qui boulevard du Cange. Dans le cadre de la revalorisation du quartier Saint-Leu et afin d'y diversifier l'offre en matière d'habitat, je vous propose d'approuver la cession de l'ensemble immobilier dit des Antiquaires, situé au 47 boulevard du Cange, dont la libération est en cours par les deux derniers Antiquaires, moyennant un prix de 315 000 euros. L'offre du groupe Duval a été retenue en ce qu'elle propose la réalisation de 25 places de stationnement et de 23 logements. Plus précisément, il s'agit de réaliser 6 maisons de type 5, rue de la Dodane, un immeuble collectif d'environ 1100 m2 en cœur d'îlot, boulevard du Cange, comprenant 10 logements de type 2, 5 logements de type 3 et 2 maisons de type 4. Le projet a été présenté au comité de quartier qui ne s'y est pas opposé. La session aura lieu en l'état, à charge au groupe Duval de procéder à la déconstruction du bâti existant. Le prix fixé pourra être révisé, ayant été convenu que les mesures concernant la démolition, la démolition le désamiantage, l'état du sol, la nature du sol et notamment les fouilles archéologiques nécessaires et à la charge de l'acquéreur pourrait faire évoluer le coût de l'opération. a-t-il des observations. Oui, je, je ne vois pas c'est Monsieur Oulmino. Monsieur Vulmino, pardon, mais, mais parce que vous êtes en, euh, devant une lumière et donc du coup je, je ne vous vois pas, je suis éblouie. Madame la maire, alors cette délibération est certes conforme aux recommandations des domaines. Il semble d'usage que lors de telles opérations, euh, que les frais de dépollution, de démolition soient pris en charge par la collectivité. Pourtant, nous ne voyons pas ce que vous considérez dans, le, dans votre délibéré, dans cette opération, un intérêt public local, mais plutôt un projet spéculatif d'un promoteur privé. Le choix des types de logements, par exemple dans l'immeuble, 10 T2 pour 2 T4, ne nous semble pas correspondre aux besoins des habitants du quartier et, et d'Amiens, de manière plus générale. Les logements sont proposés essentiellement à des propriétaires, à des prix. Alors, ça, ça a été annoncé par le promoteur lors de la, la réunion publique. Euh, dans, en, entre une fourchette de prix, entre 3 000 et 4 000 euros le mètre carré, quand le prix moyen à Tamien est à 2 300 euros, je pense que ce n'est pas un projet qu'on peut qualifier de social. Considérant euh, ces différents éléments, il nous semblait juste que les frais inhérents à, la, à ce chantier soient la charge de ce promoteur et non des Amiennoises et des Amiennois. Nous voterons contre. Madame Verrier Oui, alors le. Le projet de Duval, puisqu'en l'occurrence il y avait eu une mise en concurrence, a été retenu justement sur sa dimension qualitative et parce qu'il répondait à la demande de la ville, en alternative à des petits logements, tels qu'on les constate généralement justement dans le quartier Saint-Leu, avoir des logements plus grands, des logements familiaux et faire venir des familles pour qu'il y ait également une mixité dans dans ce quartier c'est un des éléments en effet et puis aussi la valorisation du site hein, qui qui était quand même à la fois très intéressant mais un peu problématique dans sa structure euh, qui est qui est intervenu dans dans le choix de de, de de duval merci on va donc passer au vote qui est contre c'est bon. Qui s'abstient Donc les autres collègues sont pour. Le dossier est adopté le point 18 Annie Verrier, toujours. Donc là ça concerne la ZAC Paul Claudel, c'est le compte-rendu annuel à la collectivité locale pour l'année 2020 et l'avenant numéro 9 à la convention publique d'aménagement. La ville d'Amiens a confié en 2001 l'aménagement des 40 hectares de la ZAC Paul Claudel à la SEM Amiens Aménagement. Conformément au Code de l'urbanisme et selon les termes de la Convention publique d'aménagement, la SEM a remis à la ville d'Amiens le compte rendu annuel de l'exercice 2020 que je vous propose d'approuver. Pour le résumé, le projet de l'ASAC se termine. Les travaux de viabilisation sont globalement achevés et tous les lots sont commercialisés. Le projet a ainsi permis la construction de 1289 logements, un EHPAD, des logements seniors, une crèche, une clinique ophtalmologique, une maison médicale, un laboratoire d'analyse et de commerce. Le montant prévisionnel des dépenses s'élève. À 41 779 000 euros hors taxes et les recettes provisionnelles hors participation de la ville d'Amiens sont de l'ordre de 38 898 000 euros hors taxes. La participation d'équilibre est établie à 2 881 000 euros elle demeure inchangée. En outre, il était prévu de clôturer cette ZAC au 31 décembre 2021. Or, courant 2022, l'aménageur devra signer les différents actes nécessaires pour finaliser l'opération. C'est pourquoi je vous propose d'adopter l'avenant numéro 9 à la Convention publique d'aménagement qui prolonge la durée jusqu'au 31 décembre 2022. Y a-t-il des observations Il n'y en a pas. Alors, on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Le point 19 ça concerne la ZAC Intercampus, toujours le compte rendu annuel à la collectivité pour l'année 2020. Donc la SEM Amiens Aménagement a transmis à la ville d'Amiens le compte rendu annuel à la collectivité locale présentant la situation financière et les prévisions dans le temps de déroulement des opérations d'aménagement du secteur Intercampus. Ce CRAC est établi sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il est à retenir que ce CRAC que, virgule, malgré la crise sanitaire de la covid 2019, l'activité de la ZAC Intercampus a été soutenue sur l'année 2020, avec 11 promesses de vente avec différents groupes, des chantiers de construction de logements particulièrement actifs, l'ouverture du magasin Otera proposant des produits d'alimentation en circuit court, et environ 6 millions d'euros, 6 millions d'euros hors taxes de travaux réalisés sur les espaces publics. Ce document fixe également la participation financière globale de la collectivité au titre du déficit de l'opération à hauteur de 22 163 000 euros, montant inchangé par rapport au CRAC 2019. Je vous propose, dans ce cadre, d'approuver d'une part le CRAC établi par la SEM Aménagement pour l'année 2020. Et d'autre part, les montants prévisionnels de 76 585 000 euros hors taxes pour les dépenses, 54 422 000 euros hors taxes pour les recettes, hors participation de la ville d'Amiens. Je vous propose également d'adopter les versements de la participation d'équilibre pour un montant de 1 500 000 euros à la fois en 2021 et en 2022. Y a-t-il des observations oui, Monsieur Prada. Merci, Madame la maire. Euh, donc, sur la ZAC Intercampus, on voit qu'il y a une accélération euh, de, des chantiers. Euh, ce qu'on avait observé sur la ZAC Paul-Claudel, c'était une densification au niveau de la troisième tranche, la quatrième tranche. Euh, on voit que c'est, en tout cas pour l'instant, pas le, pas le cas sur euh, Intercampus, où en fait, on a euh, pour deux fois plus de, de surface, donc 80 hectares par rapport aux 40 de Paul Claudel, on a 1000 logements, à peu près, donc c'est ce que j'ai cherché, alors qu'on en avait 1280 sur Claudel. Donc on voit qu'on n'est pas surtout sur la même, le même logiciel aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces publics, etc. La question qu'on se pose, c'est plutôt quelque chose qu'on n'a pas trouvé, vous allez voir que c'est une obsession pour nous, c'est la proportion de logements sociaux sur la ZAC Intercampus. Sachant qu'elle n'est pas finie, on se pose cette question. Ouais. Alors, je ne sais pas si madame Verrier a la réponse là-dessus. Oui. Si, si, parce que la question avait, avait été ah, posée. Donc, euh, mais peut-être que ma collègue Florence Rodager, qui est en charge du, du logement, veut répondre. Mais donc, en termes de, de pourcentage de, de logements locatifs sociaux, on a un pourcentage de 24,1%. Pour l'instant, en l'état actuel de... ah, bien sûr. De... Euh... des constructions. Et puisque sur, vous... euh, sur Claudel, par comparaison, vous ne l'aviez pas Ah non, là, là je non, suis désolée, mais je peux le... vous le faire, euh, bien sûr, parvenir. Euh, mais je n'ai pas ce chiffre. Ah, je... Et Merci. Florence, tu l'as Florence Renagé, peut-être euh, Non, pas pour Paul Claudel, mais j'ai une plus de précision pour euh, Intercampus. Donc, à ce jour, ce sont 1356 logements qui sont livrés en cours de construction et en projet dont 360 logements locatifs sociaux familiaux, soit 24%, donc, et le projet prévoit une proportion de 30% de logements locatifs sociaux, toujours sur intercampus. C'est bien ce qu'on avait dit de toute façon depuis le début, hein. Et donc il y a d'autres logements qui vont euh, voir le jour encore, parce que là vous constatez qu'on en est que ça a pris un coup d'accélérateur notoire. On a l'impression que si on est un mois sans passer euh, dans le quartier, on, on voit euh, les bâtiments euh, euh, se, se construisent et évoluent, mais, euh, mais pour autant, il reste encore beaucoup d'espaces qui, euh, qui ne sont pas construits euh, à ce jour. Ce que je vous rappelle, que c'est entre 1500 et 2000 logements qui doivent être construits sur l'ensemble le, de, de, de cette ZAC. Est-ce qu'on peut passer au vote Alors, qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Le point 20. Alors, ça concerne la modification du dossier de réalisation du Carrefour Elbeuf et le prolongement de la rue Bernard-Risbourg. Donc, on est toujours dans le cadre de la ZAC Intercampus. Donc, il s'agit d'apporter deux modifications au dossier de réalisation. S'agissant de la première modification, le dossier de réalisation prévoyait qu'Amiens Métropole assure la maîtrise d'ouvrage et le financement du Carrefour Rouen-Elbeuf. Cependant, son exécution a depuis été confiée à Amiens Aménagement et ce, pour lui permettre de gérer au mieux les interfaces techniques et les impératifs de phasage, notamment sur la livraison de l'avenue Valérie Giscard d'Estaing et des constructions voisines. Le financement a été réexaminé globalement à l'échelle des trois carrefours principaux connectant la zone, à savoir le carrefour Jean Moulin, le giratoire Libération et le nouveau giratoire Rouen-Elbeuf. En effet, Amiens Métropole finançait la grande majorité de ses carrefours. Cette situation était déséquilibrée au regard du nombre de branches communautaires et communales concernées. C'est celle qu'on prend globalement en compte. C'est pour ça que je vous propose que la ville d'Amiens finance le giratoire Rouen-Elbeuf, soit 1 464 000. 498 euros et 37 centimes hors taxe, ce qui ramènerait la part de la ville à 52% sur l'ensemble des carrefours réalisés. La deuxième modification concerne le tronçon entre la rue Bernard-Risbourg et la limite de la ZAC qui devait être réalisé sous maîtrise d'ouvrage d'Amiens Métropole. Je vous propose de confier la maîtrise d'ouvrage de ce tronçon à l'aménageur. Qui estime son coût de réalisation à 221 000 euros hors taxes, qui resterait à la charge d'Amiens métropole. Si ces deux modifications vous siedent, je vous propose d'une part de les entériner, d'autre part d'autoriser le versement à la scène d'Amiens Aménagement de la participation de la ville d'Amiens de 1 464 498 euros. Euro et 37 centimes, toujours hors taxe, correspondant au coût de réalisation du carrefour Rouen-Elbeuf. Des observations Oui, monsieur Deschamps. Oui, je, je voulais euh, prendre la parole sur ce rond-point euh, dénommé Rouen-Elbeuf, donc le rond-point euh, qui est affiché ici euh, à l'écran et qui est euh, à côté de, de Otera. Euh, Lorsqu'on lit la, la délibération, euh, on a l'impression d'un jeu de, de chaises musicales et de passe-passe pour finalement euh, faire payer la totalité par la ville d'Amiens en disant sur un autre rond-point, on aurait pu faire payer à la ville d'Amiens mais on ne l'a pas fait et du coup on va se rattraper sur ce rond-point-là. Et euh, ce qu'on constate c'est que sur un rond-point à 1 million... 800 000 euros TTC, c'est pas rien. 1 million 800 000 euros TTC. Je vous rappelle que pour, on en a parlé tout à l'heure, on en a beaucoup parlé à d'autres occasions, la passerelle Samarobriva, bah on est dans des montants qui s'en rapprochent hein, quand même. Euh, on est là sur un dossier qu'on ne peut pas laisser passer comme ça sans sans réfléchir. Dans la délibération, il est écrit, c'est assez technique, hein, que c'est en fonction des rues qui convergent vers un rond-point. Une espèce de formule mathématique ou une règle de trois est faite pour savoir qui paye, à qui la métropole, à qui la ville. Et pourtant, il semblerait qu'il n'y ait aucune réglementation qui impose ce mode de fonctionnement. En tout cas, je le lis comme ça dans la délibération, puisqu'il est écrit il est d'usage de tenir compte. Pour calculer, etc. Donc c'est un usage. Ça veut dire qu'on a toujours fait comme ça et euh, on continue à faire comme cela. Pourtant, si on prend un peu de hauteur, on peut se dire que dans ce rond-point passent et circulent des habitants de Pont-de-Metz, de Saleux, de Salouel et d'Amiens, évidemment. Et puis aussi des habitants et des voitures qui ne résident, dont les, dont les conducteurs ne résident nulle part. Et quand on euh, applique cette euh, formule d'usage, eh bien, finalement, on n'est pas forcément dans, dans le juste. Est-ce qu'il ne faudrait pas que dans le prochain pacte financier et fiscal, eh bien, cet usage soit remis en question, soit euh, remis sur la table, soit réfléchi Et la proposition que fait Amir au cœur est de dire que tous les ronds-points. Et ne parlons pas que des ronds-points qui sont sur le territoire de l'agglomération, soient payés par l'agglomération. Et c'est ensuite le pacte fiscal et les règles de contribution en fonction des moyens des communes qui abondent et qui règlent ce problème financier, parce qu'on a des sommes lourdes qui sont investies. Vous savez, on aurait pu aussi, on aurait pu aussi dire que la ZAC Intercampus est une ZAC-Ville et que donc c'est à la ville de prendre en charge. La totalité de l'équipement. Olivier Jardet euh, Je ne suis pas du tout technicien, Madame le maire, mais euh, j'y passe tous les jours. Et, et donc, moi, je pas vu la construction que d'un rond-point. Il y a eu aussi une remise aux normes des câbles électriques, de la fibre optique et de l'assainissement. Il, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un rond-point qui a été réalisé. Mmh. Mais on, on peut aussi ajouter, on peut aussi ajouter que la route de Rouen est une voirie communale et pas une voirie métropolitaine. Donc, vous voyez, on pourrait on, voilà à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on qu arrive à, à trouver une solution qui paraisse cohérente à Niverrier. Oui, comme je l'ai dit, et peut-être un peu synthétiquement, là en l'occurrence, il faut prendre les trois carrefours. C'est pour ça que je suis revenue sur les trois carrefours. Et, alors en effet, c'est une question d'usage, mais quand on analyse l'ensemble des trois carrefours, il y avait une situation qui était disproportionnée, puisque si on compte dans l'usage le nombre de branches, on avait euh, huit branches d'un côté en voie communautaire et sept branches en voie communale c'est pour ça qu'il est proposé cette, cette solution. Voilà. alors, après, vous pouvez contester effectivement le mode de, 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 de l'usage en question, mais un usage, c'est aussi applicable de toute façon juridiquement. une certaine valeur qu'on enseigne classiquement. voilà. Euh, on peut passer au vote. donc, qui est contre? cinq. qui s'abstient? Personne. Donc les autres collègues sont pour. Le dossier est adopté. Merci Annie Verrier. Je passe la parole à Bruno Bien-Aimé pour le point 21. Merci Madame le maire. Donc c'est une convention dénommée Happiness qui concerne la promotion de l'activité physique adaptée. Un rapport parlementaire en date du 21 juillet 2021 sur l'évaluation des politiques de prévention en santé publique indique que 55% des hommes et 45% des femmes sont en surpoids ou obèses. Notre collectivité est déjà activement engagée dans la promotion de l'activité physique et de l'activité physique adaptée, accessible au plus grand nombre. Pour que cette volonté d'amener le plus grand nombre à reprendre une activité physique soit effective, il est indispensable de démultiplier les approches. C'est ce que propose la MGEN, associée à l'université UPJV, dans le cadre de ce projet dénommé Happiness, Activité physique intergénérationnelle d'extérieur pour le sport et la santé. L'objet, pardon, de cette convention, elle propose d'équiper à ses frais donc la MGN un espace invitant à la pratique d'une activité physique gratuite en accès libre en extérieur et à proximité d'un pôle universitaire. Le coût total des équipements est de 25 000 euros hors taxes. Le pôle citadelle a été identifié et une implantation sur le terre plein devant le, la porte royale dite de la demi lune. A été choisi avec un accès permanent. Je vous invite donc à autoriser Madame le Maire à signer cette convention. Merci, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'observation. On peut passer au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Donc merci Bruno, je passe la parole à Florence Rodinger pour le point 22. Merci Madame le Maire. Donc, le classement d'un réseau de chaleur est une procédure visant à rendre obligatoire le raccordement au réseau de tous les nouveaux bâtiments et des bâtiments existants, faisant l'objet de travaux de rénovation importants situés dans une zone prédéfinie appelée zone de développement prioritaire. La loi de 2019 relative à l'énergie et au climat a rendu automatique le classement des réseaux de chaleur à compter du 1er janvier 2022, lorsque les conditions prévues au Code de l'énergie sont respectées. La collectivité territoriale compétente peut toutefois décider de ne pas classer un réseau situé sur son territoire par une délibération motivée et c'est ce que je vous propose ce soir. En effet, compte tenu des délais tardifs de promulgation, des textes par l'État et des recommandations de l'association Amorce, la décision de classement au 1er janvier 2022 ne permettra pas d'engager une concertation avec les différents acteurs de l'immobilier Notamment pour définir les zones de développement prioritaire et les conditions de dérogation possibles. Un délai complémentaire ne s'avère pas conséquent nécessaire pour cette étape. Je rappelle néanmoins que l'objectif sera bien, in fine, de classer notre réseau de chaleur, mais dans un contexte juridique mieux défini. Donc, ce qui est proposé, c'est un report. Oui, très bien. Euh, pas d'observation On passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Le point 23. Alors concernant Claisance, je vous invite à accorder la garantie de la collectivité pour un prêt d'un montant de 591 688 euros que Claisance entend contracter et qui sera destiné à financer l'acquisition en vente en état futur d'achèvement auprès de l'opérateur Alicimo de 11 logements locatifs sociaux situés rue Tellier. En contrepartie de oui. cette garantie, la ville d'Amiens disposera de 20 de logements réservés, soit deux logements. Je vous propose d'approuver la convention correspondante et d'autoriser Mme le maire à la signer. C'est un, un dossier classique. Donc, on peut passer au vote, j'imagine. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Le point suivant. Donc, construction pour la CIP. Je vous propose de répondre favorablement à la CIP qui sollicite la participation financière de la ville d'Amiens à hauteur de 32 000 euros pour concourir à la réalisation de son opération de construction de huit logements locatifs sociaux collectifs, soit 5 ⁇ et 3 PLAI situés 583 rue Saint-Fucien. Le prix de revient du projet est estimé à 1 918 316,73 euros. Une autorisation de démarrage anticipé des travaux a été délivrée le 18 décembre 2020 pour une livraison en janvier 2022. Je vous propose d'approuver la convention à intervenir et d'autoriser Madame le maire à la signer. Pas d'observation? Alors, qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité Merci, Florence. La parole est à Marie-Hélène Boucher pour le point 25. Merci, Madame le maire. Donc, cette, ce rapport concerne la convention avec la CAF. Je vous propose de poursuivre le partenariat avec la CAF de la Somme en approuvant la Convention territoriale globale, à renouveler pour la période 2021-2025. L'objectif de ce partenariat est d'organiser concrètement et de manière structurée l'offre de services des CAF dans les domaines de la petite enfance, de la jeunesse, de la parentalité, du logement, de l'accès aux droits. Cette convention vise également à définir les modalités de mise en œuvre du bonus territoire, anciennement appelé contrat enfance-jeunesse, qui doit être rattaché à une convention territoriale globale pour bénéficier des financements. Je vous propose d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. J'imagine qu'on va être tous d'accord pour obtenir des financements de la CAF. Donc, euh, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Le point 26. Cela concerne une subvention complémentaire à l'association Bleu Ciel pour l'année 2021. Le 22 avril dernier, nous avons approuvé le versement d'une subvention de 295 000 euros au profit de l'association Bleu Ciel, qui bénéficie d'une convention annuelle relative à l'organisation d'accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires sur le territoire de la ville d'Amiens. Compte tenu de la volonté de la collectivité de maintenir ses accueils de la situation financière de l'association et de l'impact de la pandémie, je vous propose d'approuver le versement d'une subvention complémentaire de 58 000 euros à l'association Bleu Ciel. Je vous propose également d'approuver l'avenant correspondant et d'autoriser Madame le maire à le signer. Pas d'observation. Si, Madame Becker. Oui, alors on, on s'aperçoit que depuis 2018, euh, les bilans financiers de l'association Ciel présentent un déficit et euh, vous avez donc décidé d'augmenter la subvention passant de 255 000 en 2019 à 353 000 en 2021. La subvention par avenant n'est pas une subvention exceptionnelle et n'est pas corrélée à la pandémie. Elle est liée à un déséquilibre structurel de sa situation financière. Cette augmentation n'est qu'un colmatage. Euh, L'analyse la, la, financière indique une réduction importante des aides à l'emploi depuis 2018 qui a pénalisé fortement le budget de l'association. Les aides à l'emploi ne sont pas un mode de gestion de qualité et recourir à des contrats aidés sans perspective contribue à la précarité des, de l'emploi des animatrices et des animateurs. Alors, votre conclusion euh, dans ce rapport, c'est cette situation financière ne permet pas à l'association de faire une offre en matière de projet et d'activité égale aux accueils de loisirs municipaux. Il y a d'ailleurs eu des mobilisations de parents pour dénoncer la qualité de service de l'accueil de Bleu Ciel qui manque de moyens. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous dites vous-même que Bleu Ciel n'offre pas, pas le même niveau de service que les centres municipaux, et que faites-vous? vous fermez les centres municipaux euh, certains mu centres municipaux pendant les petites vacances scolaires et vous laissez ouvert le ciel. on a, euh, alors, euh, pour, pour euh, cette intervention j'ai croisé des familles qui euh, habituellement mettent leurs enfants dans un centre municipal et qui, pendant les petites vacances, là, dans les vacances dans lesquelles nous sommes, euh, se, se centre ferme et ne veulent pas mettre leurs enfants dans le centre bleu ciel parce que, comme vous l'avez dit et comme nous le disons également, euh, la qualité de, du service public, la, la qualité de service n'est pas, pas rendue. Donc, euh, ces parents se débrouillent pour ne pas mettre leur enfant euh, dans ces centres-là. soit ils prennent des congés, soit ils se débrouillent euh, avec des solutions familiales. Et euh, quand les parents se débrouillent autrement euh, qu'avec le service public, c'est que le service n'est pas à la hauteur. Donc, euh, je, je crois c'est enfin, même pas. Je crois, c'est qu'il est urgent que, euh, de reprendre en régie ces accueils de loisirs. Nous voterons euh, cependant pour, euh, puisque nous n'allons pas, euh, euh, malgré tout, euh, encore mettre en difficulté cette association Bleu-Ciel. Euh, mais euh, sachez que euh, vous ne pouvez pas avoir un double discours qui dit euh, il faut harmoniser sur les centres de loisirs et puis euh, euh, dire que Bleu-Ciel ne correspond pas, mais on les garde quand même. Euh, enfin, on, on, on s'y perd dans, 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 dans toutes ces questions-là. Et du coup, les parents sont encore plus perdus que nous, puisque, comme je vous le disais, ils ne veulent pas, ou en tout cas la majorité, faites, faites un, un sondage, puisque tout à l'heure, vous parliez de 2% pour la tarification. Or, c'est faux. Nous, on l'a vu avec des gens qui ont fait des pétitions. Euh, faites un sondage sur, euh, sur euh, les usagers, enfin en tout cas les parents qui mettent leur enfant à Bleu Ciel et vous verrez que les activités, les projets il n'y a rien du tout, c'est euh, crêpe tous les jours, euh, enfin bon il n'y a pas d'activité il n'y a pas de projet pédagogique et euh, c'est vrai il n'y a aucune euh, ça n'a aucune, euh, comment dire euh, c est, c est, ça ne ressemble pas du tout à ce qui est euh, dans les centres municipaux euh, de la ville d'Amiens. Hélène Boucher alors, Pour répondre sur la dernière question, alors d'abord, je suis un petit peu étonnée de, votre, de vos questions, madame Becker, parce que vous avez posé les, la question en commission et le directeur général des M. Driss Agouzoul vous a répondu donc euh, sur quasiment 80% des questions que vous posez ce soir. Donc, je suis un petit peu étonnée que vous n'ayez pas, pas bien compris ce que monsieur Agouzoul disait. Ah, euh, si, à la commission, vous avez posé. Ah donc c'était simplement un constat. Vous n'avez pas besoin de réponse donc. D'accord. Euh, pour vous dire que les pendant pendant deux jours j'ai visité les centres de loisirs cette semaine et j'ai eu l'occasion d'aller donc justement dans l'association Bleu Ciel et je ne sais pas où vous avez vu ou entendu que les qualités de service de l'association Bleu Ciel euh, n'étaient pas bonnes parce que non, 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 non. c'est Mme Boucher qui a la parole et personne d'autre, Mme euh, euh, donc, Becker. Vous interprétez ce qui, est, ce qui est noté Ce qui est noté, c'est que si on veut garder cette qualité de service de l'association Bruxelles au même niveau que ceux de, de, de la ville, de notre collectivité, il faut rajouter donc 57 000 euros. Donc c'est vrai que si on veut garder et continuer cette, cette qualité d'offre. Il faut effectivement qu'on puisse aider cette association, et on vous a déjà répondu en commission que c'était notre choix de continuer à travailler avec l'association Bleu Ciel plutôt que de monter quelque chose comme vous dites en régie. Donc ça, c'était par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la situation financière de l'association Bleu Ciel. Euh, il y a une réduction dès 2018, des, une réduction importante des aides à l'emploi, et qui a fortement Pénaliser l'association. Ensuite, pendant l'année 2020, la recette des familles, la, donc la recette pour l'association Bleu des familles et de la CAF n'ont pas n'ont pas été euh, au niveau de ce qu'ils espéraient, puisque avec le Covid, les centres étaient fermés. Donc c'est vrai qu'il nous apparaît aujourd'hui important et nécessaire d'aider cette association et de faire un avenant et de proposer donc une une subvention de 57 000 euros. Merci, euh, Hélène Boucher. Je profite pour dire qu'il y a quelques années, pour justement faire en sorte que les parents soient traités de manière égalitaire, nous avons demandé à l'association Bleu Ciel de caler ses euh, euh, comment ces euh, euh, oui, tarifs. Merci. Euh, sur ce qui était pratiqué dans nos centres de loisirs et donc ça nous a amené à augmenter notre aide financière naturellement parce que ça supposait ça supposait cela mais c'est vrai que l'association bleu ciel réalise un, un beau travail et puis je précise que les parents ont le choix de la structure dans laquelle ils confient leurs enfants mais si les, les parents ont le choix donc ils peuvent confier leurs enfants à telle... mais si mais c'est moi qui ai la parole, madame becker, je suis désolée. je préside jusqu'à présent. c'est moi qui préside. et donc euh, je réponds. je vous affirme que les parents ont le choix de la structure dans laquelle ils confient leurs enfants. alors, certes, ça suppose éventuellement qu'ils euh, euh, qu aillent un peu plus loin euh, sur le plan géographique, puisque bleu ciel n'est pas implanté dans toutes les écoles et nos centres de loisirs ne sont pas non plus implantés dans toutes les écoles. mais les parents, je vous affirme, qu'ils ont le choix. On va passer au vote sur cette délibération. Donc, qui est contre Qui s'abstient Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Madame Boucher, la parole pour la délibération 27. Ça concerne donc les subventions aux écoles maternelles et élémentaires en réseau d'éducation prioritaire. Je vous propose d'octroyer des subventions au collège à Mignot, comme chaque année, permettant aux écoles maternelles et élémentaires en réseau d'éducation prioritaire. Et rattacher à ces collèges de mettre en œuvre des projets en lien avec l'éducation nationale. Les conventions sont établies avec les collèges qui gèrent l'ensemble des crédits des actions portées par les écoles. La subvention totale pour l'année 2021 est estimée à 57 000 euros, comme en 2020. Je vous propose d'approuver les conventions si référents et d'autoriser Madame le maire à les signer. Pas d'observation Alors on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Le point 28 il s'agit donc de conventions avec l'Éducation nationale, l'ARS et la PAGE. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan autisme, une unité d'enseignement destinée aux enfants atteints d'autisme ou de troubles envahissants du développement s'est implantée dans le groupe scolaire Louise Michel. Cette unité d'enseignement accueille les enfants orientés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vers les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, à savoir le CESAD au fil du temps, pour la réalisation des projets personnalisés de scolarisation. C'est pourquoi je vous propose d'approuver les deux conventions quadripartites à intervenir avec l'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Somme, l'Agence régionale de santé Hauts-de-France et l'Éducation nationale. Ces conventions actent les conditions de mise en œuvre du dispositif d'enseignement, à savoir un maximum de 7 enfants âgés de 3 à 6 ans maternels et un maximum de 10 enfants âgés de 7 à 10 ans pour l'élémentaire. Je vous propose également d'autoriser Mme le maire à signer ces deux conventions d'une durée de trois ans et qui n'engendrent aucune incidence financière pour la ville d'Amiens, outre la mise à disposition d'une salle de classe et d'une salle médico-sociale équipée de sanitaires adaptés à proximité. Pour une belle action donc, euh, qui existe depuis plusieurs années, je crois. Hein. Oui. Alors, on peut passer au vote. Donc, qui est contre Qui s'abstient adopté à l'unanimité le point 29 ce rapport concerne les indemnités des directeurs d'école à la demande de la ville les directeurs et directrices des écoles publiques sont amenés à effectuer des tâches administratives et organisationnelles une convention fixe les actions à effectuer et leurs conditions de rémunération c'est pourquoi comme chaque année je vous propose d'approuver cette convention type et d'autoriser madame le maire à la signer le montant total du coût de la rémunération s'élève à 566 000 euros pour l'année scolaire 2021-2022. Voilà. Pas d'observation, c'est classique, hein, c'est comme chaque année. Donc on passe au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci à Hélène Boucher. Je passe la parole à Stéphane Descombes pour le point 30. Merci Madame le maire. Il s'agit de la désignation des projets lauréats du budget participatif 2021. Donc afin de renforcer la participation citoyenne à Amiens et placer les Amiennois au cœur de l'action publique, la collectivité a lancé le 11 février dernier le budget participatif permettant à chaque habitant, dès l'âge de 16 ans, de proposer une idée de projet d'investissement répondant à des besoins ou à des attentes des Amiennois. À l'issue des huit semaines d'appel à idées débutant de, dès le mois de février jusqu'au 6 avril, 140 idées de projets ont été déposées dont une part importante concernait l'aménagement des espaces publics, la mobilité douce, la citoyenneté, le vivre ensemble, la solidarité, mais aussi la pratique sportive. 50 projets ont été retenus au terme de la phase d'instruction et à l'issue de la réunion de la commission citoyenne qui s'est tenue le 27 août dernier. Chaque habitant a donc eu la possibilité de voter au cours d'une campagne qui s'est déroulée du 13 septembre. Au 7 octobre, sur le site internet amiensfr budget participatif, et ce en respectant le choix de trois projets parmi ces 50 projets retenus. Je vous précise qu'un espace numérique a été ouvert pour accompagner cette campagne de vote dans chacun des cinq secteurs de la ville, renforcé par une communication multicanale. Les projets ayant recueilli, recueilli le plus de voix, dans la limite du budget fixé de 1 million d'euros, sont ainsi désignés dans la liste des lauréats mis à votre disposition. Je vous propose donc d'approuver ce document qui entérine le choix des projets, mais avant cela, et avant de vous présenter une, une petite vidéo sur un des projets, je propose qu'on fasse le tour de ces différents résultats, avec un premier projet qui s'appelle Amiens en Grand. Il s'agit de la création d'un plateau télé participatif qui disposera de plusieurs caméras ainsi que le matériel nécessaire pour des animations télévisées. Un plateau télé participatif qui pourra être monté et démonté facilement et qui pourra accueillir les habitants et les associations pour réaliser des interviews, des débats, des échanges culturels et artistiques ou encore échanger sur l'actualité. Deuxième dossier, un skatepark pour Amiens. Le projet consiste en la création d'un espace de glisse urbain pour tous les pratiquants de sport de glisse urbaine de la ville d'Amiens. De nombreux pratiquants de sport de glisse de la ville d'Amiens pourront donc profiter de ce skatepark. En dehors de la pratique elle-même, c'est aussi un lieu de rassemblement où le bien-être commun règne et où la bonne humeur prime. Les skateparks sont également une attraction touristique qui euh, permettrait d'attirer de nombreuses personnes dans la ville d'Amiens. Le troisième projet est un projet d'air de bien-être et de santé sur la plaine Brossolette. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un projet d'air de bien-être et de santé, d'un parcours santé sportif sur la plaine Brossolette. De plus, il permettra de mettre en lumière le labyrinthe végétal créé il y a 4 ans et d'animer le quartier tout au long de l'année. Le projet suivant s'appelle Une naissance, un arbre. Alors, depuis quelques années, Amiens, Amiens se mobilise pour rendre plus verte sa ville. Ce projet Une naissance, un arbre s'inscrit dans cette démarche. L'idée de ce projet est que pour chaque nouvelle naissance d'enfants amiennois, la commune offre un arbre fruitier aux jeunes parents qui en feront la demande. Les parents auront le choix entre différents arbres fruitiers. Euh, différents arbres locaux fruitiers. Euh, S'il ne possède pas l'espace pour le planter, l'arbre sera planté dans la ville d'Amiens par la municipalité et l'enfant en deviendra le parrain. À terme, l'un des objectifs est de créer des vergers communs accessibles à tous les habitants d'Amiens dans l'espace public. Ensuite, nous avons la création d'un jardin partagé au cœur des quartiers nord d'Amiens. L'idée des porteurs de ce projet est d'utiliser des espaces non fonctionnels pour y créer des jardins partagés au sein des quartiers nord nordamiens, en particulier sur le site envisagé, qui est le square Gauguin, situé entre le collège César Franck et le nouveau projet du Colvert. Cet espace à la superficie idéale est à la croisée de plusieurs quartiers. Ces espaces n'auront pas pour seul but d'être un jardin, ils seront un lieu de vie, un lieu de rencontre de découvertes et de partage. L'un des objectifs sera de faire en sorte que les habitants des quartiers créent du lien social pour les renforcer avec le temps. Les jardins partagés seront des lieux d'échange, de convivialité et d'entraide. Le projet suivant est la création d'air de bien-être canin, canin. Donc, c'est la création d'un ABC air de bien-être canin répondant aux besoins éthologiques du chien. Pouvant accueillir en toute sécurité les propriétaires de chiens avec leurs compagnons à quatre pattes afin de contribuer à leur bien-être du chien. Cela sans gêner, cela dit pour du, du maître aussi, pourquoi pas, cela dit sans gêner les autres citoyens que sont les promeneurs, les joggeurs et les enfants. Alors euh, c'est des espaces possibles pouvant être euh, mis en place dans un ABC euh, parcours canin euh, parcours sportif canin des espaces de jeu canin pour les adultes avec des défis éducation des espaces de jeu agility adultes des espaces d'exploration et de flair des espaces de rencontre canin pour petits chiens mais aussi des espaces de rencontre canin pour les grands chiens Espace de jeu, de réflexion canin, espace sensoriel, spécial show, chiots, pardon, euh, des points d'eau, etc., etc. Euh, la, euh, des créations d'actions également préventives en direction des enfants pour lutter contre les accidents liés aux morsures de chiens euh, sont également possibles. Il y aura également plein d'autres actions pour cette euh, cette aire de bien-être canin le projet suivant est, euh, concerne le kiosque associatif debussy. alors, il s'agit ici d'imaginer, dessiner, valider et construire un kiosque associatif à la plaine debussy dans le respect de l'environnement, avec des îlots de fraîcheur, tables et bancs aux alentours. c'est euh, créer un kiosque qui pour euh, s'embarquer pour faire euh, l'expérience concrète de la participation active des habitants, du vivre ensemble et de la solidarité. C'est l'idée de proposer un kiosque nourricier de bien-être, de bienveillance, pour créer du lien social, développer le partenariat, offrir des animations, activités et actions aux habitants, mais aussi aider, s'interroger, se rapprocher de l'autre et de celui qui vit à côté de nous. Ce kiosque devra donc être un lieu de rassemblement, de cohésion, de création, de musique, d'abri. Et un repère à la plaine de Bussy. Pour cela, il faut qu'il représente toutes les couleurs et cultures du monde et les éléments du jardin. Architecturalement parlant, c'est l'occasion d'un projet osé pour tous, habitants, associations et pour Amiens, bien évidemment. haut en couleur, super écolo et rassembleur pour dynamiser la plaine de Bussy et le tissu associatif local. Puis nous avons également la création d'une un, aire de jeu inclusive pour laquelle je vous propose peut-être que l'on regarde une petite vidéo l'idée est de proposer aux enfants et aux adultes en situation de handicap tout type de handicap moteur, sensitif, auditif visuel cognitif, pluri ou poly handicap un espace de jeu et de rencontre en plein air grand public inclusif. Adapté et ordinaire à la fois, je vais vous montrer un petit exemple de ce genre de création d'aire de jeu inclusive. Bonjour, nous sommes sur l'aire de jeu Toanique à Vannes. Elle fait 750 mètres carrés, c'est la plus grande de France pour des enfants en situation de handicap et des enfants valides. Nous allons vous la présenter. 50 Bonjour. activités ludiques, 30 structures adaptées à chaque handicap. Bienvenue au paradis des enfants. Bonjour les filles Bonjour Vous connaissez Lucie, je crois euh, oui. oui, Pourquoi oui, ma sœur. Madame oh. est la petite sœur de Lucie, 11 ans dans ce fauteuil. Les deux sœurs sont complémentaires dans chaque activité de l'ère de jeu. Je balance les handicaps et... Bah... Je joue avec elle. Ta sœur ou d'autres Bah, ma sœur et tous les autres, pour partager des moments avec elles. Comment tu fais pour arrêter la balançoire Bah, moi je freine avec mon pied. Ah il faut faire attention à quoi Wow Qui c'est qui va venir t'aider Maman. Ah, mais alors maman est indispensable pour sauter ici. Cette ère de toanique est aussi indispensable aux mamans que toutes les mamans dans leur dévouement quotidien à leurs enfants atypiques. Et voilà Lucie Qu'est-ce là là D'habitude, Lucie, elle reste à côté, elle regarde. Et là, elle peut participer et jouer avec les autres. Comme les enfants porteurs de handicap, souvent ça fait peur aux autres enfants. Et là, comme est, on est là à jouer tous ensemble, et ben, ça donne plus envie aux autres de venir vers nos enfants en fauteuil et nos enfants un peu différents. Iliès, sur son fauteuil, est malentendant. Il adore la musique, donc c'est vrai que ça lui crée des sensations un petit peu différentes. Et puis il ressent les vibrations aussi, donc c'est vraiment chouette. Vous en avez grand... déjà vu ce genre de jeu Jamais, nulle <laughs> part. C'est l'air qui s'est adapté à tous les enfants, en fait. Ordinaire, extraordinaire. Enfin, c'est vraiment... vraiment bien. Auguste et ses parents arrivent de l'île. C'est comme si on allait prendre un pique-nique. Par exemple, là, toi côté de la Auguste découvre alors une table de pique-nique géniale voilà. pour les photos roulants. On pique-nique avec toi. Voilà. Ouverte depuis décembre 2019, la plus grande aire de jeu de France espère inspirer d'autres communes dans le pays. Eh bien voilà, ça c'est fait. Donc on aura une belle aire de jeu inclusive à Amiens prochainement. Les trois projets qu'il nous, qu nous reste à avoir, euh, trois, euh, trois projets, c'est bien ça. Euh, nous avons ensuite un verger citoyen partagé. Il s'agit ici de planter des arbres fruitiers sur une parcelle publique. L'objectif est de se faire rencontrer des citoyens sur une parcelle à la limite du quartier Saint-Pierre et du tissu euh, bâti en, en HLM d'Amiens Nord. Ensuite, nous avons l'aménagement du chemin de halage. C'est l'installation de bancs publics le long des bords de Somme, vers Camon et vers Aïs-sur-Somme, en choisissant des matières recyclables et fabriquées en Hauts-de-France. Cela permettra aux promeneurs de se reposer, mais aussi de s'installer pour lire ou discuter. Il existe très peu de bancs sans dossier sur une partie de la promenade et de ce fait, les personnes s'assoient sur les marches qui mènent à des jardins privés. L'installation de nouveaux bancs mettra en avant euh, notre patrimoine et aussi euh, bien pour les aminois, picards et touristes. Dernier projet, un nichoir pour mon école. Alors, afin d'améliorer le cadre de vie des élèves amiénois et de participer à la protection de la nature, il s'agit ici de construire et installer 30 nichoirs à mésanges dans les cours des écoles primaires d'Amiens métropole. Ce sont des espèces très communes d'oiseaux que l'on peut rencontrer toute l'année en ville. À la fin de l'hiver, elles vont chercher un nid où s'installer et prendre soin de leurs petits. La construction de nichoirs avec les élèves accompagné d'un temps pédagogique autour des oiseaux et de l'installation des nichoirs permettra de sensibiliser les élèves à l'observation des mésanges et à prendre soin d'elles. Ils apprendront à reconnaître certaines espèces, comprendre leur biologie et comment les protéger. Voilà pour la présentation des projets que l'on vous propose projet lauréat donc de ce budget participatif 2021. Des observations Oui, monsieur Fulmino. Oui, oui on va le, vous nous avez présenté le résultat. Ce qui est intéressant, c'est le chemin pour y arriver. Alors, la plupart des collectivités ont déclaré leur intention de mettre en œuvre un budget participatif. Bon, c'est le cas de la ville d'Amiens. La majorité actuelle l'avait même inscrit tardivement dans son programme de campagne. Un oubli électoral peut être vite rattrapé, mais la mise en place d'un tel projet aurait mérité, de notre point de vue, moins de précipitation. En amont du Conseil municipal du 11 mars 2021, le groupe Amiens Septien avait soumis plusieurs amendements pour permettre à un plus grand nombre d'Amiénois ou d'Amiénoises de participer à cette action citoyenne. Nous avions notamment proposé de reculer la date de limite de dépôt de dossier fixée à un mois et demi seulement après. La majorité avait maintenu sa volonté de conserver ce délai très court. Nous nous étions donc abstenus. À la clôture de ce premier budget, les constats étaient donc attendus, enfin de notre part. Alors, quelques petits rappels qui ont été faits ici. Euh, seul un tiers des projets ont pu être retenus, euh, les présenter au vote des amis noirs. C'est-à-dire que sur les 150, voilà, on a 50 projets qui ont été retenus. Il y a quand même une déperdition, peut-être même une frustration de certains candidats postulants, mais ça tient peut-être sur le message initial, sur la présentation qui a été faite aux habitants de ce qu'est un budget participatif, ses périmètres, ses objectifs. Bref, il aurait fallu du temps. Si un, seul, si un tiers des projets proposés initialement étaient portés par des associations, on se rend compte à la fin euh, que 50% des projets proposés aux Aminois étaient associatifs. Bah, je, je dirais que c'est un, un, le savoir-faire des associations dans, dans l'élaboration d'un dossier a pris le pas sur des envies de citoyens lambda. Je pense que c'est dommage et que ça dévoile un tout petit peu la participation citoyenne. D'autant que 80% des projets qui nous ont été proposés ici sont des projets associatifs et pas des projets de citoyens simples. Quand on regarde après la liste des lauréats, on se rend compte que l'ensemble des secteurs de la ville ne sont pas impactés. Alors il y aura d'autres éditions, mais là sur, sur les propositions qui nous sont faites, bah, c'est très centré sur, sur certains quartiers, mais pas sur tout l'ensemble de la ville. Autre interrogation la qualité du mode de scrutin par voie électronique qui devrait être réinterrogée. Il semble qu'il n'y a pas eu de restriction de vote par adresse IP, une, deux ou trois votes. Apparemment, on pouvait voter euh, à la queue LE derrière le même euh, ordinateur, ce qui donne la possibilité d'afflux de votes, disons, concertés. Alors peut être qu'on pourra avoir l'eurodatage des votes pour se rendre compte qu'il y a eu peut être des choses qui étaient euh, à, à revisiter. Il y a des projets qui nous apparaissent comme budgetivores à l'échelle de l'ensemble de l'investissement. On a vu des projets qui étaient inscrits dans votre programme, dans votre programme électoral, les arbres, voilà, ou qu'on retrouve même dans la PPI. Et puis il y a d'autres choses, mais on a eu des différences entre les, les différents porteurs de projets, entre ceux qui étaient capables de faire de, du lobbying, de la pub dans la rue en distribuant des flyers, et ceux autres. D'autres qui n'étaient bah, voilà, pas réservés. Il voilà, y a quand même là quelque chose de distorsion au niveau des chances au départ. Alors nous, nous considérons ce budget participatif comme un outil de service au, au, de renouveau démocratique. Il est l'occasion d'aller à la rencontre de celles et ceux qu'on entend peu et de ceux qui se naissent de la politique. Pour nous, ici, il reproduit les travers qui nuisent au renouvellement de ces pratiques. Nous estimons qu'Amiens doit se doter de davantage de moyens, notamment via l'appui d'une équipe dédiée, véritablement dédiée, pour informer les habitants sur leur lieu de vie de l'existence de ce budget, les inviter à en prendre part, les accompagner dans l'élaboration du budget. Votre majorité semble s'acheter à bon compte l'image d'une ville proche de ses administrés et de ses préoccupations. Nous souhaitons que la Commission se réunisse donc au plus vite pour évaluer et redessiner les prochaines méthodologies à mettre en place pour les prochaines éditions. Merci. Monsieur Deschamps Eh bien, pour notre part, nous trouvons que cette délibération fait du bien. Nous trouvons que cette délibération euh, met de la gaieté et, euh, et met, euh, met en avant des projets qui font, euh, qui font plaisir à lire. Ce sont des projets qui ont été choisis par les Amiens Noirs et le listing qui a été fait par, par Stéphane Descombes, moi, il m'enthousiasme. Parce qu'on est sur du concret, on est sur, euh, sur des choix judicieux, sur des choix que nous-mêmes, en tant qu'élus, nous, euh, nous aurions pu statuer euh, euh, sur, euh, sur l'ère de jeu inclusif, qui est une merveilleuse idée, sur, euh, sur des bancs, euh, sur le chemin de halage. Et on se réjouit vraiment de la mise en place de ce, euh, de, de ce budget participatif. Euh, C'est la première année où vous le mettez en place. Euh, il a été mis rapidement en place, ça a été dénoncé par, 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 par une autre partie de l'opposition. pour le coup, je trouve que vous en êtes bien sorti parce que vous avez, été, vous avez su faire rapidement et bien avec un grand nombre d'amiers qui ont répondu et ça débouche sur des, sur, des, sur des sujets concrets. Donc voilà je trouve que ça fait du bien, ce type de délibération et, et, et je, tenais, euh, je tenais à le dire euh, une question euh, pour nous rassurer si vous le voulez bien euh, aujourd'hui nous avons nous sommes en, en 2021 euh, 11 11 sujets 11 11 lauréats ont été euh, sélectionnés peut-être que l'année prochaine il y en aura euh, 10 autres et en tout cas euh, chaque année ils vont s'additionner euh, des lauréats et donc vont s'additionner des projets euh, c'est formidable parce qu'une ville qui a des projets, c'est une ville qui avance. Mais la question et l'interrogation que nous avons, c'est de savoir comment les services vont réussir à, à suivre le rythme euh, d'autant de euh, concrétisation à devoir euh, mettre en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur cela, s'il vous plaît euh, Monsieur Mété Oui. Merci, Madame le maire. Euh... En complément, le budget participatif met en avant effectivement des, des projets intéressants. Nous profitons de cette présentation pour demander que dans les programmes de rénovation ou de construction, il soit présenté au-delà des budgets d'investissement les économies ou les charges supplémentaires attendues pour faire vivre ces projets chaque année. Cela peut concerner les flux, l'entretien, la mise en conformité, euh, le contrôle réglementaire. Et euh, cela pourrait être intéressant pour les projets de rénovation. Euh, entre autres, qu'on va faire, euh, qui, est, qui est mis en avant euh, dans la PPI, et permettra aussi d'avoir une vision sur euh, nos dépenses futures. Stéphane Descombes. Donc, alors le chemin pour y arriver. Euh, J'ai été effectivement assez euh, bref sur la présentation parce que je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps sur différents conseils de présentation, sur différentes commissions de présentation du budget participatif. Et je pensais que vous aviez déjà bien enregistré le, le, le principe. Je souhaitais plutôt justement m'attarder sur les différents projets lauréats qui, vous l'avez vu, sont tout à, fait, tout à fait intéressants. Vous avez bien fait de rappeler, monsieur, que vous êtes abstenu effectivement pour... Euh, le vote de ce budget participatif. Euh, et, euh, et voilà, est, tout le monde s'en souvient de toute façon. Euh, des associations porteuses de projets, euh, oui, il y en a, oui, et tant mieux. Parce que l'idée, c'est bien évidemment que euh, les citoyens euh, travaillent avec les comités de quartier avec les associations de leur quartier pour mettre en place des projets. Donc on a pas mal de citoyens qui sont allés à la rencontre des acteurs de leur quartier parce qu'ils ne se disaient pas capables de monter des dossiers et d'avoir un appui euh, matériel, informatique, administratif des associations, des, des comités de quartier, et c'est pour ça aussi qu'on a pas mal d'associations qui sont porte, porteuses de, de projets sur les 140 dossiers qui ont été présentés. Alors sur les 140 effectivement, il y en a eu 50 qui ont été présentés à la commission citoyenne, commission citoyenne qui était composée euh, de euh, citoyens engagés, de comités de quartier, de euh, citoyens tirés au sort, euh, de euh, plein de monde et tout ça avec un huissier de justice. Ça a été fait avec un huissier de justice le tirage au sort de la commission citoyenne. Donc euh, tous les quartiers également ont été couverts a priori puisque on a également de, des dossiers qui aujourd'hui ne sont pas forcément euh, euh, qui ne sont pas placés dans la ville. Donc vous pouvez pas dire aujourd'hui que tous les quartiers ne sont pas couverts. Et en couvrant également euh, 30 écoles, tous les quartiers sont ouverts, sont couverts. Alors par contre, effectivement, on n'a pas voulu euh, Sectoriser le budget participatif 2021, on aurait pu dire bah, c'est un million d'euros, on va mettre 200 000 euros au nord, 200 000 euros au sud, 200 000 euros à l'ouest, 200 000 euros à l'est et 200 000 euros au centre. Non, on a joué, voilà, on, on, on l'a laissé ouvert, on n'a pas mis de montant minimum, pas de montant maximal non plus. On, voilà, et ce qui fait qu'on a des très beaux dossiers, et heureusement d'ailleurs, parce que vous avez vu que. Euh, L'ère de jeu inclusive, c'est un gros morceau, puisque c'est 600 000 euros dans le budget de participatif de 2021, mais je pense qu'on peut tous s'en féliciter. Voilà. Alors, il y a aussi une chose à laquelle je pense, c'est je me demande à quoi servent les commissions auxquelles nous siégeons, puisqu'on a quand même pas mal de questions qui sont posées en commission et vous reposez systématiquement les mêmes questions. Donc c'est vrai que si on ne vous apporte pas les euh, les, les, les réponses, là, 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 je ne comprends pas. Donc euh, concernant alors c'était une question, je crois, de, euh, de Monsieur euh, Deschamps euh, qui, euh, euh, qui nous disait euh, que on n'avait on pas répondu en commission euh, à certaines questions. Alors je vous avoue que j'ai euh, j'ai euh, juste oublié cette, cette question de Monsieur Deschamps. Euh, si jamais il peut me la, me la, me la rappeler. Oui, non, pour, pour le coup, j'ai été sympa et je ne oui. me pas euh, posé de questions chantes. Euh, ouais. 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 Bon. Mais euh, moi, ce que je, ce que je dirais, c'est qu'on était en présence d'un numéro qui était une première. Hein, donc, euh, ah oui, on, a, a... on a voulu. Euh, moi, je, je voudrais aussi préciser que. On a voulu le lancer dans ce délai-là parce que euh, vous vous rendez compte, nous sommes le 28 octobre et nous votons le 28 octobre le choix des, des, des projets euh, qui ont été votés par les, par les Amiennois. Ben, si, on, si on vous avait suivi, ben, ce n'est pas en octobre qu'on l'aurait voté, c'est peut-être en, en janvier ou en février, donc on aurait loupé une année. Ça, ça aurait été quand même dommage. Tandis que là, on prévoit bien un million chaque année pendant les, les les cinq années qui vont se suivre en commençant dès cette année donc il euh, y, a, y a des choses qui vont peut-être être améliorées ça va être le le l'effet de, de la commission que, que Stéphane va réunir prochainement pour euh, pour faire un bilan hein, de ce qui s'est passé euh, euh, et des, des améliorations qui peuvent être apportées est-ce qu'il faut euh, est-ce qu'il faut prévoir des montants minimum maximum est-ce que c'est des sujets que des, des questions qu'on se pose, est-ce qu'il faut, euh, euh, est qu faut donner des thèmes de réflexion aux, aux Amiens noirs voilà. Il y a plein d'autres questions, mais, mais nul doute que ce sera amélioré au, au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, je me réjouis qu'on ait euh, ces 11 beaux projets. Tout hein, à je fait. crois ça. Oui, oui. 11 beaux projets. Tout à fait. Alors ça y est, la question m'est revenue de M. De, de monsieur Deschamps tout à l'heure. Si on allait faire du frigo en fait, garder des projets pour cinq ans et sortir ah oui. les, les projets de terre euh, euh, à la fin du mandat pour préparer une nouvelle campagne. Bah, on n'est pas là-dedans du tout quoi. On n'est pas là-dedans du tout. Je pense que on va enfin, faire au fur et me à me mesure parce à que les amis nous le demandent. Cette pas du tout posé cette question. Mais Monsieur Deschamps, vous n'avez pas la parole. <laughs> je voulais pas. De... Vous ne l'avez pas demandé. excusez et Je voulais je, pas, pas donner. <laughs> bon, mais peu importe. Peu importe. En tout cas, si vous aviez quand même, même dit demander dans quel délai, euh, et que, comment les services allaient pouvoir réaliser. C'est ça la réponse de M. De monsieur Descombes. Voilà. On peut passer au vote Oui, Madame Becker. Oui. Alors, euh, je repose la question à Monsieur Descombes qu'on a posée en en commission à laquelle vous n'avez pas répondu et à laquelle vous ne répondez pas non plus ce soir quand M. Voulmino vous la pose, sur le comptage des votes, l'eurodatage des votes. Comment vous pouvez nous... nous, nous Confirmer qu'il euh, n'y a pas eu d'une même adresse IP plusieurs votes, puisque vous parlez oui. d'huissier, mais vous ne parlez pas d'huissier pour ce décompte-là. Madame Becca, je vais vous répondre tout de suite. Je vais vous tout de suite. Vous êtes dans la suspicion, nous. Non, non, on je est ne partie. suis pas dans la suspicion. Es, C'est moi qui ai la parole. Excusez-moi, vous oui. l'avez plus. Je n'avais pas terminé, mais bon. Euh... Mais je, on avait compris le sens de votre, euh, non, non, de votre pas intervention. Pas bon, terminé. alors, terminé. Je vous remercie. Bon, et puis, euh, euh, vous dites que euh, ce, ce projet zéro, enfin ce budget participatif zéro, euh, vous a permis aujourd'hui euh, de faire les, les choses correctement. Mais si euh, justement ce projet de 600 000 euros d'air de, de jeu inclusive euh, euh, est, est, un, est un bon projet, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la PPI Il euh, y, a, y a énormément d'habitants de, de, qui ont proposé des projets et qui, et qui, et qui n'ont pas été pris, qui, qui se demandent comment, euh, comment les, le, le, les autres ont été euh, retenus. Et aujourd'hui, moi, quand on me dit, euh, est-ce que le vote, il a été contrôlé, est-ce que euh, plusieurs personnes n'ont pas pu voter d'une adresse IP, je ne peux pas répondre. Et je peux même leur dire, j'ai posé la question deux fois à M. Descombes, qui ne peut pas me répondre. Voilà. Mais la réponse est pourtant extrêmement claire. Non, ça n'a pas été vérifié, parce que nous, nous sommes dans le... Dans, a priori, dans, nous ne sommes pas dans la suspicion. Nous avons lancé un, une nouvelle opération et nous avons fait confiance aux amiens Bon, ben, écoutez, euh, voilà, maintenant, euh, le, le résultat manifestement ne suscite aucune réaction négative sur le fond des dossiers. C'est juste de la forme, ce que vous dites là. Donc, si on a la possibilité de, euh, de rendre plus transparent le, le, le vote des Amiénois, pourquoi pas Mais on n'est pas, nous, dans la suspicion a priori. On a voulu euh, que le budget puisse se réaliser dès maintenant. Et, euh, et si euh, l'ère de jeu inclusive a été euh, plébiscitée, eh ben, tant mieux pour les enfants qui, qui sont euh, porteurs d'un handicap. Et, euh, et on n'allait pas ensuite... Euh, Dire, ben, on, on le prend dans la PPI parce que ceci ou cela, non on, on a mis la règle du jeu clairement en place en disant que nous ferions euh, ce que décident les Amiénois par leur vote, euh, que nous ferions en, dans, dans, le, dans la limite des million d'euros. Stéphane Descombes. Oui, alors peut-être pour expliquer euh, à l'Assemblée ce que c'est qu'une adresse IP, parce que tout le monde ne, ne sait peut-être pas ce que c'est. Un ordinateur a une adresse. Euh, on va peut-être comment... pas rentrer dans le détail. Inter... Non, mais voilà, parce que Internet ça, Protocol, c'est une adresse pour un ordinateur. Stéphane, Stéphane, je te propose que ce soit en commission. parce que il Mais est... on en a déjà parlé. Il est commission. 22h39 et on n'est plus là pour, pour, pour donner des réponses qui sont hyper techniques à des sujets. Ben, voyez ça en commission, euh, ce, qui, ce qui peut être amélioré. Mais encore une fois, moi, j'affirme au effort que nous, nous faisons confiance aux Noirs Nous ne sommes pas dans la suspicion, a priori. Voilà. Allez, on vote. Qui est contre Qui s'abstient Mais... Bon, ben donc c'est adopté à l'unanimité C'est bien ça Eh bien, très bien. Parfait. Merci Stéphane. La parole est à Mathilde Roy pour le point 31. Oui, merci Madame le maire. Donc, il s'agit d'un dossier qui concerne la Croix-Rouge française et d'une subvention exceptionnelle pour cette année 2021. Donc, la démolition prochaine de la barre d'immeubles Mozart, dans le cadre du projet de renouvellement urbain d'Amiens Nord, a contraint l'association Croix-Rouge française à regrouper ses activités sur le site de Friant. Cependant, les espaces deviennent trop exigus pour la cohabitation de ces diverses activités. Elle a donc dû louer un local de 460 mètres carrés dans la zone d'activité de Montière afin d'y installer la partie de son activité liées au secourisme et aux urgences. Le loyer annuel charge comprise s'élève à 30 000 euros. Je vous propose de verser une subvention exceptionnelle de 10 000 euros au profit de la Croix-Rouge française afin de la soutenir dans la prise en charge de ce loyer. Y a-t-il des observations Il n'y en a pas. Alors on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci Mathilde. On passe au voeux maintenant et questions orales. Donc il y a trois questions orales. Je commence par celle de Madame Nouaour. Mes chers collègues, Madame la Maire, bonsoir. Il y a maintenant un peu plus d'un mois, nous nous félicitons de l'annonce de la rénovation de la passerelle Samarobriva, Brivard, fermée depuis plus de trois ans. Cette réouverture. Très attendu, des Amiénois permet de nouveau de relier directement le parc Saint-Pierre au quartier Saint-Leu. Une fois encore, je trouve que c'est là une bien modeste réhabilitation du parc Saint-Pierre que cette tardive rénovation de la passerelle. Comme lors du dernier conseil d'Amiensville, je vous invite à nous interroger sur la nécessité d'une rénovation plus importante du parc Saint-Pierre. J'insisterai également sur la place importante qu'occupe le Parc Saint-Pierre dans le cœur des Amiénois, avec la cathédrale et la tour Perret. Il constitue également un lieu incontournable pour qui souhaite passer du temps entre amis ou en famille. Cependant, je tiens à vous alerter sur l'état général dans lequel il se trouve. Vous le constaterez par vous-même si vous vous y promenez. Le parc a perdu son éclat d'antan. C'est bien dommage le peu de rénovation ou les maigres rénovations dont il a bénéficié ont permis autant de faire son œuvre. Voilà plus d'un an que je suis élu, je compte plus le no nombre de fois où j'ai été interpellé sur le peu d'entretien réalisé. Comme je l'exposais il y a euh, un mois, les Amiénois déplorent le mauvais état des sentiers, des chemins, mais aussi des passerelles de bois. Certains parmi eux s'inquiètent même. Pour la sécurité de leurs enfants lorsqu'ils vont s'y promener, n'est-il pas de notre devoir de réfléchir ensemble à un projet de rénovation de ce lieu patrimonial et partagé qu'est le parc Saint-Pierre Je vous invite donc encore une fois à penser la rénovation du parc Saint-Pierre afin qu'il constitue à être ce havre de paix et de nature pour toutes les Amiénoises et tous les Amiénois. Merci. Je passe la parole à Bruno bien aimé pour la réponse. Madame Nouaour, ben, je vais vous dire merci en fait. Mais vraiment merci parce que je pense que la réponse que je vais vous apporter elle permettra aussi de compléter euh, un peu la réponse qu'on a pu faire tout à l'heure sur la PPI, sur la partie transition écologique. Alors, la, la requalification de notre parc urbain, de nos parcs urbains, constitue une priorité forte du mandat, qui conduira à la fois à renforcer la qualité de vie des Amiénois et la qualité environnementale de notre ville. Une priorité fixée par Madame le maire et à laquelle j'attache haute importance, tant pour le parc Saint-Pierre que pour le parc de la Haute-Oie ou encore le marais des Trois-Vaches et tous les parcs de notre ville. Le parc Saint-Pierre, ce jardin contemporain de 22 hectares qui a été lauréat du prix du paysage en 2005, est effectivement victime de son succès. En effet, le labyrinthe de la cathédrale, le glacis des Ginkgo, les chambres vertes, la prairie et la plaine de jeu, le bassin aux nymphées, les marias, sont autant de pépites qui sont appréciées et utilisées par les aménois, les métropolitains et aussi surtout les touristes qui découvrent notre ville. Et comme le regard des autres n'est pas toujours un reflet égal à celui du miroir, je me suis rendu sur le site TripAdvisor, un site pour les touristes. Et vous y trouverez l'avis de nombreux touristes de passage à Amiens qui nous parlent du parc Saint-Pierre. Permettez-moi de vous lire la remarque de Robert qui a écrit le 20 octobre 2021, il y a huit jours Ouvrez les guillemets, vraiment excellent. Une balade magnifique. À chaque détour, on découvre un plan d'eau ou bien un grand espace où l'on croise des sportifs ou tout simplement des promeneurs comme nous. Et là, conversation s'enclenche. Super parc. À voir absolument. Si on est de passage à Amiens, trop beau. Je poursuis. Autre contribution. Mallory, août 2021. Parc vraiment sympa. Pour flâner et oublier la ville située juste à côté. Les espaces verts sont toujours bien entretenus. Et on peut y pratiquer beaucoup d'activités physiques, skate park, ba basket, vélo, etc. etc. Alors, vous l'aurez compris, ces commentaires sont très intéressants à lire, car ils permettent d'une part de nuancer certains propos négatifs et ils nous font prendre conscience du joyau situé au cœur du centre-ville, conçu par Jacqueline Hostie en 1993. Un joyau qui permet le mixage des publics, un joyau qui enrichit notre biodiversité, nos espaces naturels, un joyau vert, une émeraude qui presse qui préserve pardon, la santé des Aménois. Par ailleurs, nous venons de valider, il y a quelques heures maintenant, le plan pluriannuel d'investissement PPI. Et il ne nous a pas échappé dans la mission 3, le programme 4 qui porte sur la nature en ville et la transition écologique. Et nous avons prévu une autorisation de programme à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Oh, J'aurais tant aimé que ce soit 1,5 milliard d'euros. Millions d'euros. Pour la réhabilitation, je suis désolé Benoît, 1,5 milliard, je ne les ai pas trouvés. Du parc. Alors, concernant ce parc, un diagnostic a déjà été réalisé en 2020. Il sera proposé un phasage des différents travaux avec en premier ce qui relève de l'entretien, ce que vous évoquiez, rénovation des chemins, des berges et des zones sportives et tout le reste. Mais dans cette réponse, nous souhaitons aller plus loin en lançant une réflexion sur le positionnement du parc Saint-Pierre comme porte d'entrée sur les ortillonnages. Donc vous le voyez, ce parc n'est pas à l'abandon, il est en devenir. Il s'inscrit aussi dans une politique globale, dynamique et volontaire de reconquête des espaces urbains afin d'assurer le meilleur cadre de vie aux habitants en préservant ou en créant de nouveaux espaces naturels. Il ne vous a pas échappé également que dans cette PPI, nous avons prévu 1 million d'euros pour la rénovation du square Friand, avec de ses abords pour faire ce petit poumon vert, un îlot de fraîcheur. Comme je le vous disais en introduction, la transformation de nos parcs s'opérera à l'échelle de toute la ville. Je pense également à l'aménagement du marais des Trois Vaches, pour un montant dans la PPI de 1,5 million d'euros, qui correspond aussi à la friche, juste à côté dont on parlait tout à l'heure, de 3 hectares et demi. Suite à la, à la démolition de la tour, des tours, pardon, Daudet, qui deviendra à côté un parc pour les Amiénois. Je pense aussi à la requalification complète du parc de la Haute-Oise pour un montant de 9,3 millions d'euros. Un projet déjà en action, avec le lancement de la consultation citoyenne dont s'occupe Stéphane, qui nous a permis de recueillir près de 800 avis d'habitants. C'est dire l'attachement profond des Amiénois à leur parc à la place de la nature en ville, à la santé environnementale, à la place des animaux, au bien-être dans une nature non polluée. Au regard des nombreuses contributions des herminoides dans notre démarche de consultation citoyenne sur la Haute-voie, mais aussi pour le pacte sur la transition écologique, j'ajouterai que leur sensibilité se dirige aussi vers le renforcement de la biodiversité en ville, la préservation des zones humides et la création d'îlots de fraîcheur supplémentaires. Vous l'aurez compris. Comme l'a annoncé Madame le maire, la transition écologique et plus particulièrement la rénovation de nos parcs constituent une priorité tant pour les Aminois que pour l'équipe municipale. Nous veillerons donc tous ensemble à remplir l'intégralité de nos objectifs dans ce domaine. Et pour conclure, le débat que nous avons eu tout à l'heure sur la PPI et la transition écologique, j'invite chacun à méditer cette phrase. La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Debureau pour la deuxième question. Oui, Madame la mère si je peux me permettre, parce que je remarque que, que ça fait plusieurs fois, mais mon nom de famille c'est Debureau. Pardon. Il enfin, n'y a pas que vous, hein, mais je. D'accord. Je... Je, je ferai attention et je dirai <laughs> désormais Madame Debureau. Merci beaucoup, Madame la mère chers collègues, le quartier La Neuville est un lieu historique dans Amiens. Ses maisons en briques longeant la voie ferrée, il est chargé d'histoires cheminote. Dans le parc Léon-Pile, ainsi que dans les restes de sa piscine, résonnent les souvenirs des anciens et anciennes du quartier, la plupart ayant connu leurs plus grands exploits sportifs dans ces espaces gérés par la SNCF. Or, depuis nombre d'années désormais, plus un bruit que des curieux établissements désaffectés bordant les rues de la Terrière et, de, et la rue de Jean. De beaux volumes sont là, comme les serres à l'abandon. Savez-vous ce qui est prévu par la SNCF pour ces espaces Ne serait-il pas là l'occasion de redynamiser un quartier vieillissant alors que la ZAC La Vallée se développe petit à petit à quelques mètres Il serait peut-être temps également de refaire la voirie qui commence à devenir impraticable en deux roues. Je passe la parole à Mathieu Bovarly pour la réponse. Merci. Madame le maire, chers collègues, le parc Léompil situé sur la parcelle cadastrale cv 480, est aujourd'hui propriété de la SNCF. Son entretien est donc assuré par son propriétaire. J'ai pris contact dernièrement avec le service affaires immobilières du groupe SNCF afin d'évoquer avec eux le devenir de cet espace. Il m'a été répondu que le site est exploité par le comité d'action sociale interentreprise avec une convention. Le gymnase est quant à lui toujours exploité et utilisé par des associations sportives du comité et celui-ci souhaite redévelopper le site mais les projets ne sont pas encore connus. Le gestionnaire m'a cependant assuré que le sujet serait évoqué prochainement en interne et qu'à la suite des discussions, un retour me sera fait. Une fois ce retour reçu, je vous communiquerai des éléments de réponse précis sur le devenir de cet ensemble. Concernant l'ancienne piscine, elle est quant à elle protégée au titre des monuments historiques depuis 2020 et fait l'objet d'une vigilance toute particulière. Vous parlez de redynamiser le quartier de la Neuville. Je tenais à vous dire que les équipes du secteur Est, en lien avec le comité de quartier Saint-Achel, accordent une attention toute particulière à la bonne tenue et au dynamisme du quartier, quartier tourné vers les ortillonnages, lieu touristique incontournable de notre ville. Je tenais également à vous dire que depuis 2014, la ville d'Amiens, Amiens Métropole et la SEM Amiens Aménagement œuvrent que pour le quartier de la gare La Vallée, les ortillonnages se transforment et deviennent, quant à lui, un quartier tourné vers l'avenir. Cette transformation désormais engagée permettra sans nul doute d'aider aussi à la redynamisation du quartier La Neuville. Enfin, concernant la voirie, une partie de la rue de Jean sera rénovée cette nuit, des travaux étant en cours depuis 20 heures, afin de rénover la partie haute de cette rue la plus endommagée, ce qui permettra dès demain matin aux automobilistes, motards et cyclistes d'emprunter cette route en toute sécurité. Et je tenais à vous dire, chers collègues, que cette réflexion a été décidée bien en amont de votre question orale avec ma collègue Annie Verrier. La réflexion globale de cette voie, ainsi que ses usages, seront quant à eux repensés dans les années à venir. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler avec Annie Verrier et Martin Domise afin de faire coïncider cette rénovation complète avec les constructions à venir rue de Jean et la transformation globale du quartier. Je vous remercie. Alors, la troisième et dernière question orale a été posée par Amien Celtien sur la participation citoyenne. Je ne sais pas qui de vous la présente. Monsieur, Monsieur Descavets, allez-y. Alors, je vais euh, vous faire la grâce de, de la lire complètement, mais simplement pour, pour contextualiser un petit peu cette question, il y a un certain nombre de choses qui ont été, qui ont été redonnées tout à l'heure. Euh, dans le cadre de la PPI ou dans les réponses qui ont été apportées sur le, le budget participatif, sur, sur euh, quelques éléments de compréhension, l'enjeu pour nous, c'est de poser vraiment une question de méthode autour de, autour de, de la question de, de la participation citoyenne. On a vu beaucoup de, beaucoup de, de, de choses apparaître, des concertations, des, des consultations. Euh, Aujourd'hui, avec le contexte très, très numérique, mais, mais euh, euh, voilà, il y avait pour nous la, la volonté de comprendre un petit peu comment. On, on travaille euh, avec un enjeu fort quand même qu'on a tous relevé sur les dernières échéances électorales, je pense même aux élections municipales avec une participation citoyenne qui a été euh, euh, voilà, euh, extrêmement alarmante. Euh, et du coup, comment, comment en termes de méthode et d'accompagnement euh, des citoyens vers la prise de décision, euh, vers euh, regagner du pouvoir d'agir et, et ce, voilà, euh, sur quelque chose qui, est, qui, est, qui fait la, la démocratie et puis le, la foi en les, des, citoyennes des citoyens et des citoyennes en fait qu'ils ont euh, voix au chapitre et qui sont… Euh, euh, aussi en capacité de, de, de prendre leur part. Euh, voilà, si on pouvait avoir un petit peu euh, sur, le, sur le, la méthodologie euh, euh, des choses qui, qui, euh, qui donnent un cap euh, aussi en termes, de, en termes de recours à l'action collective et puis des questions qui vont revenir sur euh, quelle médiation on met en œuvre euh, au long des projets entre la, les réponses techniques qui vont être apportées aux citoyens et puis, euh, et puis leur, leur envie de, de, de mouvement. Euh, comment du coup les moyens humains notamment euh, vont, être, vont être au rendez-vous? Merci. Eh bien, je vais passer la parole à notre spécialiste, Stéphane Dekum, qui va compléter ses propos de tout à l'heure et pour vous répondre. Merci, Madame le maire. Alors, il y a une question orale qui a été posée, donc je vais vous, vous, vous répondre. Euh, chers collègues, euh, les trois priorités fixées par Madame le maire ont été euh, clairement formulées depuis euh, le début du mandat et ces priorités focalisent l'action municipale dans trois directions. L'attractivité, pour faire en sorte qu'Amiens reste une ville vivante, animée et qui encourage la création des emplois. L'écologie, pour devenir une ville à haute qualité environnementale et qui renforce toujours plus la qualité de vie des habitants. Et enfin, la participation citoyenne, pour renforcer la mobilisation des Amiens à la vie de leur cité. Notre volonté de développer la participation citoyenne à Amiens est à lier avec les bouleversements que connaît notre démocratie. Je pense en particulier à la crise sanitaire, au renforcement des inégalités ou encore à la faible participation électorale dans notre pays. Ces bouleversements font apparaître une forte demande de participation des habitants à la vie locale. Le succès de nos dernières démarches de concertation et de consultation confirme de manière éclatante l'attachement des Amiens à leur démocratie participative et à leur envie de participer toujours plus à la vie locale. Comme Madame le maire, je considère qu'Amiens regorge d'habitants aux idées foisonnantes. Cette richesse de l'engouement, nous devons la préserver et la renforcer. Le renouvellement de la démocratie doit se faire avec la pluralité et la diversité des acteurs qui composent notre ville. Nous devons faire confiance à cette expertise citoyenne pour expérimenter de nouvelles formes d'engagement citoyen, les évaluer et les consolider. Notre mission consiste à accompagner cette effervescence citoyenne en apportant pédagogie et proximité vous l'avez compris en tant qu'élus locaux il est de notre devoir d'ouvrir les voies et de faciliter les moyens d'expression libre de la démocratie. durant la première année de mandat nous avons beaucoup travaillé pour rénover moderniser et transformer notre démocratie participative. par votre question orale vous souhaitez connaître notre stratégie en la matière. Permettez-moi de vous en exposer les grandes lignes. Tout d'abord, nous avons déployé une plateforme numérique de concertation pour donner l'opportunité à chaque Amiénois de s'exprimer sur les projets conduits par la collectivité. En fonction du type de concertation que nous menons, ils peuvent aussi déposer des idées et même voter. Je vous précise que nous continuerons à multiplier ces démarches de consultation durant le mandat. À chaque fois que nous le jugerons utile. Vous avez pu le constater depuis son lancement, cette plateforme est victime de son succès. À titre d'exemple, la première édition du budget participatif a mobilisé 4355 participants. Sauf erreur de ma part, jamais dans l'histoire d'Amiens, une consultation n'a mobilisé autant de participants. Par ailleurs, je vous confirme que nous associons les comités de quartier. Et les habitants dans la mise en place et l'évaluation de nos outils. C'est le cas par exemple lors de l'installation de la commission citoyenne, chargée de valider les projets déposés dans le cadre du budget participatif. Cette commission fut composée majoritairement d'habitants tirés au sort, d'un comité de quartier, d'un membre de conseil citoyen et de citoyens engagés, tirés au sort également en présence d'un huissier de justice. Je vous confirme, que nous associons. Ce sera encore le cas dans quelques semaines, lorsque nous permettrons à l'ensemble des porteurs de projets du budget participatif d'évaluer ce dispositif par un questionnaire. Pour nous donner les moyens de notre ambition, je vous informe que nous avons mieux structuré le service démocratie locale par la création d'une nouvelle direction intitulée démocratie locale et citoyenneté. Par ces missions, elle fait notamment la promotion des différents dispositifs de concertation afin de les faire connaître au plus grand nombre d'habitants. Enfin, la méthodologie pour le déroulement des concertations sera peaufinée par la mise en place de la charte de la participation qui sera opérationnelle l'année prochaine. Elle sera co-construite avec une pluralité d'acteurs de la vie locale afin de répondre au mieux aux attentes des habitants. Pour conclure mes propos, je souhaite remercier chaleureusement la nouvelle directrice Anna Grabovic et toute sa direction pour le travail de rénovation des outils de la démocratie locale. Je rappelle que cette équipe a effectué un travail colossal cette année par le lancement du budget participatif, par l'organisation des rencontres européennes de la participation qui ont rassemblé plus de 700 participants venant de toute la France et de l'étranger par la relance des balades urbaines stoppées depuis la crise sanitaire, ou encore par la mise en place des réunions trimestrielles avec les comités de quartier. Des comités de quartier que nous avons encore réunis cette semaine et qui se disent satisfaits par les objectifs fixés par la nouvelle direction démocratie locale et citoyenneté. L'aventure se poursuivra avec la reprogrammation des journées ensemble dans votre quartier et par les opérations. Bonjour Madame le maire. Je vous remercie. Merci. L'ordre du jour de notre séance est, étant épuisé, je lève la séance et je vous donne rendez-vous le jeudi 9 décembre à 18h.